Mec. Et non, je suis pas à l'endroit, c'est une descente de police. Et en fait, c'est ça que je redoutais. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure que t'es de dos, et je me suis dit, ah là 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 là, qu'est-ce qu'il va nous préparer comme meilleur? Et j'ai ma réponse, effectivement, j'ai bien flop, fait d'avoir peur. Flop sub 13 secondes, c'est mon nouveau record là. C'est le nouveau là, PB. C'est le nouveau PB là. Rémi dans ta gueule. Hein. Attends, je pense même que c'est le world record en vrai. Mais qui peut faire ça aussi vite? Oh, je pense en vrai personne peut faire ça aussi vite. Domingo de fou, non mais voilà, c'est ça. Personne peut faire ça aussi vite que lui. Il mais est voilà, meilleur à la seconde que tout du lancement. Dans ce domaine. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bravo, bravo à tous d'être là. Clap 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 clap. Bravo, bienvenue bravo. Dans Zen. On a une émission, c'est un délire. Hein. Là, je peux vous dire les amis, l'émission elle va être légendaire. Bah, c'est vraiment hâte. Oui. Oui, c'est Zen, l'émission Chicos du moment. Ouais, c'est, ouais. Vrai, c'est vrai, j'avais oublié qu'elles sont toutes incroyables. Ben voilà, c'est ça, incroyables. C'est ça. Mec, je viens de capter qu'on n'a pas les mêmes sièges qu'avant. Ouais, moi j'ai remarqué tout à l'heure. Mais c'est moins bien. Ouais. On est d'accord. Moi je suis nostalgique là. Tu vois, on avait les bons sièges, nos problèmes à l'époque quoi. Il y avait nos problèmes. En fait, là, on je suis pas à l'aise. Toi, je sais pas, moi j'ai froid. Ils me font froid un peu les sièges. Non, moi j'ai un jean, ça va. Mais ouais, j'avoue, toi t'es en slip. Mais tu bah, mets moi à Paul en live. Toi t'es en slip. Mais oui, on nous a changé. Mais je crois on a perdu du budget là. Je pense que c'est Joyka. Joyka, il coûtait trop cher. Joyka, il a tout volé, frère. Joyka, ça coûtait trop de sous. Ça coûtait trop de sous, coupe budgétaire. On n'a pas eu le choix. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis très content de vous retrouver. Moi, ça va. Hein. Non, toi, j'ai pas spécialement besoin de te demander parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'on est ensemble. Ouais. Un peu trop. Ça fait déjà 105 émissions qu'on fait à deux, c'est un truc. Ouais, de c'est ouf. Vrai. Tu sais que je sais pas pourquoi, je sais pas si ça te fait ça, mais vu que c'est tous les 15 jours, moi j'ai ce truc, j'ai l'impression que on recommence l'émission, mais que ça faisait longtemps qu'on avait fait une pause. Alors qu'en fait, il y a pas. Ouais, alors qu'il y a pas de pause jusqu'à l'émission, elle est rare. C'est mais ça. Est-ce que c'est pas sa rareté qui fait sa force? C'est un peu. Franchement, je suis un peu en mode. Il est trop fort ce mec. Ce mec. Aujourd'hui, les amis, vous l'avez vu dans le titre, nous recevons. Joyka. On recevra Freddy Gladieux. Pas tout de suite. Ça sert à rien. C'est pas tout de suite. Applaudissez pas encore. Voilà. Mais on reçoit Freddy Gladieux et ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel et on a prévu beaucoup de choses. Vous le savez, à chaque fois on veut faire quelque chose d'un peu différent. Bon ben là c'est le cas. Là c'est comme avec Joyka, c'est-à-dire qu'on va pas tout le temps être ici. Vous verrez un petit peu et ça va être sympatoche. Versatile, mais avant quoi. Avant ça. Je vous demande, droit dans les yeux, je m'adresse aux Français. N'hésitez pas à rejoindre le Twitter de l'émission ou le YouTube, évidemment, de l'émission qui est disponible juste ici. Regardez, il suffit de cliquer. Le Zen Émission tenu par Ecrisio, ça me dégoûte de dire ça. On a le meilleur CM, on a le meilleur CM d'Europe. C'est une rediff, oui, c'est une rediff. C'est une rediff, on n'est pas en live. Mec, ça prouve. Ça prouve quoi? Regarde, ça approuve. j'ai envie de te virer, mais je peux pas. Bah ouais, tu peux pas. Bah ouais. Mais dans 2 heures, quoi. Ouais. Dans 2 heures. Les amis, profitez bien de cette émission, car c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. Non. Il en reste une après celle-là. Et bye, ciao. On part en légende. On part. Qu'on reviendra? Peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, là, pendant l'été, vous ne nous voyez pas, les mecs. Hein. Pendant l'été, vous ne nous voyez plus. Tout ce qui vous restera, c'est les live speedrun de Rémi, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, à la rentrée, si on repart, je ne sais pas. En tout cas, je ne ferai plus rien avec Ecrisio. Avec waouh. Le lapsus révélateur. Je ferai plus rien avec Ecrisio, mais je voulais dire Grimm pour le coup. C'est-à-dire que c'est terminé. Après ça, il n'y a plus de Grimm, il n'y a plus de trucs. C'est vraiment. Je verrai. Mais même Théo Russe, il est chaud. Enfin voilà, avec d'autres gens. Non, mais on est amis. Mais pas du tout avec Ecrisio. On est amis de base. On se voit, on fait d'autres lives ensemble et tout. Tu vois, il n'y a pas que Zen. Voilà. Mais en tout cas, je suis quand même content. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'est vrai que le temps passe vite et que c'est déjà l'avant-dernière bientôt. C'est la première fois. Où on s'est pas dit à l'avance, parce qu'à chaque fois on essaie toujours de faire une petite intro. Tu sais, on parle d'un truc d'actu et tout. Ouais, et là, pour la première fois, c'est vrai qu'on a pas d'actu. On est un peu en freestyle. En fait. On est un peu en freestyle. Mais okay, c'est parce qu'en fait, on a tellement bien calibré l'émission qu'il n'y a pas besoin. Qu'on est tranquille. De remplir au début. On n'est pas en mode ouais, il faut tenir tant de temps parce qu'après. Non, là, on est tranquille. On peut faire quand on veut en fait. L'émission de Chicos. Viens, en fait, on arrête de parler pendant 2 heures et c'est l'émission. Vas-y. En vrai, c'est le seul moyen pour que tu fasses pas de flop. T'as vu, t'as pas fait de flop là pendant 10-15 secondes. Je pense que le chat a pris une vraie bouffée d'air. Je pense que là, vous êtes prêts. Ah, là, c'est mieux, tu vois. Genre, je trouve, tu vois, il y a eu un moment de pause et on peut repartir. C'était pas cool.
Non, si, non, non, mec, je rigole, t'inquiète. C'est quoi les actus? Les actus, les actus que vous n'avez pas vu. Non, mais non, ça n'existe plus, ça. Les actus de les trois boules d'actu. Non plus, non plus, non plus. En plus, je voulais parler de plusieurs trucs. Il y avait Will of Green, toi tu l'as pas fait, donc t'étais content. Ouais, ah là là. Ils sont arrivés à Will of Green. Will of Green, ou plutôt Will of la pluie et la boue par terre. Et toc, dans vos gueules. Là. La gadoue. Ça vous apprendra à y aller, et nous, on n'y va pas. Il y en a qui sont allés avec leur nouvelle paire à 500 euros. Hein. Ouais. Ils avaient la gadoue. Ils avaient des belles Sakai waffle, je sais pas quoi, toutes blanches. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait Will of Green, le festival. Un petit festival, ça faisait 3 ans, je crois, qu'il n'avait pas fait, avec le Covid, tout ça. Ah et pour leur. Ouais, ouais. Du coup, c'était en mode vraiment le gros retour. Et là, ils arrivent. Jeudi, vendredi, ça va. Samedi, tout se passe bien. Bang, grosse pluie incessante. Il y a quelqu'un qui a dit, mais il cite son propre tweet là. T'as tweeté ça? Ce que t'as dit en direct là? Tu l'as tweet? Non. Non, je. Tu refais tes tweets en direct? Non. C'est une dinguerie, c'est trop matrixé ce mec. Non, c'est quoi vos sneakers pour l'été, les gars? Il est trop. Mais c'est un tweet, ça, je l'ai vu! Je l'avais passé, lui! Mais non, les gars, je reviens dessus, je bloque les trolls. Salut, tu veux faire du business? Bon, bah voilà. Là, tu c'est une vidéo, là. Ah ouais. C'est une vidéo, là, ouais. Des gourmands, là. C'est plus de blagues, on a la fin de la saison. Vas-y, en vrai. Saison, bah, ouais, c'est ça, on a besoin de vacances, comme ça, c'est on bon, peut. Fini, on a faut plus. Remplir la. On a plus. On arrive même plus à flop, frère. C'est trop grave. Vous le savez, les amis, depuis peu, il y a Appen qui nous suit dans l'émission. Appen, bien sûr, application de rencontre que vous connaissez tous. Vous pouvez croiser vos crushs, vous les croisez dans la rue, vous les croisez sur l'appli et vous pouvez tchatcher avec. Et ça, c'est fantastique. Et ils sont là, regardez. Je ne sais plus, mais à un moment, vous allez voir le logo. Je crois et là. Voilà, si vous voulez, vous pouvez. Il y a une commande. C'est en haut à ma gauche, on m'a dit, donc c'est là. Il y a une commande aussi dans le chat, n'hésitez point pas à aller voir. Appen. C'est ça, point d'exclamation Appen. A-H-A-P. Point d'exclamation Appen, c'est très simple. Et comme ça, au moins, vous cliquez sur le lien, il y est actuellement là dans le chat. H-A-P-P-N, vous pouvez cliquer, vous pouvez soutenir l'émission, ça nous régale. Merci. C'est gratuit, nous, ça nous soutient et c'est parfait. Et du coup, on s'est dit que pour leur dire merci, parce que quand même, ils nous ont soutenus pendant longtemps. On a un sponsor pour la saison quand même. C'est quand même, on a fini l'émission avec un sponsor et ça fait plaisir. Je vous aime. Merci, Liv. Parce qu'il y a quand même des gens à payer. Hein. Par exemple, moi. Paye-moi. Du coup, je voulais te faire un petit quiz à la place pour pas. Parce que forcément, l'argent. Tu sais, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ouais, c'est vrai. Et je me disais que je pouvais être récompensé avec autre chose que de l'argent, c'est-à-dire du kiff. Et du coup, bah, je me suis dit, si je fais. Je suis à la rue. Si je te fais ce petit quiz, t'as pas besoin d'avoir de l'argent parce que pourquoi l'argent quand on peut kiffer? Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un petit quiz à Grim avant d'accueillir Freddy dans lequel on va tester ses capacités de séduction. Tu sais, tu m'avais relooké la dernière fois. Ouais, maintenant, ça, c'est à moi ça, de, c'est un petit peu à moi de voir un petit peu ce que tu sais faire. Ok. J'encourage les modos, vous pouvez. J'encourage. J'ai un problème, j'ai une maladie. Non mais non mais tout à l'heure il m'a fait une blague. Là, on est beaucoup, super parce qu'on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à ça. Pose des questions s'il te plaît. Mais pose des questions. Ça marche. Bon, j'ai essayé de poser des questions. Mais pose des questions. Ça marche. J'ai quelqu'un qui dit soit normal. Arrête de sourire. Arrête de sourire. Les modos, vous pouvez essayer si vous arrivez. Ah, vu que j'ai viré la moitié des modos, c'est vrai que j'ai fait ça. Ah, quoi, mais pourquoi? J'ai regretté. Je sais pas parce que je faisais du speedrun, j'étais vénère. Ah. Dès qu'il y en a un qui disait un truc, j'ai. Ouais, du coup, vu que t'as chié en speedrun et que t'arrives pas jamais à bébé. J'ai fait 24 et quelques. 24 heures à la limite. Du coup, si vous voulez faire un petit sondage, n'hésitez pas. Si vous y arrivez, il y a, en gros, je vous le dis, hein, il y a 5 questions. Voilà, si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Regardez, les amis, vous pouvez répondre avec nous. Il y a à chaque fois 4 possibilités A, B, C et D. D. Première. Non. Attends. C'est pas... A. Non, mais attends, je te dis la question. Ah, ok, ok, ok. Première question, Grim Cujo. Voyant que le gold est impossible à atteindre à cause de l'algorithme, ça. On l'a écrit avant que Sardoche soit bon. C'est pas du tout. Oh là là, oh le free shot. Non. Oh le free shot, c'est pas du tout. C'était écrit depuis longtemps. Ah donc t'envoies un pic à Sardoche là. Non. Sardoche, tu vois, il galère et tout en Corée et non toi tu le vannes. Mais t'as pas honte. Non. Je parle de League of Legends, ça tombe au hasard. Voyant que le gold sur League of Legends est impossible à atteindre à cause de l'algorithme, vous avez décidé de changer de vie et vous vous reprenez en main en vous inscrivant sur Appen.
te rappelle que c'est sponsorisé. Non, mais c'est normal. Je... Oui. En fait, quelle photo de profil choisissez-vous? C'est quoi les choix? Petit A. Oui. Vous, devant votre setup double écran, chaise Fnatic, clavier Razer, tapis de souris Ichigo. Ouais. Autant jouer carte sur table. B. Mm-hmm. Vous, dehors, avec un t-shirt Creeper. Oh, ouais, comme là. En vrai, c'est... Ouais, c'est... voilà, t'as les trucs là. C'est du propre, le B, en vrai. C. Avec le costume qu'on vous a forcé à mettre pour le mariage de votre cousin. Après tout, les ouais. affaires sont les affaires. Et D, le classique, hein, le selfie, t-shirt blanc, parce qu'attention, vous passez en mode enflure. C'est ça. Bah, en vrai, en temps normal, tu vois, en mode... Les gens ont l'air de dire le C. Moi, tu vois, pour faire une petite photo en mode relax et tout, pépère, ouais. Style, mais des contrats, je dirais D. Mais, vu que je veux passer plate, il faut que je crush avec Yon ou un perso stylé, tu vois. Du coup, A. Ah, c'est pas mal ce que tu dis, je comprends. Ouais. Ah, je comprends. Du coup, A. Malheureusement, la bonne réponse était B. Et le chat l'avait en majorité, franchement. Comment ça, B? Le chat l'avait en majorité. Eh oui, la réponse était B. Il y avait un piège. Le A, c'était OK, parce que c'est important de savoir garder, tu vois, le naturel. Mais il faut avoir le petit jardin secret. Bah oui. On se dévoile pas trop tout de suite. Le B, on avait un petit peu le truc. Bravo à ceux qui l'avaient trouvé dans... Bravo à ceux qui l'avaient trouvé dans le chat. Vous y étiez presque. Bravo. Bravo. Et pourquoi pas la C ou la D, du coup? On passe à la question B. 2. Je crois que j'ai une justification pour chaque réponse. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Passe à question 2. Grim, concentre-toi, ouais. T'as 0 sur 20 pour l'instant. Il y a eu une question, t'as quoi. T'as 0 pointé. Il y a eu une question, c'est normal. Ouais. Après une centaine de likes sans réponse, vous avez enfin réalisé que vous n'étiez ni footballeur professionnel, ni Dua Lipa. Bingo, c'est le crush. Maintenant, comment engager la conversation? Tu as enfin eu ton crush. Après des tonnes et des tonnes de... Tu as enfin eu ton crush. Ouais. Réponse A, t'envoies une disquette. Oh là là. Tu connais toutes les disquettes de Yas, t'as vu ses stories. Oui. B, salut, ça va, tu fais quoi? Fur. Directement. Très propre. Ça marche très propre. Sur Snap, ça marche sur Twitter. J'ai fait moi, ça a marché. Hein. Ça fait son petit boucan. Ouais. C, tu lui demandes ce qu'elle faisait au Cap d'Agde. Drôle d'endroit pour se croiser. Parce que je te rappelle que l'appli marche un peu avec les gens qui se croisent. C'est où le Cap d'Agde? Le Cap d'Agde, c'est un truc où les gens ont tendance à se mettre tout nu assez souvent. Sur la plage. Et bien renseigné que. Non. D, vous lui demandez son Discord. Bah, réponse A, pas trop, ça marche pas trop. Ouais. Question D, bah, je parle pas avec Théo, du coup, ça sert à rien. Je pense, question B, tu sais, en mode, ça, tu fais quoi faire? Tu vois, la surprise. Ah ouais, tu la surprends. Tu fais quoi faire, tu vois? Ah ouais, ouais, je pense, ça marche. Cap. Surprise, bang. Moi, je dirais B. C'est ta dernière réponse. Le chat dit D. Ils ont pas de goût. C'est... Le chat dit... Ah non, il y a un peu de C, B, D. C'est BD, c'est le truc... Tu fais la promo des ballons? Non! Non! Tu fais... Maxime Gaggi fait la promo des ballons? Non, 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 non! Le chat dit B, c'est votre B. Dernier mot. Toi, t'as dit B aussi? B. Ouais, vous avez tous faux. Bravo à ceux qui avaient dit C dans le chat. Et Crisio avait dit quoi? Il avait dit D. Non, non, il fallait dire C. Pourquoi? La réponse est oui. Vous pouvez toujours essayer de demander Discord, mais c'est risqué. Il faut vraiment viser juste. Assurez-vous plutôt avec la réponse C en ouvrant la conversation avec un petit jeu qui suscite l'intérêt. Oh! Et oui! Et pourquoi question B, elle ne marche pas? Et oui! Les disquettes de Yas, ça a marché qu'avec lui, sinon ça se saurait. Et la B, ça ne marche pas parce que c'est les repris de justice qui font ça. Les disquettes de Yas, ça marche, il y a un service après-vente là dans le chat. C'est... Mais déjà. Sûr que je pense vraiment que. Déjà, ne prononcez pas son nom dans mon chat, s'il vous plaît. Ici, il est blacklist. Hein. Déjà, il est blacklist. En plus, il est pas banni tout le monde, lui? Il est banni tout le 92. Je viens de mettre l'IP dans le 92. C'est une dinguerie, ça. Vas-y. Troisième enchaîne. Question, Grim, t'as 0 sur 20. Vous avez échangé plusieurs messages. Le feeling Méchage. Est là. Tu te manques encore de maladie? Non. Dis la question. Vous avez même raté une soirée de clash pour lui parler. Clash Royale. Tournoi sur League of Legends. Les soirées de clash. Oui. Il est temps de se rencontrer. Où allez-vous? Réponse A. Le cinéma. C'est le grand classique. Ouais. En plus, en ce moment, il y a Marvel. Et Crisio, il a kiffé de fou. Doctor Strange 2. Au concert de Ziaq. Ouais. Comme ça, on peut venir cagouler. Moi, j'ai vu Coupé récemment au cinéma qui était très cool. Film français. Ah oui, avec Michel Hazanavicius. C'est un remake d'un film japonais. Avec Béronice Bejo. Oui, tu te fais spoiler, tu te fais filer des infos, on dirait. Mais oui, parce que c'est parce qu'en fait, il est amoureux de. Ah, bah, ok, bah, c'est super. Vas-y, dis les autres réponses. Donc, le cinéma grand classique, ouais. Hein, testé, approuvé par Ecrisio, il adore le dernier Marvel. Au concert de Ziaq, comme ça, on peut venir cagouler, ça vous évite de montrer votre visage. Ça, Ecrisio, il a validé de fou. Ça, il adore, c'est ça, je pense. Dans un kebab, parce qu'au pire, si il est nul, au moins, on a bien mangé, ça n'a pas coûté trop cher. Ça a été testé et approuvé par Ecrisio. Et enfin, la réponse D, un pique-nique dans un parc. Vous ramenez à manger, il, elle, ramène les boissons. Voilà, c'est nos problèmes. En vrai, le A, je dirais en deuxième rendez-vous. Mais du coup, pour le premier, je dirais le D. Un petit pique-nique,
petit pique-nique, voilà. Mec, tu avais raison, parce que les trois autres, j'ai mentionné Ecrisio, et c'était voilà. L'erreur à ne ça, pas faire. Je l'ai capté, ça. C'était l'erreur à ne pas faire. Parce que oui, parce qu'Ecrisio ne sort pas de chez lui. C'est ça. Il ne faut jamais écouter Ecrisio, et c'est pour ça. Qu'il est banni de la chaîne. Non. Que... Ah. Non, non, le bannez pas, parce qu'il faut qu'il fasse les tweets et tout. Ouais, à 21h, on le blacklist, okay, c'est bon. Parfait. Les amis, nous allons bientôt recevoir Freddy Gladieux. Enfin, recevoir. En tout cas, on va essayer. Parce Il faut le retrouver. Voilà, on n'est pas sûr. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui passe en ce moment sur les réseaux sociaux. Il est où, Freddy? Vous pensez, il est où, Freddy, les gars? Moi, je ne sais pas où il est. J'espère vraiment qu'on va le retrouver. Merci, Link, pour le raid. Il y a un raid de Link, c'est vrai? Je pense. Je pense que c'est pas vrai. Alors, je pense que c'est pas vrai. Je pense juste, c'est Tibro, il a fait un faux raid. Je pense juste c'est Tibro. C'est pas mes raids by Link. Je pense juste. Non, je l'ai vu. Merci, Link. T'as vu le raid de Link? Non, mais j'ai vu Link écrire, ouais. C'est vrai? Mais tu ne te mets pas à poil. Bon, bah, je suis hors champ. 3, 2, 1, Link. Hip, 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 hip. Hourrah. C'était Link, fallait dire. Trop tard. T'as tout niqué, ils vont tous partir. Oh non. Bravo à vous, bravo à tous ceux qui nous rejoignent. On est dans Zen, hein, l'émission Chicos, bien sûr. Branché chez les jeunes. Bien sûr, branché, Chicos du moment. Les amis, nous allons dans quelques instants recevoir Freddy Gladieux. En tout cas, on va essayer de le retrouver. Et Dieu sait ce qui va se passer. Ben, nous, on sait. Nous, on sait. En vrai, la prod, en vrai, il y a plein de gens qui savent. Il y a un brief, genre. Il y a un conducteur, ouais. Donc on sait ce qui va se passer. Mais avant ça, nous allons finir le quiz. Grim Cujo, il te reste... deux réponses possibles pour l'instant sur les trois dernières. Tu as fait deux faux, un vrai. J'ai gagné 500 euros du coup. Non, t'as rien gagné pour l'instant. Pour l'instant, tu me dois 1000 balles. Bon, mais bon. Tu peux encore baisser. Ah, donc ça. Bon, vas-y, on enchaîne. Tu peux baisser. Hein. Quatrième et avant-dernière question. Ouais. Le deuxième date arrive. Tu parlais du deuxième date tout à l'heure. Oui. Il est temps d'en dévoiler un peu plus sur vous. Vous lui proposez petit A, une soirée Netflix, ou tu acceptes de recommencer Naruto à l'épisode 1. Ah, c'est trop long. Ce week-end, c'est la finale des IEM sur CSGO. Est-ce que ça te dit? Ça, c'est la réponse B. Mm-hmm. C, tu connais Twitch. Viens regarder Zen, tu verras, ouais. C'est marrant. Tu peux même te sub à Maxime Biaggi. C'est seulement 4 euros. Encore moins si c'est, tu as... C'est pas écrit, ça. Encore moins si tu as Twitch Prime, puisque avec Twitch Prime, il suffit de lier son compte Amazon et Prime et tu peux te sub gratuitement. T'en profites, sans forcément. Tu profites du raid pour faire la pub de Twitch Prime. D, la finale de Roland-Garros, parce que tu es Rémi Tennis. Je rêve du tennis, c'est pas possible. Ça serait bien. Ce truc de ouf. Ça serait bien. En vrai, ça fait mon rêve. En c'est, vrai, c'est son année. Je serais bien allé aux IUM de CSGO si je regardais CSGO. Du coup, je regarde pas. Naruto, c'est quand même sacrément long et il y a des moments un peu chiants. Du coup, 700 épisodes, c'est beaucoup. Ouais. Tu connais pas tout, je viens regarder Zen. Moi, j'aime bien. Tu sais, c'est un peu mon émission en plus. Ouais, prochaine saison sera sur ma chaîne. Du coup, moi, je trouve que ce serait pas mal. On en parle après, si tu veux. Après l'émission, on en parle de ça. Ouais, que c'est acté. Bah, du coup, réponse C. C'était la bonne réponse. Réponse C. Bang. N'en déplaise à Rémi Tennis. Hein. Désolé, Rémi. N'en déplaise à Rémi Tennis. C'était vraiment la réponse C, la bonne réponse. Bravo, bravo. Tu as déjà deux bonnes réponses sur 4. Oh là là là. Pour l'instant, tu as 10 sur 20. C'est peu. C'est nul. Quoi? C'est nul. Les amis, dans une question, nous allons retrouver Freddy Gladieux. C'est tout de suite. Si vous répondez mal, je cut le live. Il n'y a plus d'émission. Concentrez-vous. Du coup, attends, si je me trompe, c'est cut? Si eux se trompent. Mais ils vont tous dire des réponses différentes. C'est pour ça qu'il y en a forcément un qui ne va pas se tromper. Cinquième et dernière question, c'est bon. Vous êtes en couple, il vous faut maintenant trouver la recette pour que ça puisse durer. Pas de bolo. T'es con, quoi. Petit A, c'est compliqué. Vous vous rendez compte que vous êtes épris d'une femme à l'humeur vengeresse. C'est Nekfeu. Ouais. Ce qui fleurit un peu. Ouais, t'as une vraie plume. Merci. C'est pas moi qui dis Nekfeu. B, vous ne faites aucun effort. De toute façon, être en couple, ça fait mal que quand tu tiens. C'est encore Nekfeu. Je crois qu'il avait plus d'inspi. Mais c'est toi qui as tout écrit, c'est super mal écrit. Ça. C'est vous abusez des compliments en lui demandant tous les madins. Oh non, tu vas te moquer, c'est ça? Non. Ok, ça marche. Si j'ai dit madin. J'avais pas fait gaffe. Vous abusez des compliments en lui demandant tous les matins d'où elle sort sa douceur parce qu'elle tue, c'est encore Nekfeu. D'où sors-tu, ta douceur tue. D, vous préférez Mekra Framal et Deuxer Washington? Non. C'est pas vraiment Deuxer Washington? Ouais. Si j'en crois Thibaut qui a écrit les questions, ouais. Okay. Big up à Thibaut qui nous regarde. Qui a le Covid. Qui a le Covid et qui nous regarde depuis son écran. Le pauvre Thibaut. Oh, pourri, il y a un canard. D'où sors-tu? Il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'oreille, j'espère qu'il va mourir, c'est pas une blague. Enfin, non, c'est pas drôle. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit ça. Non, mais c'est dans GTA. Ça te fait rire, ça? Dans fait GTA, Twitch. Dans la vraie vie, Twitch. Non, GTA. Dans GTA. Mais tu veux te faire ban, gros? Dans GTA RP.
Du coup, d'où sors-tu, t'as d'où sors-tu ? Question C, réponse C. Réponse C, aucune bonne réponse. Vous n'avez pas les clés d'une relation qui marche. C'est uniquement entre vos mains et celles de votre crush. Ceci dit, si vous lui avez répondu la réponse D, vous commencez très mal. Vous devriez peut-être pas désinstaller Appen tout de suite. Ok. On a re-signé, Grim Cujo sera officiellement viré de l'émission. Quoi ? Non, à partir de la prochaine, il a signé, regardez, il a serré la main. Il a serré la main, c'est officiel, je suis trop content. Mais c'était... Je suis trop content. C'est un serrage de main tranquille, là. Oh, let's go ! J'avais peur, hein. J'avais peur qu'il accepte pas de signer. Comme quoi, t'as été coolos, t'as signé. Tu m'as piégé ou quoi ? Non, t'es un ouf. Yo ! Et voilà, maintenant, on sera sur ma chaîne, Zen. Je t'ai baisé. Quoi ? Bah, mec, t'as serré la main, c'est trop tard. Les amis, il est l'heure de passer. Ah, dans l'oreillette, il y a quelqu'un qui me dit « je suis pas sûr ». Oh non, attends. Écoutez, on essaye. Apparemment, on n'a plus de contact avec Freddy. Non, mais parce qu'on sait où il est, Freddy, c'est ça qu'on se demande. Justement, parce que on sait pas où il est. Donc écoutez-moi bien. Faut qu'on le traque dans la forêt. Écoutez-moi bien ce qu'on va faire. À tout moment, il n'est pas prêt. Je sais pas. Ce qu'on va faire, les amis, okay. On va vous lancer le magnéto. Celui qui nous permettra de retrouver Freddy, partons à sa recherche. Sérieux ? J'aurais aimé que ce soit une blague, mais vraiment, ils m'ont dit on n'a plus de contact. On ne sait pas où il est pour de vrai. Attends, mais du coup, il a redisparu. Et le pire, c'est qu'en fait, vu que la vidéo, c'est en mode on le cherche, ils vont croire qu'on rigole. Mais là, dans l'oreille, ils me disent je ne sais pas s'ils sont prêts. Un seul moyen de savoir. Mes amis, où est Freddy ? Où est Freddy ? On part à sa recherche tout de suite, c'est maintenant. Va falloir se lever vite et courir, mec, ouais. Après, quand c'est en magnéto. Le ratio, c'est un fiasco. Il va kiffer ça. Wesh. Ouais, du coup, Grim, c'est bon, tu m'as écrit toutes mes vannes ? Ouais, je viens de finir, là. Ok, comme ça, tu m'envoies. Mm-hmm. Ça, après, je l'ai dit, les gens, ils vont kiffer, tu vois. Ouais. Pour les chroniques, t'as tout prévu pour l'émission ? Ouais, j'ai tout écrit, là. On dira ce qu'on fait. Ok. Du coup, reste plus que l'invité, quoi. C'est bon, de ton côté. T'as booké Freddy, hein ? C'est bon, non ? Non, toi, t'as booké Freddy. Non, mais c'est toi qui gères l'invité. Non, parce que j'ai pas... Non, je pensais que t'avais fait, du coup, j'ai pas... Parce que, bah, tu l'as appelé, tu as dit que c'était demain. J'ai pas son numéro, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a 6 mois, il avait dit que c'était bon. Mais quand ça, 6 mois, comment tu l'as booké ? C'est on m'a dit, en fait, qu'il venait, mais j'ai pas... C'est qui, on ? On m'a dit... Enfin, c'est un modo qui connaît quelqu'un qui... Apparemment, en gros, c'est une histoire un peu compliquée, mais... Mais on fait comment, du coup ? C'est demain, quoi. Non, mais je te dis, la dernière fois que je l'ai vu, il était déjà dans cette optique forêt. Il se préparait, il mangeait des feuilles. Il mangeait plus que des feuilles exclusivement. En tout cas, si tu le retrouves, normalement, il devrait manger des feuilles d'arbres. Ça, c'est une certitude. Mais non, je te dis, moi, j'ai aucune news. Forêt, le gars. Comment ça, forêt ? Je sais pas, frère. Il a dit, il bouffe des feuilles. Qui fait ça ? Je sais pas, mais il faut aller le chercher. On n'a pas le choix. Faut qu'on aille dans la forêt, là ? Ouais. Vas-y, frère. C'est bourbier. Allô Grim, c'est Max. T'as quelque chose de ton côté ? Tour de contrôle à majordome, rien à signaler, hein. Ça sent vraiment la merde, ce soir. Attends, mais ça sent vraiment la merde, là. Ça, c'est quoi ? Couteau, ours furtif. L'époque. Je la regrette pas, à l'époque. Il y a du bruit, là. Est-ce qu'on nous entend, là ? Bonjour. Attends, allô ? Quoi ? Tous les deux. Je crois qu'il y a du bruit. Faudrait peut-être que j'aménage un petit peu le tout, hein. Parce que là, niveau ortie, c'est pas la folie.
ça pousse pas de ouf. Ok, okay vas-y. Du coup, un peu... Attends, mais vas-y, faut que tu tiennes à la main en fait, je pense. Si maintenant je le mets. Ouais, sur le sac à dos. Je le garderai. Tu veux que je te mette ? Ok, nickel. Vas-y. Mec, Freddy ! Freddy ! Tu fais quoi, mon gars ? Wow. Mec ! Ah, pardon, je pensais que vous. Vous êtes pas là pour mes rations ? Non, mec. Attends, mais. Mec ! Vous êtes pas là pour. Ça fait une heure, on te cherche, on t'a cherché partout. Mais qu'est-ce que tu fais avec toute ta terre, là ? J'essayais de me construire un petit camp. Mec, on a une émission. C'est parce qu'on t'a invité il y a 6 mois dans l'émission, t'avais dit oui, Freddy. Ouais, tu te rappelles ou quoi? Des fois, tu sais, c'est des oui qui veulent dire non. Tu dis oui, regarde. Oui. Ah, là, j'ai vu, là, j'ai vu, c'était... Ah, tu l'as dit oui, tu vois, je pense vraiment non. Que j'avais fait ça, en fait. Mais t'es vraiment... T'es dans la forêt, là. C'est l'une des forêts les plus luxuriantes que j'ai jamais vues. Vous avez mis combien de temps pour arriver? Mais mec... 3-4 jours, là. Ouais, de fou. Tu sais, on avait préenregistré l'émission, et depuis, on marche, quoi. En tout cas, ça me fait à la fois plaisir de vous voir et à la fois. J'ai pas envie de partager mes rations. Mec, quoi. On veut pas, on veut vraiment si pas. Vous êtes là pour mes rations, franchement. Bah, mec, moi, on est vraiment, on est pas là pour tes rations. Pour toi, vous avez mangé ces 3 derniers jours? Mec, on mange tous les jours. Ouais. Vous avez pas faim? Non. Il me parle pas, il regarde que mes rations. Mais non, mais... Mec, on s'en fout de tes rations. Non, mais depuis mec, tout à l'heure. En vrai, non, mec. On te laisse tes rations, par contre, tu vas manger ce ratio. Ah, c'est pas. On a le droit de regarder, c'est méta. Ok. Tu regardes quoi? Mec, pardon. Non, je voulais paniquer ta gueule. Ça, c'est énorme pour mes rations. Tu te rends compte ce que t'as fait? T'as mis une ambiance de merde avec ta blague. Non mais dans la forêt. T'as pas enlevé l'étiquette. Ah ouais? Je crois que c'était prévu. Tu viens de... Vous venez d'où? Décathlon? Non, mec, là on a... Arrête on de a... dire que j'ai volé ce chapeau à Décathlon, c'est pas... Tu l'as volé à Décathlon? Il a volé à Décathlon. On vous a suivi? On a vraiment tout volé à Décathlon. Est-ce que les vigiles vous ont suivi? Non. Oui. Vous avez regardé derrière vous si on vous a pas suivi? Il y a trop de mecs qui arrivent. Parce que ce serait dommage qu'on se fasse arrêter pour ça et qu'on se retrouve en GAV par exemple. c'est vrai que ce serait vraiment bizarre. Ce serait vraiment dommage qu'on se retrouve en GAV. Ouais. Mec, non, en vrai, ça fait plaisir. Si vous me dites que vous n'êtes pas là pour les rations, ok, vous êtes là en ami. En mec, en pote de fou. Genre, juste en fait, à la base, tu sais, vu qu'on avait l'émission, on pensait que t'allais venir. Mais je peux savoir pourquoi t'es là par terre par exemple? Bah, j'essayais de me faire un petit truc en fait. Je suis là depuis un moment. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression de voir ça, oui. Moi, j'ai quitté le monde du showbiz. Là, tu dors là maintenant? Ouais, j'ai à peine percé dans le showbiz que je l'ai quitté très vite. Ah ouais, ça y est, c'était trop. Ouais, c'était trop. C'était trop. Ouais, dès le. Ouais, après dès la le. Minute syndrome de l'imposteur. Mais dès les 10 RT, on m'a dit, t'es parti quoi. Ouais, avant. Hein. 9 RT 9, déjà. Je suis parti, c'était compliqué. Maxime, il a jamais connu ça. Si, une fois. Si, une fois. Tu vas voir, c'est une vraie pression. C'est vrai? Après, tu te sens obligé de faire des trucs et tout, flemme et tout. T'as vu, genre. C'est compliqué quoi. J'ai un petit talkie, j'ai. Vous avez tout, les gars, vous êtes mieux équipés que moi. Bah ouais, mais j'ai l'impression que toi t'es un peu parti à l'improviste. Si... De toute façon, je suis pas en train de critiquer du tout ce que tu fais. Hein. Je suis pas du tout mais après, en train j'avoue, de je le prends quand même comme une critique. Non. J'avoue, je vais être très honnête, je suis parti sur un coup de tête. J'ai pas trop réfléchi, mais. Ça se voit, t'as quand même des rations. Bah je viens de me faire livrer ça en fait. Ça a l'air super bon. Il y a quand même des Deliveroo, Uber Eats et tout qui livrent ici. Ah oui, d'accord. Ouais, je me suis fait livrer des rations. Tu utilises quand même les trucs de livraison? Ouais, quand même. Mec, 22 euros. Ils m'ont fait payer 28. 22 euros, j'ai plus fait payer. Et ça là, ils se sont fait 6 euros de marge. J'envoie juste une réclamation vite fait. Voilà, vite fait, Deliveroo. Mais s'il te plaît, parce qu'il y en a deux. Attends, 22 euros, c'est 22. 6 euros, ça fait combien de marge? 30. 12. Ça fait 12. C'est moi qui ai payé ça. J'envoie vite fait une réclamation à Deliveroo pour dire. Mais attends, mais la prod, ils m'ont acheté. C'est une honte. Mais j'espère que c'est trop. J'espère que c'est trop. J'espère que c'est archi bon. 1300 kilocalories, c'est un repas pour un mec. Voilà, je l'ai envoyé. Combien de calories? 1300 kilocalories le ratio. C'est, ouais, bon, c'est vraiment écoutez, beaucoup écoutez, pour les nous. Écoutez les amis, si on est parti pour rester là combien de temps? Un jour, deux jours, dix jours, pas, combien de temps? Semaine, vous voulez rester combien de temps les gars? Il n'y a plus de notion du temps. Moi, une semaine max, après j'ai gravé. Moi ça m'arrange si vous restez 20-30 minutes. Mais après... Minutes non, mais après si vous voulez on peut se faire un repas pendant ce temps-là. Une ration par exemple? J'ai reçu ça et je vous avoue... C'est quoi? Que ça doit faire 2-3 semaines que j'arrive pas à le... Bah déjà à le déplier. On peut se faire une petite cabane. Déplier. Je sais pas, vous arrivez à faire déjà? Déplier? Wow, j'ai pas réussi à faire ça. Mec, tout t'as long. Pas réussi à déplier ça? En fait, c'est le bon. Montre-moi comment tu veux. Ah ouais. Mais il fallait vraiment faire dans l'autre sens. Ouais, mais y a pas de mode d'emploi, y a rien. Mec, c'est vraiment là c'est de la. Là, la survie, c'est compliqué de ouf. Non, mais y a pas de. Regarde, tu fais comme ça. Ah! Waouh! Ah, faut faire ça, faut tout jeter dessus? Ouais. Ah, il s'est blessé. Ah, c'est des petites bêtes. Non, y a rien. Ouais. J'ai pas de pharmacie. Vous voyez, si vous venez et que soudainement on doit sauver quelqu'un, c'est compliqué. C'est bon, faut venir. Ça va, c'est du jeu. C'est attends, du jeu. Mec, tu m'as fait flipper. Parce que je suis comédien. Hein. Mais c'est quoi cette fois, ça me rappelle l'île de Chupacabra. Ah ouais, ça doit être sympa là-bas. Je sais pas, moi, franchement, je me suis coupé de tout, donc je sais plus ce que c'est. Vous pouvez me rappeler ce que c'est? L'île de Chupacabra, bien sûr, ça me fait penser à l'île dans le flambeau, la nouvelle série un petit peu en vogue du moment. Quoi. J'ai tout coupé, les gars. J'ai pas regardé, c'est bien ou pas?
Ouais, franchement, je m'en doutais un peu. Je vais pas te mentir. Comédien, super. Réal, super. Ouais. Écriture, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, mais comment on sait que ce qui est écrit, c'est forcément ce qui est dedans, ou l'inverse, ce qui est de l'impro. Ouais, non, mais tu, tu le sens. Ah, vous le sentez, vous le savez. Non, tu le sens, tu le sens. Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Par contre, je comprends pas, t'as vraiment pris une vache super grande, quoi. Je sais vraiment pas ce qu'on va en faire, mais. Mais c'est vrai que Freddy, par contre, en vrai, on en a pas parlé pour de vrai, parce que du coup, t'es en forêt, tu t'es coupé de tout ça, mais on a le droit d'en parler ou pas, vite fait? Oui, bien sûr, on peut en parler, mais moi, je me suis coupé de tout, j'ai rien vu, je vous dis. Ah, mais il y a plein de terre, en fait. Oui, il y a de la terre partout, regarde, le pauvre, il a des chaussures blanches. Bah ouais, les gars, je suis sale. Non. Dis-moi si je suis sale. Les gars, j'ai de la terre ou pas? Je suis sale ou pas, les mec, gars? Mec, t'es vraiment propre. Max, j'ai de la terre ou pas? Ouais, c'est bizarre, c'est... T'es... On dirait que t'es sale, mais c'est pas de la terre. C'est pas de la... Je sais pas comment t'expliquer. Oh putain, c'est chié dessus. Mais en fait, c'est ça. Non, t'es propre. Monte pas la cam. Ok. Mais c'est propre, t'inquiète. En tout cas, ouais, waouh, ok. Attends. Non, c'est bien. T'es pas venu pour mes rations. Non, c'est un gadget. Non, c'est un gadget. C'est un téléphone. C'est un faux. Ça, wow, c'est un faux. Ok, non, mec. On est tranquille. On est là. On est dans la forêt de Twitch. Tranquille. C'est pour rire. Oh, ok. Ok, laissons ce. Vous voyez comment mon niveau de couteau il mec, est chaud. C'est fort ce que t'as fait. Ok. Il s'est planté archi. Regardez, il va revenir là normalement. C'est pas. Filme-moi. Il va revenir. Faudrait qu'il filme. Hop, il va revenir. On va faire l'effet là. Hop. Mec, attends juste. Je crois que t'as. Okay, pas... Tiens, attends, t'as pas compris un truc. Juste, je peux te parler en off 2 secondes. Vas-y, ouais, dis-moi. C'est du direct l'émission. C'est du direct. Ah ouais. Pas cut. Ouais, d'accord, ok. Tout ce qui est montage, ok. Tout ce qui est truc en marche arrière. Bah là, en fait, on va se replacer. Ouais. Et on aura juste à faire un cut. Et on récupère quand toi t'es là. Et moi, je comprends pas. Et là, ça cut. Les gars, je suis gratté le cul. Ah, ça cut. Waouh. Tu vois, ça, on peut pas cut. Ça, on peut pas cut. Par contre, ça, faut cut. Faut trouver un moyen pour que ça cut. Ça ne marche pas. Ok, on va faire avec. Ok. Donc, ça, c'est une bâche. C'est une bâche. Et il faut des trucs pour mettre dessus, quoi. On peut en faire quoi de cette bâche? Bah, il faut faire une cabane, quoi. Un petit truc, je veux dire. Alors, une cabane ou juste un truc sur lequel on s'allonge et on bronze? Bougez pas. Faites votre vie. Ok, ça va, toi? Ça va, il est un peu chiant, mais je pense que ça va. C'est vrai? Ouais. Niveau boussole, ça donne quoi, là? On est où? Il est où, l'Est? Il est où, l'Ouest? On est dans le Sud-Est. Ah ouais? On est dans le Sud-Est. Et on va vers? Le Nord. Ok, c'est par là-bas, le Nord. Les mecs! Je pense. Waouh! T'as trouvé plus de trucs que moi en 5 minutes. Tu veux faire quoi avec ça? On va rien faire avec. Maxime, on va rien faire avec ce truc. J'ai pris une planche. Ça sert à rien? Ouais. Pour la cabane. Mais on en fait quoi de cette planche? Pour les fenêtres? Ça, c'est pour les fenêtres? Tu veux qu'on les découpe ou on en fait des fenêtres? Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ta planche? J'ai pas le plan. Les gars, je pense pour la base, ce qu'il me faudrait, c'est des marques! C'est par rapport à la série? Ah, j'ai pas vu. Ah. J'ai pas vu, j'étais c'est là. C'est dans la série, il a écrit ça. Ah, mais déjà, dès la première saison. Oui, mais tienne aussi, du coup, c'est dommage. Ouais. C'est ça. Ok, c'est bien. Mec, c'est super, mais okay, genre, vraiment, c'est toi qui as écrit, donc... Mais ouais, je l'ai pas vu, mais j'étais là, moi, j'étais ici, moi. Ah, hop, merde. Attention, première question. Ouais. Comment tu gères une écriture de série où la place de l'impro est quand même... On a l'impression qu'elle est très grosse. Majoritaire. Alors Je sais pas si elle est majoritaire, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place. On a l'impression, peut-être qu'il n'y a pas du tout d'impro. C'est vrai. Non, l'idée, c'est que ce soit le plus chapeauté. Après, je vous dis ça, moi j'ai envie de tout couper. Je vais le planter. Je vais essayer de... Oh là là là, ok. Ah, tu veux que je le dise? Parce que moi, à la base, j'ai pas envie de me mettre dedans. Donc si tu me poses des questions, non, je pense tranquille, qu'il faut Okay. Réponds pas si t'as pas envie de répondre. Ok. Non, tu sais quoi, je vais répondre parce que je le sens mal. Cool. Alors, de base, en fait, je... Waouh. Cette précision. De base, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus maîtrisé pour que... En fait, une impro qui part de rien, c'est un peu compliqué, donc vaut mieux que ce soit bien à la base. C'est bon? Ouais. Voilà, c'est... Ouais, ok. Ouais, ça... Après, moi, je vous dis, je veux tout couper, donc... Ta réponse est très claire. Après, si tu risques à chaque fois de me dire avec un couteau, je risque de... Ok. Je risque de répondre parce que j'aurai pas le choix. Ok, c'est quoi? Je vais la mettre. Y a pas d'autre chose? Je vais la remettre. Ok. On passe tranquille à la suite. Ok. Y a pas de problème. Moi, les gars, j'étais tranquille ici. Vous savez qu'avant, ici, il y avait que de la terre. J'ai tout planté là. C'est toi qui as fait tout ça? Ça, l'herbe, tout ça là. Mais du coup, deuxième question de l'interview. Pourquoi t'as pas planté des trucs qui se mangent et t'as planté vraiment que des herbes nulles? Franchement, j'ai planté ce qui est. Franchement, j'ai commandé des trucs les moins chers. Ah, t'as commandé encore? Ouais, j'ai planté. Tu vois, sur Gamme Vert, ouais. C'est sur Gamme Vert, toi. Ça, mec, c'est un placement de produit. C'est un placement de produit. C'est pas cher. T'as pas honte de faire un placement de produit dans la forêt? T'as un code promo sur Gamme Vert? Tiens, ouais, Freddy 20. J'en étais sûr, mec, c'est un placement. Freddy 20, les orties là en ce moment, c'est gravement promo, faut y aller. Freddy 20, le 20 par rapport au. Par rapport oui. à la réduction, c'est 20%. Ouais, c'est 20%. Ouais, c'est logique. Ouais, c'est 20%. Ouais.
Bah écoutez, je vous propose qu'on fasse la petite cabane. Hein. C'est 20%. Attendez, vous m'avez trouvé grâce à ça ? Les gars, attention ! On t'a retrouvé grâce à Gamver, ouais. Il y avait une adresse IP dessus et ça nous a fait remonter jusqu'à toi. Waouh, tu t'es perdu. Ouais. Bah chacun prend un côté, les mecs, c'est un travail d'équipe. Okay. Vu que maintenant, on va vivre tous les trois ensemble. Attendez, vraiment, mais vous m'avez trouvé grâce à ça ? Mec ! Un AirTag que vous m'avez laissé. T'avais le AirTag, j'étais mis le AirTag. Freddy 30. T'as Freddy 30 non, t'as le code promo AirTag. Je vous dis que ça sonnait. C'est hyper pratique, hein. Mec, le AirTag, ça sert à quoi en vrai ? Je sais pas. Ça repère l'endroit où c'est ? Ouais. Mais du coup, si tu le mets sur toi, tu peux pas. Bah, moi, je sais que je suis là, par exemple. Oui, j'allais dire. Si j'écris sur le AirTag Freddy et que je le fais sonner, si le AirTag est sur moi, je sais que je suis là. Mais ma réponse, c'est que ça. Tu sais où t'es forcément. Tu sais où tu es. Tu vois ce que je veux dire ? C'est logique. Vu que t'es tout le monde ? Tout le monde sait où. Bah non, toi en tout cas. Toi, tu sais que t'es là. Vu que t'es toi. Ah, mais vous, vous savez toujours où vous êtes ? Bah oui. Vous êtes jamais perdu ? Si, des fois quand même. Attends. Des fois vous êtes perdu, des fois. Des fois vous êtes perdu. Tu sais, en mode. Vous avez suivi Johnny Depp et son divorce ? Oui. Il dit à un moment, bah à un moment j'étais perdu. AirTag. AirTag. Mais ça, il faudrait un code promo avec 30% de réduction pour pouvoir l'acheter, sinon on peut pas. Freddy 30, c'est le code promo ? Quand c'est ce que tu veux dire aujourd'hui aux Français ? En vrai, j'achèterais pas, mais. Par contre, ils ont pas payé pour plus de 10 secondes, faut vous. Ok, vraiment. Parce qu'on fait pas les choses au rabais non plus. Faut pas déconner. Non, tu vas tomber, tu vas tomber. Grim, tu vas tomber. Non, Grim. Remonte. Non, attends, on va tomber, sécuriser mec. Le terrain, y a pas de problème. Non, 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 non. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème de ce côté-là du truc. Non, mais comment ? Ok, ok, là c'est bon, là c'est bon. Ok. Mais c'est pas une barre, c'est une cabane, c'est une barre. Bon, mais franchement, c'est une super cabane, hein. On la met là ? Mais Max, Max, une blague. Ah, c'est bon. Pourquoi il est là, lui ? Alors, on commence. Je suis désolé, Freddy, ouais, bah. Il n'était pas là à la base quand j'ai commencé. Quand je t'ai contacté il y a 6 mois, il n'y avait pas encore ce bail de « il y a un autre gars ». On commence. On la pose là ? Attendez, on retire les baskets ? Non, les gars, je suis désolé, j'ai commandé ça, vous mettez pas vos baskets. Ok, dessus. Pardon. Ouais, ouais, je suis désolé. Non, je comprends. Je suis désolé, j'ai juste. C'est juste une histoire de « on est chez moi ». Non, c'est logique. J'ai la. Je connais la chanson. Hop. On peut caler, regardez, une basket chacun. Ah oui, oui, chacun oui. Chacun oui. Un coin en fait. Oui, oui, oui. En plus, Grim, il fait du 56. Ça fait 6 mois que je suis là. Mec, t'es trop fort. J'ai jamais réussi à déplier cette bâche. Ça fait pas. On est là. Les amis, je vais vous dire un truc. Hein. Il est quelle heure là ? Je veux pas manger tes rations, mec. Pourquoi ? Je suis pas du tout. Je fais du 42, 43. Bon, ben, c'est à moi maintenant. Mais pourquoi ? Mais tu fais du 46 ? Non, tu fais du combien en vrai, du 46, non ? 46 de tiers. C'est fou de faire du 46 de tiers. Ouais, c'est chiant pour trouver des baskets ? Non, ça va en vrai. Si, c'est chiant. Super chiant. Je crois que tu trouves pas de baskets. Ah, parce que s'il y a un gars qui veut la même, ils en ont. C'est ça, en plus, vu qu'il y a peu de stock, elles sont encore plus chères que les basiques. Ah, c'est pas celles qui restent ? Parce que par exemple, quand tu fais du M, c'est compliqué parce que tout part très vite. Après, moi, je te dis ça, j'achète plus de ça, puis si, plus rien. Je me fais juste livrer de temps en temps sur Asos. Non, me dis pas que t'as. T'as un code Asos 40. Ah merde ouais. C'est chiant ça. Après faut laisser là, c'est dans l'après-midi qu'il faut y aller. Ah ok, quoi. C'est vraiment maintenant. Et ils livrent vraiment n'importe où. Moi ici je me suis fait livrer tellement de sap. Ouais, c'est vrai mec, quand je change tous les deux, enfin tous les jours. Venez, venez. J'ai venez, deux tenues par jour. Mec c'est fou. Les amis. En fait j'ai voulu m'éloigner mais le capitalisme ouais, il est le toujours. Capitalisme, rattrapé, il est, en fait. Ouais il est toujours c'est là. C'est quoi ça? Ça c'est pour faire du feu ça. Tu veux faire du feu avec ça? Ouais, pour quelque chose de très très sec. Bah moi. J'ai pas osé, mais du coup, ouais, effectivement, ouais. On va voir si tu prends feu. Ok, ça marche. Du coup, c'est comment ? Alors. C'est comme. Ah oui, oui, oui ! Attends, oh là, il oui. Faudrait peut-être de l'eau Peut-être non ? Ouais, t'as raison, on va se faire tuer par Webedia sinon. Faudrait pas brûler. Par Webedia, je veux dire. Pas brûler la forêt de Webedia. La forêt, la Webay Forest, c'est pas du tout Webedia. Yeah, Webay Forest. Ah ! Oh là, la porte du feu ! Continue, ah ah pour nous. Arrête, on a pas mangé depuis longtemps, mal. Tu vas faire un effort, d'accord ? Freddy ! Ok, ça va faire des bonnes braises. C'est super mal. Ramène des brochettes, ramène des brochettes, Grim. Grim, va chercher des brochettes. Pique, mec, ça... C'est bon, ça prend. Ça prend, il prend. Je coupe le bras, C'est pas vrai, Maxime, on va pas faire ça. Ok. C'est une mise en scène, t'es fou, on va pas manger. Ah, c'est la frayeur. On va pas te manger, ça fait 15 jours qu'on n'a pas mangé. Par contre, si ça fait 3 semaines, mon pote, on t'avale tout cru. C'est comme ça ? C'est pour rire ça aussi je pense. Il rigole. On va pas le faire. Il rigole. Merci beaucoup à Uber Eats qui nous donne de l'eau tiède pour les rations. T'inquiète, c'est pas du tout pour les rations qu'on va grailler tes rations. Hein. D'accord, ok. Pas du tout là-dessus. Vous allez pas manger mes rations ? Mec, pas du tout. Alors là, franchement. Parce que moi j'ai faim. On est vraiment pas là-dedans. Ah, vous l'êtes pas doué.
Non, c'est le bois là que t'as fait directement. Qu'est-ce que tu fais avec le bois, mec? Mais comment tu faisais les étincelles? Mais mec, c'est avec le. Non. Faut que ça gratte, c'est le côté qui gratte. Non, là, vraiment le creux là. Tu vois, c'est le creux. Attends, mais faut amener du. Attends, si on a un peu de brindis, je pense, là. Ok. Tu vois. Ça prend pas vite le feu, la bâche. Non. Non, t'inquiète. C'est de l'eau quand même. C'est de l'eau chaude pour les rations. Ouais, mais ça. Okay. L'eau chaude, ça va être un peu aussi. Non, on a un extincteur à côté. Ah. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Dans la forêt, il y a un extincteur? Oui. Comment c'est possible? Bah, c'est parce que c'est. Le mieux, c'est de prendre la planche et de la mettre en dessous. Parce que pour la bâche, j'ai. Ouais. Tu penses? Je crois que c'est mieux qu'un seul moyen de savoir, hein, Freddy. Ouais. C'est de prendre, mettre tout le feu à toute la baraque. Ouais, c'est tout brûlé. Non, les gars. C'est tout brûlé, voir ce qui prend feu le plus vite. Mec, tu tiens ta baraque? En vrai, c'est pas sa baraque, c'est une forêt. Hein. Waouh. Ça marche. En fait, ça fait des étincelles. Ok. 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 De toute façon, si tu n'y arrives pas, on te mange, Max. T'as l'info. Quoi? Si tu arrives pas. Tu fais le feu pour notre pas. Tu fais le feu pour notre pas, sinon tu. Allez, vite. Oh là là, qu'est-ce qui. T'as carbonisé la bâche. Putain. On peut dire que j'ai réussi. Elle a coûté 1750. T'as réussi, mais tu l'as brûlé, ouais. Mais effectivement. Oh, ça sent bon. Ce que disait Grim, l'idée, c'est que tu fasses un feu. Oh. Et ensuite, on te mange, Max. Donc vas-y, essaie de faire en sorte d'être. Attends, mais j'ai entendu là. Hein? J'ai entendu la phrase après. De quoi? Mais non, en gros. Attends, c'est que. Non? Il a dit. Ok. Tu fais le feu, après tu. Et après on te mange. Ah! Mais les gars, j'entends là. De quoi? Non, mais c'est. Ok, je fais le feu. Ah, mais c'est bon, c'est participatif. Mais ouais. L'idée, c'est qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Ok, chacun fait un truc et. Non, voilà. Ok, watch. Nous, on mange et toi, tu te fais manger. Tu fais mec, non, mais attends. Nous, on te mange. Allez. Essaye d'être le meilleur possible. Allez, ça va prendre. Tu veux que je le fasse? Oui. Ah! C'était piqué. Ah, t'as vu, ça fait mal. Ouais, j'ai fait ça tout à l'heure aussi. Piqué par quoi? C'est okay. Les remontas. Pendant ce temps-là, quand même, de temps en temps, faut surveiller s'il se passe pas des trucs autour. Parce que là, depuis tout à l'heure, on est. Ça va. Voilà. Vous savez comment réagir si jamais il y a une attaque d'ours? Après, les gars, il y a pas beaucoup d'animaux au cinquième étage. Vous savez reconnaître un ours? Bah, c'est des gros poilus. Vous savez reconnaître un grizzly? C'est quoi la différence? C'était une vraie question, j'ai pas la réponse. Ok. Non, les ours, ils ont pas de bosses sur le dos. Les grizzlies, ils ont des bosses. Ils en ont deux. Tu confonds avec les dromadaires. Non, il a raison. Les grizzlies en ont deux. Les grizzlies en ont deux. Et les ours en ont qu'un. Et c'est pour ça qu'on dit ours deux. Grizzly. Il y a deux R. Et une bosse. Ils en ont deux. Voilà. Deux. Non, en fait, moi, je pense, ours, c'est gros, c'est mignon et tout, c'est dans les films Disney. Et grizzly, c'est vraiment méchant. Et c'est très vrai. Bah vas-y, va voir un ours dans la vraie vie et tu me diras s'il est mignon quand il t'aura mangé par exemple. Vous savez comment réagir face à un ours? Non. J'ai vu un tuto. Il faut reculer doucement. On ne crie pas. On lui dit mec, tout va bien. J'ai eu ma pierre à feu grâce au code Freddy12 sur le site pierreafeu.fr et ça le calme. Et après tu te recules, tranquille, tu vois. Mais l'ours, tu fais des mouvements et tu dois lui dire que t'es un humain. Tu dis hey, oh. Mais les gars, l'ours, il parle pas français. Si. Hey, tu fais des mouvements comme dans ton ancien métier. La référence, vous l'avez ou pas? Non. C'est vrai, j'étais sur les pistes. Oui. D'avion? Oui. Par exemple, l'avion, il est devant moi, je fais ça. Ça veut dire quoi? T'as chaud? T'es un avion. Ok, ouais. Vas-y. Ouais, je fais quoi? T'es un avion. Je vais où? Ouais. Là, je sais pas où. Je sais pas où aller. Je vais là. Hop, t'as un avion, hop, voilà, okay. Hop, ok, regarde-moi. Ouais, hop. je te regarde. Hop. Là, t'as un avion. J'atterris. Oh, tu viens vers moi. Hop, tu passes. Oh, là, je vais là. Hop là, olé. Tu viens là. Hop là, olé. Là, t'as un avion. Hop là. Mec, c'est. Prépare les broches. Hop là. Hop là, olé. Plante-le dans le dos. C'est comme ça qu'on fait. Viens là, ouais. Ouais. C'est comme ça. Hop là. On va le manger. Viens là. Hop là. Qu'est-ce que t'as dit? Hop là. Hop là, olé. Mec, j'ai l'impression. Olé. Prends le couteau. Hop là. Non. Ouais, non. Voilà, c'était ça mon métier. Hop là. Allez, mangeons, allez, c'est bon. Faut le désarmer au bout d'un moment, ouais. Parce que si tu lui laisses le coup, si vous avez tous les deux un couteau. Attends, j'ai compris comment tu fais. Maxime, je fais le pilote d'avion, regarde. Ouais. Oh. Ouais. Okay, ça marche pas, viens. T'étais pas pilote, toi, je sais. Regarde, je suis Freddy Gladieux. Ouais. Viens, hop, l'avion. Hop là, l'avion, il donne le couteau. Ouais, il donne le couteau, l'avion. Ah bon, hop. Il donne l'avion. Ah oui, regarde. Ça, c'est le tout pour faire couteau, regarde. Hop là, l'avion, il donne le couteau. Ah bon? Voilà. Là, l'avion, à chaque fois que je fais ça, il donne hop le couteau. Hop là, il donne le couteau, l'avion. Voilà, il donne le couteau. Hop là. Hop là, maintenant tu vas dans le feu. J'ai l'impression que je me suis. Hop là. Il vient là.
Hop, et là. Hop. Je viens de penser à un truc, les mecs. Quoi? Ok. Non, je viens de penser à un vrai truc, là. Dis-moi. Les rations de Freddy que je vais pas manger, hein. Si, franchement, ouais. Si vous êtes... enfin... Ok, je vais les manger. Ok, vous allez les manger. C'était pas par rapport à la prod, en fait, on avait prévu des rations. Assez. Ok. Assez. Mais en fait, il faudrait un truc pour les mettre, on les met où? Est-ce que c'est fait pour manger là-dedans? C'est quoi? On va découvrir. Oh, il y a du pain, 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 il y a du pain. Rye bread. C'est quoi rye, je suis nul en anglais. Rye. Rye. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire rye. J'ai aucune... Je n'ai pas répondu. En fait, ça t'est jamais arrivé ce sentiment de... T'arrives dans la machine à café. Putain, attends, je te le fais, tu vas voir ce que c'est exactement. Il n'y a pas de machine à café. Imagine, c'est une machine à café là, ok? T'arrives dans la machine, c'est un sentiment très précis que tout le monde connaît. T'es là. Ah! 20 centimes. 20 centimes. Qu'est-ce que tu vas en faire? Hop. Il ouvre un coffre-fort. Café. Café sans sucre. Un café sans sucre. Café dans le coffre-fort. Café sans sucre, court, expresso. Ok. Bip. Chou. 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 Ah, non, c'est d'un coup, ça le vient. Le café se prépare. Il se prépare. Le café. Non, okay. Glop. Le gobelet glop. Est tombé. Oh. Ah, faut le ramasser. Attends, il est tombé, ça coule, ça coule pas dans le gobelet. Mettez-moi. Mettez un autre gobelet, c'est ça. Mais bah oui, ça coule dans le gobelet, là. Tu as dépensé 20 centimes pour rien. Non, non. Mais une autre pièce. Mais le gobelet, il est tombé. Mais une autre pièce. T'as plus d'argent, t'as plus de monnaie, et tout ça pour nous gratter 20 centimes. T'as qu'il est malin. C'est ça, malin de ouf. C'est gratter de l'argent. Aux c'est bon, ça y est, j'ai compris. Tu veux gratter de l'oseille, prends mon truc. Vas-y, c'est quoi? Je vais faire truc reconnaissance faciale. Mais t'es dans la forêt pour être à ton tête. Voilà. Là, oui, j'ai mon. Je fais des commandes. Vas-y, tiens, prends ma carte. Ok. Merci. Ok. Ça marche bien. Okay. S'il te plaît, là, fais attention. Parce le café que si cool. Le café cool. Argent. Ouais, bien joué, putain. Aïe. C'est pas encore prêt. Ouais. Du coup, faut pas mettre la main. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Là, c'est mon argent, donc il essaie de... Ouais. C'est bon. Mmh. Il est pas trop chaud? C'est une soupe à la tomate. Ah, c'est bon, ça a l'air bon. Ah, t'as trempé ton nez dans le verre, là. Ah, en plus, on a froid. Si seulement on pouvait boire un peu de café. Oh, le bâtard, il a déjà bu la moitié. Il fait comme si vous nous avez pas entendu. Oh, il le touille avec une énorme... Oh, mon Dieu. Peut-être qu'il reste un petit peu de café, non? Y a pas une petite gorgée pour nous? Peut-être. Hop là. Là, il a peut-être un truc qu'il a mangé, mais c'est pas le... Il reste du café? Non. Du coup, la question, par rapport à rye. Ouais. Rye bread. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça sert à quoi tout ça, alors? Tu as volé l'argent. Tu m'as pris 20 centimes. On passe à la ration. Ration time. On a un jingle ration ou pas en prod? Attends, je te le fais. On l'a pas. C'est la ration. C'est la ration. Ration. C'est un plagiat, ça, non? J'ai entendu. Et alors? Parce que DJ Snake, il a fait exactement la même, mec, t'es au courant? Et c'est un truc qu'il a pas sorti, je pense qu'il l'a pas sorti pour une bonne raison. Donc. C'est lui qui m'a plagié. Ah ok, c'est pour ça. Ça fait chier par contre. C'est lui qui t'a plagié? Les amis, nous avons tout un tas de rations là. Tactical, ça a l'air bon ça. Pack. Machette potatoes and bacon. Il suffit de mettre une portion dans un truc avec de l'eau chaude. On a de l'eau chaude parce que Freddy a une bouilloire. Bizarre. Je l'ai commandé. T'as commandé c'est Amazon, les gars, tout est commandé. Non, sérieux? Ah, de ouf. Il y a même Amazon de la forêt? De ouf. Bah, vous voyez cet arbre là-bas là? Ouais. Il était pas là hier. Tu l'as commandé? Je l'ai planté ce matin, ouais, je l'ai commandé. Mec, il va commandé, le pousser super. Par la livraison, oh, c'était comment il l'a porté, ouf, le mec? Hein? Comment il l'a porté? C'était plusieurs, ils l'ont porté. Ah, c'est vraiment, il était déjà de cette taille. Je payais, je paye rien. Ou tout, je sais plus. Alors là, c'est très bien parce que vous allez voir, j'ai un truc. Et je l'ai testé tout à l'heure, j'ai pas compris ce que c'était. Il y a marqué élément de chauffage Tactical Heater Bag. Ah, je connais. Si. Je connais. Mais comment ça marche? Parce que. Je connais. Ok. En fait, il faut. Ah non. Ah ouais, t'as vu, ça fait de la poudre. C'est du. C'est quoi, c'est du poudre? Bon, bah. Je mangeais les rations tout seul, hein. Ça va, non, je pensais que c'est de l'anthrax. Ça va mieux. Ok. Je pensais que c'est de l'anthrax, en fait, pas du tout. Ok. Ah, mais mec. Là-dedans, il y a des graines. Je ne comprends pas comment ça marche. C'est quoi exactement ça? Je sais pas. Alors, regarde ce qu'il y a écrit derrière, et c'est pas une blague. Hasardous ingrédients. C'est vraiment la première ligne, et c'est pas une blague. Il y a vraiment écrit ça. Ça a mangé ça? Non, c'est pour chauffer des trucs. Par contre, il y a écrit danger, c'est le premier truc qui est en gros. Danger, et en dessous, hasardous ingrédients. Non, mais regarde, là, il y a un truc de pas mettre ses mains, sinon ça brûle. Pas mettre ses mains, sinon on brûle. Non, c'est vrai. Non, mais mec, t'es sérieux? Et il y avait marqué pas renifler, pas inhaler, pas mettre dans la bouche, pas truc. Donc je sais pas ce que c'est en fait. Oh! Bon, les gars, j'ai voulu me couper du monde. Mec, il y avait une bille, je l'ai cassée. Mais c'est normal, il y a plein de billes dedans. Mais faut le mettre dans l'eau, non? Bah, mais pas qu'on mange? Ouais, parce que ça. Pas qu'on sait avoir faim, mais. Bah, vas-y, mais alors attends, ce qu'on fait, c'est vu qu'on a pas de récipient. On va mettre le truc dans la bouilloire directos. Les gars, okay.
Attends, ouais. Mais c'est quoi, heater bag? Mais je sais pas. C'est pas une plaque chauffante? Mais si, c'est ça en fait. Ah, c'est pour le brûler. Tu brûles? Tu es en train de brûler ça? Tu le brûles, tu le mets en dessous d'une casserole. Mais mec, il y a marqué feu, attention. Bah, c'est justement. Bah oui, c'est-à-dire que ça brûle beaucoup. Ça brûle. Ouais. Ça combustible. C'est pour ça que ça brûle en fait. Parce qu'en fait, feu, attention, parce que si jamais il y a une flamme, par exemple, à mon avis. Mec, je pense si vraiment. Si je fais ça, ouais. À mon avis, c'est le drame. Ce serait dommage que tu le fasses alors. Non, mec. Non. Non, la prod, elle va être méchante avec moi. Et puis moi, je veux pas de problème. Ok. Non! Non! Non, non, vous les conteste? Moi, vous me dites, hein. Moi, je veux pas. Mon moi intérieur me dirait non. La prod va me dire non. Non, vous me dites, parce que si ça brûle. Une étincelle. On peut tenter une étincelle. Attends. Au cas où. Voilà. On peut le mettre là. Mais non, ça va cramer tout, ça non va, ça va tout combuster. Non, faut le mettre là. Ok. Non, vous me dites, vous, si vous êtes sûr, une étincelle. Lance. Une seule. Non, c'est bon, j'ai trop peur, Freddy. C'est bon. Freddy, fais pas, ça fait peur, regarde, ça noircit. Mais moi, je crois que c'est en train de cuire, c'est en train de cuire. Ok, ok, c'est bon. Ok, c'était okay. Long. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Wow. J'ai eu peur, j'ai mis. Moi, j'ai eu peur du temps que ça prenait, moi. J'ai eu peur à un moment de plus avoir d'énergie et de. Ah ouais, de vraiment être de lessivé, quoi. Là, ça fait un moment que j'ai pas mangé, ça fait genre 30-40 minutes, j'ai pas mangé. Là, je le ressens, là. Tu manges si long que ça? Toutes les. Ouais, toutes les. Ouais, 20. Ouais. Eh, Maxime! Aïe! Mais mec, ce pain, on faut le mettre dans l'eau? Faut le manger. Oh la vache! Ça, c'est des trucs lyophilisés que tu manges comme ça. Attends, teriyaki, c'est trop bon, ça. Ah ouais, mais deux têtes, c'est pas bon. Oh, ça brûle! Incroyable. On peut goûter? On peut goûter? Oh si, ça a l'air bien ça. Non, sérieux, vous êtes content de manger ça? Ça sent pas très bon par contre. Oh, ça sent. Les gars, attends, c'est de la survie, vous connaissez la survie? Non, merci. Tiens, prends un bout. Oh la vache, on dirait du kebab, mais. Vous mangez tout, les gars? Parce que ça, niveau abattage et tout, je sais pas ce que ça donne, hein, je vous le dis. Hein. C'est de la survie. Hein. Oh la vache. Là-dessus, là, ça mange la viande, quoi. Ok, j'ai ma réponse. Vraiment, je mange pas de viande. Merde, c'est la survie. En vrai, c'est bon, hein. En fait, c'est pas, c'est le design qui m'a. Par contre, au niveau mastication, c'est pas. Ah, j'ai beaucoup de mal. Oh, c'est. Rends-moi un bout de bœuf teriyaki, s'il te plaît. Tiens. Non, pas le tien. Maxime, faut manger, Maxime. Maxime, pense. T'as du mal, mais faut. Mmh. C'est de la survie. Maxime. Non, ça brûle. Mets de l'eau. Ah, ça brûle en fait. Ça chauffe. En fait, ça brûle pas, ça s'est déclenché. C'est bouillant. Touche pas, c'est bouillant. Faut pas le mettre sur Maxime. Ah, c'est bouillant. Vite, mets Maxime dessus pour le manger après. Aïe. Mais c'est bouillant. Oh merde. En vrai, Maxime, je suis désolé. Non, voilà, c'est vraiment bouillant. Attends, fais voir. Je peux voir. C'est super chaud. Ah ouais, non, super chaud, super chaud. Non, non, mais ça va brûler en fait. Il faut le mettre là-bas. Attends. Faut mettre sur le béton. Super loin, genre. Arrête. Arrête, ça fait mal. Ouais. Non, bah, moi, je remange un bout. Vais mettre sur le béton, là-bas. Ok, voilà. Attention parfait. Si vous le prenez, les gars, ça fait mal. C'est chaud de fou. Prends, ça fumait d'un coup. Ça, c'est très, très bien. Ça s'est déclenché. Ouais, ça s'est déclenché, ouais. Donc, en fait, j'avais appuyé sur la bonne bille. Un compte à vraiment, tu l'as fait cramer. Un compte à rebours. Ah, enfin. C'est une bombe, en fait. À mon avis, c'est une sorte de bille. Hein. Ça, c'est pas mal, hein. Il y a une araignée sur la théière. Grim. J'aime trop, hein. Ouais, régale-toi. Mes ça amis, me fait plaisir de vous voir. Bah moi je suis pas, ouais. Pas fan de vous. Hein. De ça? Pourquoi? De ça? Si ça va, j'aime bien. Ah, 125 centilitres. Du coup, machette potatoes. Le paquet de machette potatoes qui était là. Mmh. Ouais. Il est plus là. Ouais. Bah si il est là. Ah ça. Tu l'as mis de côté? Non. Tu l'avais gardé pour toi? N'importe quoi. Mec, tu veux vraiment pas partager avec nous le. Non, là je vous ai dit, ça me fait plaisir de partager. Ah bah voilà. Ok. Bah ça fait longtemps que je vous attends. J'ai vraiment l'impression que tu mens. Waouh, ok. Ah la vache, ah ouais mais non, mais les gars, je vous jure que moi j'aime pas hein, ces trucs là. Non, mais ça se mange pas comme ça. Ah, mais ça a l'air incroyable. Non, t'as de la semoule. Comment ça, ça a l'air incroyable, mec. Ça, ça a pas l'air incroyable. Tu veux dire que si jamais, genre, ça, quand on voit ça dans une main, on n'a pas envie de mettre sa bouche dedans. Mec, non, je suis pas une, je suis pas un coq. La semoule, c'est incroyable. C'est pour les poules. Attends. Oh, par pitié, non. Mange à même ouais. La main. C'est le même goût que les croûtes. Il mange avec son nez là. Hein. Je peux dire que la sensation de quelqu'un qui mange dans ta main, mais qui est pas un animal, c'est mec, très bizarre. C'est très spécial. Honnêtement, qui mange dans sa main. La sensation, elle est très bizarre. J'ai kiffé de fou. J'avais l'impression d'être un poulet. T'as vu, tu redeviens un animal. Attends, mais oui. D'un coup, je suis ton maître. Oui.
Oh merde. Oh non, c'est foutu. Non, j'ai bien il a le pouvoir faire. Sur moi. J'ai bien fait de pas le faire, sinon je t'ai fait. Il a le pouvoir. Normalement, c'est ce qui se passe. Ils se disent, mais c'est lui mon maître, il me donne à manger. Bah ouais. T'as un réflexe pour lui maintenant. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais c'était pas cuit. Ah, bah tiens, je vais le remettre dedans. Ah bah c'est... Ça, c'est bien fait, ça. Gâche pas, gâche pas. Bah c'est pas facile, hein. Gâche pas. Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bon. Pour info, on fait de la purée. On est en train de faire de la purée au bacon. C'est de la purée, ouais. Bah c'est, franchement, ça a l'air c'est incroyable. C'est bon, ça. Mais ça mais... T'es sûr qu'il n'y a pas trop d'eau? Mais qui est le il y avait 125. Qui c'est qui le cuisson? Ah, il y avait 100... ça. Ouais. Demande le... Mec, c'est fabriqué où? Mais félicitations au chef. En vrai, je te jure que moi, même j'aime bien la viande et tout. C'est fabriqué mais où? Il y a vraiment trop viande, là. Non, là, y a c'est... pas trop viande. C'est fabriqué en Estonie. On ah, ananas en conserve. On pensait pas hein, qu'il y avait des Estonies. Soja, pomme, cassonade. Ok, j'ai peut-être mis trop d'eau. Ah bah ouais, ouais, faut en mettre un deuxième purée, en fait. Mais en fait, la deuxième, c'est pas de bolo. Bah écoute, mec, faut... pas de bolo purée. Pas de bolo purée, bon, hein. Qui n'a jamais mangé ça? Tape 1, toi aussi, tout le monde n'a jamais mangé ça. Tape 1, toi aussi, t'as déjà mangé pas de bolo purée. Dans ouais, le même plat, hein. J'ai participé le 4. En bah fait, ouais, c'est même pas le même plat, c'est que c'est la même mixture. La même mixture. Je mets la beef spaghetti bolognaise. On peut sentir d'abord. Oui, bien sûr. Ouais. Hop. Oh. Hey, Max, hey Maxou, qu'est-ce qu'il a pour toi, oh, Freddy? C'est quoi, c'est pour moi? Allez, qu'est-ce qu'il a pour moi toi? Non, c'est si, vrai? Si, si, si. Ça marche vraiment. Mais c'est qu'il se régale. Ouais, il se régale. Hein. Allez, on va te mettre là-dedans. Voilà. Putain, quelle horreur. Oh, oh non, mais montre pas à l'action, c'est bad Twitch, ça. Hein. Oh, la vache. Je vais vous montrer une fois que la mixture est prête. Steph, regarde, je vais te montrer. Hein. Oh, attends, je suis en train de remuer là. Mais pas, je t'en supplie, montre pas ça. Bah, je vous jure que ça me dérange pas du tout. Et que je vais... Non, c'est vrai. Bah, j'ai pas mangé, je t'ai dit, depuis 30-40 minutes. Ah, c'est vrai que c'est super bon. Ah, je en fait, t'as vraiment. Dessus. Quand t'as dit j'ai pris la survie, tu l'as pris ah, vraiment j'ai en pris mode du poids. Extrême quoi. Depuis que j'arrive ici, j'ai pris du poids. Oui, avant, ouais, j'étais. Ouais, pas. J'étais un peu maigre un peu. Là, je suis là, non, mais mec, en direct, tu prépares du vomi. Le vomi de la mama. C'est un bon délire. La maison. La mama. Ah d'ailleurs, regardez, il y avait aussi d'autres choses, hein, mais malheureusement, ah bah voilà, on n'a pas de quoi les manger avec. Ah, c'est quoi? On avait des shakers berry et de l'energy drink. L'energy drink. Ah, mais ça, je sais pas comment ça se mange, ça. Mais ça, on peut voir ça. On peut le mettre dans de l'eau, peut-être? Attends. Ça. Ok. Ah, tu vas le mettre là-dedans? Non, okay. Faut que ça reste mangeable. Non, bah ouais, c'est ça. Non, l'idée, c'est qu'on le mange, quand même. Oui, c'est ça, parce que même le truc energy drink, si on le met là-dedans, ça va devenir n'importe quoi, les gars. Bah, ça va être vraiment dégueulasse, quoi, en vrai. Faudrait surtout pas faire ça. Hein. Puis ça, j'ai payé ça 22 balles, quoi. Pardon? Ouais. C'est bon? Oh, la vache. Oh. Non, mais mec... Non, mais... Oh là là, qu'est-ce qu'il a pour Maxou? Pour la santé, ça. Qu'est-ce qu'il a pour Maxou? Maxou? Energy drink. Maxou? Régale-toi. Ah là là là. Wow! Ok! Yes! Wow! Mais c'est de la... Wow! C'est super bon! Ah! Qu'est-ce que t'en, c'est? T'en as un peu sur le bout du nez. Qu'est-ce que c'est? Les gars, je me suis isolé pour m'éloigner du showbiz et c'est ça. J'arrive et vous mettez ça sur le plateau. Mec, je l'ai pas vu désolé. Assez ça sur des plateaux. Je sais pas, mec, je suis désolé, mec. Voilà. Vous me faites retomber là-dedans, putain. Mais non, non! Mais c'est un petit goût citronné en et plus. Qu'est-ce que. Je vais revenir, hein. Non, je repars avec vous. Je repars avec vous parce que la vraie vie c'était ça. Comment tu fais pour pas jure, c'est immonde. Excellent. Mais c'est super bon. C'est attends, excellent. Ah, t'avais jamais goûté? Non. Lui il va kiffer. Lui. Okay. Toi? Et ça le showbiz, mais. Les soirées parisiennes. Attends, moi je vais paquer du showbiz. Tu vas là. Adorer. Paquet de showbiz, vrai, il est là. Du showbiz. Oh là là. Oh là là. Le bonheur. Green Cujo. Le petit pimpin. Quoi? T'as envie de manger du pimpin? Tu m'as dit tout à l'heure tu voulais du pain. Trop de showbiz d'un coup là. Trop de showbiz d'un coup là, on est d'accord. Ah là, c'est 10 soirées d'un coup là. Ah, là putain, c'est fondé, Grim, là. Le petit pimpin que tu voulais manger, regarde, il est prêt. Ah, ça donne envie ça. Ah, ça donne très très envie. Ça, ça donne je suis envie, dégoûté ouais. Que Grim va le manger parce que je l'aurais bien dégommé à sa place. Ça donne envie ça. Ouais. Dommage. Tu le serves de cobaye en ouais, vrai, je essayez de revenir parce qu'ils sont en train de manger toutes les portions. Et allô, là, ça commence à allô, me souler, là. Allô c'est... Enfin, tu m'as parlé à moi quoi. Ah. Ok, bah, vas-y, ouais. Ah, il faut le mettre dans l'eau, je pense. T'es fait voir? Je pense vraiment qu'il faut le mettre dans l'eau. Aïe! Mets-le dans l'eau, mets-le dans la mixture, bon, je pense. Attends, par contre, ça sent comme le pain d'épices. Non, faut pas le mettre dans l'eau, t'es sûr? Ça se mange maintenant, regarde. Tu manges comme ça? Bah ouais, regarde. Qu'est-ce qu'il a pour Maxou, le Freddy? Pouah, non, non, non! Se régale. Non, je déteste le pain d'épices en plus. C'est bon? Non, j'aime pas le pain d'épices. Mais c'est trop bon la fourrure, Grim en fait. Non, la souris, c'est incroyable. Grim non, tu vas te faire foutre. Moi, je vous dis. Là, va te faire foutre. La sous-soupe.
Tu veux pas? Non, 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 commence. Moi, j'arrive pas. Attends, attends, attends. Moi, j'arrive pas à manger après que quelqu'un ait mis un truc sur sa bouche. Voilà. Moi non plus, en plus. C'est vrai? Ouais, je suis d'accord. Ah, mais c'est vrai ou pas? Non, vraiment, premier degré. Est-ce qu'il y a une deuxième cuillère? Si, il y en a une deuxième parce que ça, c'était la cuillère était vendue avec le truc. Si y a une deuxième cuillère, on peut piocher. Super, parce que sinon, j'arrive Grim, pas à Grim, tu t'en fous de manger avec ma cuillère? On s'est déjà embrassé plein de t'as fois. Vu ma, vous avez vu ma limite dans, la, dans le survivalisme? Non, c'est très rapide. J'arrive pas à passer derrière quelqu'un. Moi non plus, mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment le début, j'essaye, mais... Tiens. Donc là, on est sur un mixeur maison, mashed potatoes, bacon, spaghetti bolognaise au bœuf. Normalement, je mange pas tout ça, mais oh, le gourmand, t'es gourmand, hein. T'as mis trop d'eau, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse. On dirait vraiment de la... Oh là là. T'as mis trop d'eau. Ça a l'air horrible, là, je vous le dis. Ouf, c'est chaud. Attention, c'est très chaud. Je me suis brûlé. Oh, ça manque de goût parce qu'il y a le trop pain. D'eau. Le pain est délicieux. Il y a trop d'eau. Le pain, il est, ouais, il est bien. Le pain, il est incroyable. Ah, c'est vrai. Mais comment tu as fait pour manger sans te brûler? Ça, c'est un truc d'expérience, ça. Allez. Le mec, c'était bien. Allez hop. Oh là là. Bon appétit. Hein. Ah. Tu vas pas rester longtemps ici, hein, si t'as, si t'as du mal avec le, bah ouais, le chaud. Tu veux du pain? Ouais. Ça te dérange pas? Je peux en, non, je peux en prendre. Ah. Ah bah t'en as trop pris. Putain. Ah. C'est pas vrai. Tiens mon Grim. Ah non, non, mais moi j'en ai pas plein. Mec, c'est super bon. En vrai, c'est super bon. Pour qui elle est la cuillère? Pour qui elle est la cuillère? Oh lolo. C'est pour Grimou? C'est pour Grimou? Mais non, 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 faut manger ça. Ah, c'est grâce. Allez, 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 allez. Oh là là, oh. Allez, tu me fais quoi? Tu vas mourir. Non, tu me mourir. Fais quoi? Tu préfères mourir? La cabane s'envole. Tu vas pas, tu veux mourir? Attends. Bon, hein, Tam. Mais bon, hein. On a appelé le custo. Ah, c'est moi le cuistot? Bah, visiblement. Ah. Mec, je suis persuadé que ce truc-là que t'es en train de dégommer, fallait le mettre dans l'eau, hein. Non. Parce qu'il est vraiment très sec, quoi. Mais non, mais toi, pas... j'ai vu le truc dans la survie, mais ça, je l'ai pas vu. Rail. Ça veut dire sec. Non, c'est dry. C'est sec. C'est ce que je viens de dire. T'as dit rail. Je viens de dire dry. Dry, ah, ça le veut dire sec. Rail. Attends. Ah, ok. Il y a le babour, il y a le mon amour. Du coup, il a dit quoi? Il a dit ça parlait de fête. Putain, c'est beau. Ça m'a fait... C'est les larmes aux yeux. Ouais, mais putain, moi aussi, ça, regarde, regarde, je m'attendais pas à ça. Ah putain, tu pleures, c'est trop émouvant. Ouais, m'attendais pas à ça. Le rail, t'aimes ça? J'aime beaucoup, ouais. C'est incroyable. Mais je kiffe trop, là, ce que t'as chanté. J'ai tout compris, j'ai tout kiffé. Et j'ai attention, hein, je vais boire de l'eau. C'est pas du tout pour m'enlever le goût de ça, parce que ça, je kiffe. Ouais. Vraiment. Mais, ça, j'ai kiffé. Une cuillère, alors. Tout ce que tu m'as fait grail, là, j'ai kiffé. Oh, ouais, t'as kiffé. Oh. À la cerise. Waouh. Sauvage. Waouh, 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 waouh. Envoie le loup, Maxime. Envoie mes baskets. Wow, je fais que marcher sur des pics, j'en peux plus. Tiens. Non, ça, c'est pas d'accord ça, des baskets. On est d'accord qu'on n'a pas goûté ça. Non, on n'a pas goûté ça. C'est vrai qu'on n'a pas goûté Maxou ça. Maxou. Maxou. Je trouve qu'à chaque fois, il mange un peu trop vite. Ouais. On va tenter de voir si il a bien suivi les conseils. C'est gage, j'entends, vraiment, j'entends. Qu'est-ce qu'il donne, Maxou, avant de manger? Hein? Oh là, merde. Qu'est-ce que... Oh, merde. Quoi, là? Rien, bah là on est tranquille, on est en... On boit de l'eau dans le parc. On boit de l'eau, on boit de l'eau et on... Vous n'avez pas le droit d'être là en fait. Pardon, pourquoi? Quelle que soit la raison. Mais moi ça fait au moins 6 mois que je suis là moi. 6 mois? Ouais, j'ai coupé depuis 6 mois moi. Tu veux faire le malin avec moi? J'ai fait un truc pour faire le malin. Vous êtes hyper susceptible. Mec, mais vous êtes hyper susceptible. Vraiment le malin. Non mais vous arrêtez-le, s'il vous plaît, arrêtez-le juste. Je vais pas faire le malin. Écoutez, pour pas qu'il y ait de jaloux. Je vais vous arrêter tous les trois si ça vous dérange pas. Franchement, moi j'étais même pas jaloux. Repli. Moi je suis pas jaloux, moi je suis content pour lui s'il y a que lui d'arrêter. Je vous arrête tous les trois. Non mais s'il y a que lui. Franchement, il est tellement gentil quand il demande. Ah, mais on brainstorm. C'est ça. Voilà. Bon, qui veut se faire arrêter? Moi je suis sûr. Mais après, pourquoi c'est lui s'il est tout seul. Moi je propose qu'on vous arrête tous les trois. On va vite faire en prison, on voit quoi. J'ai une question, est-ce que je peux mettre mes baskets avant? Ouais. C'est celle-là? C'est celle-là. Air Max 95. Non, tu peux mettre celle-là si tu veux. Ah, j'ai une question. Elles m'iront jamais, monsieur. Ah. Bon, là, j'essaie d'aller dans votre sens. Ouais, je comprends. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on peut, par exemple, ranger tout ça, aller chez nous, partir en vacances?
revenir et après on se fait arrêter. Un téléphone. Vous pouvez ranger, je réfléchis à la suite pendant que vous rangez. Les gars, c'est, mets les tes baskets. C'est peut-être une solution. Écoute, Freddy, oh Maxime, tiens, tu as pas eu tes deux couteaux de chasse super dangereux. Ah d'accord. Monsieur, vous allez nous frapper? Vous avez fait un truc criminel? Ah non, non, non. Maxime, c'est quoi ça? Non. C'est quoi cette poutre sur ce juste, attends, Freddy. Pour quoi, quoi pour Freddy, quoi qu'est-ce qu'il a? Regardez, s'il vous plaît, vous pouvez regarder ici. Qu'est-ce que c'est sur cette c'est moustache quoi, c'est quoi cette petite poudre blanche? Pardon que l'on voit. On dirait comme un truc de qui vient de Colombie, ça. Oh oui, non. Je vois très bien de quoi il parle. Ah, c'est parce que la musique. Non, c'est parce que j'ai commencé à avoir des petits poils blancs de temps en temps. Ah, c'est l'âge. C'est l'âge, en fait. Voilà. Parce que je suis un daron. Criminalité. Qu'est-ce que tu fais? Drogue. Illégalité de sexe, d'endroit. On a vraiment sexe aussi. Vous avez tout fait là. Ouais. Non, je suis désolé, franchement, ça me gêne un peu, mais je vais vous arrêter vite fait. Mec, vous êtes trop gentil comme désolé, policier. Ok, c'est ok, c'est ok, ouais. C'est ok. Ah, mais putain, monsieur, ça me sert. Ça me sert, ça me sert, monsieur, vous serrez, monsieur. Monsieur, vous me serrez. Ah, ça me sert, ça me sert. Ça me sert, ça me sert. Ah, ça me sert. T'as pas. Monsieur, vous serrez. Il sert, il sert. Mec, t'as pas. Filmez. Filmez, filmez. Filmez. Ah, ça me sert, monsieur. Je vais en mettre d'autres. Max, j'en mets d'autres. Ah, ça me sert. Elles sont moins serrées, celles-là. Max, ça me sert. Elles sont moins serrées. Freddy, tu n'as pas de menottes. Freddy, t'en as pas, t'en as pas. Ah, ça sert, filmez, filmez, filmez. T'as toujours pas de menottes? Ah, mais c'est vrai qu'il en a pas. Ah ouais, je filme, monsieur, hein, ce que vous faites. Hein. Ah, ça va. Je suis en train de filmer. Hein. Mais j'avais pas mis, j'avais ça sert. Mais j'avais rien mis. Ça partir en tété, ça. Mais voilà, j'avais rien mis. Regardez, c'est ses bracelets. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ses bracelets. C'est les bracelets, c'est les bracelets. Ah, là, vous lui avez mis, vous avez pas honte. Chef, c'est tes bracelets, frérot. Ah, c'est les bracelets. Frérot, c'est les bracelets, j'ai vu. Ah, il m'a mis un coup de gazeuse dans les yeux. Ah, il m'a mis un coup de gazeuse. J'en retrouve le micro de Freddy. Attends, viens voir, je voulais dire un truc. Ouais. Genre là, ta poignée là, si on fait ça, comme ça. Fais gaffe, il va te mettre les menottes, tu m'as fait la même chose. Non, mais non, c'est impossible. Il me montre un truc, c'est regarde. C'est pas un bijou, c'est des menottes. Ça se voit, c'est pas un bijou. Ça veut dire que t'es innocent. J'ai essayé celle-là. Okay, attends, c'est comme Cendrillon. Ouais. Ah non, là, t'es pas innocent. Ah, mais il m'a mis les menottes. Non, les menottes, c'est deux. Ouais, lui, il a mis que un, donc c'est que un. Ça veut dire que c'est bon. Ouais, t'es innocent, toi. Oh, c'est dingue. Ah mince, non, mince. Aïe. Ça, c'est prouvé, hein. Si les menottes rentrent pas, on laisse partir les gens. C'est rentré, ouais. C'est tout le monde. Bah vous, c'est que vous êtes des criminels, hein, désolé. Ah ouais. Du coup, si la menotte rentre, c'est quoi des criminels? Ouais, c'est... si ça rentre pas, il y a plein de gens, c'est pas rentré, genre. Mais on va où, là? Vous êtes les premiers, d'ailleurs, en vrai. Pardon, ah ouais, c'est vrai. Mais ça fait longtemps, ça ferme jamais. Vous êtes j'ai peut-être une toute petite question qui est un peu bizarre, mais comment on fait quand on a les menottes et qu'on a le nez qui gratte? Je vais te le gratter, je t'autorise trois fois, genre. Ok. Il te reste trois chances, tu veux utiliser maintenant? Bah ça me gratte en fait. Ça lui gratte de fou, ça se voit. Vers là? Ouais, là un peu plus haut. Ah ok, c'est bon. Merci. Presque deux fois. Hein. Ok, ouais, c'est bon. Freddy, comment tu vas faire pour mettre tes chaussures avec les par rapport aux menottes? Non, mais je vais l'aider. Ouais, c'est pas grave. Après, on est bien en chaussettes. Hein. C'est vrai. En même temps, vous voulez vivre l'aventure? Allez, pieds nus. Allez, venez, en prison. On en bas. C'est par là. Vous allez voir, c'est sympa. Il y a un petit ascenseur. Ah, c'est quand même... on fout pas de notre gueule, quoi. Non, franchement, c'est bien. C'est bien, ouais. Vous avez fait? Moi, de base, j'étais en prison, de base. Ah, okay. Ouais. Mais vous avez une plaque, un truc? Vous êtes... Ah oui, non, mais attends, je suis devenu plus. Ok, d'accord, ok. J'ai passé un CAP en prison. Je trouve vraiment que vous faites votre boulot à la perfection. Bah ouais, et... c'est pour ça. Pourquoi tu suis le policier? Allez, c'est le bon exemple à donner, en tout cas. Allez, comme ça, par là. Ah, monsieur. Ouais, j'ai mis bien. Du coup, il y a un comico dans la forêt. Ah, c'est vraiment juste à côté, hein. Ah ouais. Vous nous entendez encore, là, les policiers? Je sais pas. Attends. Non, ça va, je pensais que c'était compliqué. Ouais. Le dos, ça va, attention votre dos. Ouais, ça va, en fait, le dos. Vous êtes vraiment aimable. Vous êtes super, ouais. Ça en fait, va, le dos, quoi. Je suis désolé au début de vous avoir un peu critiqué. Assis longtemps, en fait. Ouais. Bah, ça fait 6 mois, il a dit. Ouais. Ça fait un peu. Et vous, les épaules, ça va? Attendez, pardon. Bah, j'ai un peu des... Ouais, ouais c'est... Ouais, vite fait, quoi. Il est sympa, ce policier, hein. Ouais, c'est le stress du boulot. Il y a un piège. Non, non. Quand vous m'avez dit vous avez le droit à 3 trucs, c'était le deuxième celui-là ou c'était... Ah non, juste... non, non, non. Ah, c'est juste ah c'était vraiment bonus. C'est gratos. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Ça. Okay. J'adore masser. En fait, c'est le stress de la garde à vue qui m'a un peu... C'est à moi, c'est à moi. Non, non, c'est tout massé. Ah, ok, d'accord. Ouais, j'aime bien. Par contre, moi, c'est les poignets là qui me font mal. Là. Les poignets? Ouais. Je vais vous masser les poignets, j'arrive. Vous pensez qu'on peut desserrer un tout petit peu? Bon, on peut pas enlever les menottes, sinon. Par contre, premier degré, j'ai mal de ouf. Non, mais j'ai serré de ouf. Non, mais j'ai de l'huile. Ouais, juste si c'est. Je vais vous mettre de l'huile. Monsieur, vous pouvez lui mettre par l'avant peut-être? Ouais. Pour qu'il ait moins mal, avec votre clé magique qui ouvre toutes les serrures. Aïe, aïe. La clé elle est en bas de toute façon. Ah ok. Bah on va y aller. Là. Super. Non, en vrai ça va de ouf. Super, top. En vrai, ça va. De toute façon, hey, c'est dans la tête. Je vais vous le porter. Ah ok, ça adore. Vous voulez que je vous porte des trucs? Ouais, ça va. Non, c'est bon, super.
On descend, dépêchez-vous. Allez, connard. Excusez-moi. J'aime bien avoir un petit peu de style. Vous pouvez mettre mes colliers vers l'extérieur. Juste pour le style un peu. Voilà. Vous vous sentez stylé? Ouais, là c'est un peu mieux. Ah, ça va, là, vous moi j'aime bien, ouais. Attendez, je regarde votre outfit. Ouais, c'est pas mal. Je t'ai libéré, mon pote. Mais non, mais tu le rattaches. Tu laisses le partir. C'est bien. Merci. C'est bon, regardez, il a bien lu. J'ai eu peur. T'es vraiment le faillot, toi. Monsieur. Non, non. Non, non. Non, non. Je vous ferai, en tout cas, je vous ferai jamais ça. Ça se passe bien en vrai. Ouais, ça se passe bien, mais juste. Vous nous agressez, franchement, en fait, franchement. Donc là, en fait, on est. C'est quoi la suite? On sort et on est. Là, on va en prison, là. On va bruncher, là. On va, pardon, on va, pardon, pardon, on va où? Par là? Non, juste avant. Par là? En prison. Allez. Ah oui, oui, oui. Non, mais... Bah, c'est okay. Bah, tout de suite, à tout de suite. On n'a pas d'abord un avocat. Bon, libérez-nous. Hein. D'abord, on va en prison. Grim, ça c'est ta faute, c'est sûr que c'est ta faute, t'as dit que tu voulais faire du feu, regarde maintenant où on est. Il a le droit de nous arrêter comme ça? Mais frère, c'est sûr et certain, on est mort. Là, on va prendre perpète à cause de toi, c'est sûr et certain. Un truc qui se doit, c'est un bon. Faites pas de bavure, hein. Non, tu sais qu'en vrai, je connais un bon avocat et je pense qu'on arrive là-bas, je vais l'appeler, il va nous sortir de là. En question et crise UFX. Parfait. Non, c'est un vrai avocat. T'as pété. Et alors? Non. C'est la fenêtre. Mais ça va rajouter des amendes. C'est la pollution, frère, regarde dehors. Freddy, ça va? Freddy, tu peux parler, hein. C'est... Tu sais, c'est une séquence, hein. C'est pas vrai tout ça, hein. C'est pas bon, des vrais flics. On est entre nous, c'est une mise en scène, hein. Pour rigoler tout ça, hein. Ils sont pas, on va pas vraiment aller en prison donc. Y a pas de procès là, tranquille. Tu boudes, c'est quoi, c'est. Fredou. Ah. Vas-y hein. Pas grave, bon, mon gars. On se capte. On se capte à l'occasion. Enfin, t'inquiète. Ouais. C'est abusé. Allô.
Allô ? Salut à tous les gars. J'ai le chat à nouveau, mais c'est un peu abusé là. En plus, je suis un peu claustro. Aïe, je suis un peu claustro. Pourquoi je suis en prison ? J'espère que vous allez bien. Libérez Maxou. Oui, libérez-moi s'il vous plaît. Tout ça, c'est l'idée de Freddy. C'est Freddy qui a fait le feu. Pourquoi c'est moi qu'on a arrêté ? C'est abusé. En plus, j'ai l'impression que cette tenue de prisonnier est en XL. Bizarrement, elle me va un petit peu grande. Regardez les manches. Les manches tombent un petit peu. C'est... Libérez-le. Freddy a fait le feu, mais Maxou a... Ok, peut-être que je vais pas lire ce message, du coup. Nike orange. Non, regarde, elles sont toutes blanches. Il est où Grimm ? J'en ai aucune idée. Ce qu'on va essayer de faire, les amis, c'est sortir d'ici. Voilà, c'est la première étape, parce qu'il faut finir l'émission. Oh, wesh. Mec, tu me manquais, j'avais trop peur, j'étais tout seul. Mec, mais pourquoi on est en prison ? Mais mec, ça c'est les conneries de Freddy, il a fait le feu, le machin... Ça nous a foutu dans la merde, cette histoire. Moi, il y a ma mère, elle regarde l'émission, c'est sûr, elle va savoir que je suis en prison. Il y a mes darons devant, frère, on va voir, oui. Voir que je suis un tolard, frère, on fait comment ? On est mort, frère. On est mort. Toi et moi, à la vie, à la mort. Écoute-moi bien. Top là, gros. Écoute-moi bien. Ouais. S'il y a un, je sais pas moi, un interrogatoire, un machin, un truc, jamais je vendrai la mèche. C'est bon, gros, écoute-moi bien. On parle pas. Si y a une garde et le policier m'interroge, en 10 secondes, j'y tombe, blaze. Non, mais c'est. Pas mon blaze, tu dis pas mon blaze. Mais tiens, moi je te dis shout out Maxime, libérez pas celui qui a tout fait, libérez-moi à la place, tu vois. Tu sais, c'est des paroles de rappeur et tout. Ok, j'aime bien le rap et du coup, bah, je te crois. Ah! C'est-à-dire maintenant, on peut sortir un EP zen du coup, vu qu'on a la street cred. Mais c'est ça, il faut qu'on fasse cover d'album, il y a pas. Attends. Viens, on fait une cover d'album et après on fait le rap. Ouais. Mais c'est que si on sort ça. Quoi c'est combien, de... combien on la peine de prison, ouais. Je sais pas, 12 secondes. Ah, ça va. Ah, bon, on attend là, alors tranquille. Ouais. Oh, oh putain, je suis serré dans ce costume de prisonnier pour l'émission. Enfin, alors que moi, c'est ce que je disais justement, c'est que j'étais tout sauf serré. Ah ouais ? Bah ouais, regarde les manches. Ça se trouve, on a inversé notre nu, t'imagines ? Bah c'est toutes les mêmes tailles en fait, j'ai regardé. Ah ouais. Mec, il est là. Qui est là ? Comment je peux rentrer dans le champ ? Il y a un de l'autre côté. Prisonnier. Ah. Mais non. On m'a dit de faire une photo. Mec ! Freddy ? Il est passé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait ? Mec, qu'est-ce que tu fais ? Wesh ! Wesh ! Non ! Ça va pas, putain, mais vous avez mec, pas honte ! Le respect des prisonniers ? Mec, ça va pas, vous arrêtez de faire ça ? Freddy ! Non, mais... Mais laissez-le ! Vous croyez que je vais me laisser faire ? Attends, je vais te venger. Vous croyez que je vais me laisser faire ? Fais gaffe, il est costaud ! Hé, qu'est-ce que vous lui faites, là ? Maxime, vas-y, va le défoncer ! Freddy, je peux te parler deux secondes ? Va le défoncer, défonce-le, Maxime ! Ok. Bon, monsieur, s'il vous plaît, moi, je suis à la cool, il n'y a pas de... Ah ! Ah ! Mais comment il a fait ça ? Ah ça va. Hey Maxime, m'abuse pas, c'est... Ah aïe, aïe, aïe. C'est moi qui me faisais mal au doigt, pardon. Ouais, c'était toi. Juste en fait, il n'y avait pas de policier, c'est ça cool que je voulais dire. À la base, c'est vraiment tu me faisais mal avec le truc, mais il n'y a pas de policier. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas... Je pensais depuis tout à l'heure qu'on nous faisait du mal, faut pas se laisser faire. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui. Et on dit tout sur les réseaux, ce qui se passe. Oui, on dit, quand quelque chose arrive, on le dit. Le truc, c'est que c'est filmé et qu'on t'a vu passer et te jeter, on a tout vu. Ok, ouais, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire ? Je voulais des dommages à intérêt et tout. Je comprends. Je comprends. Il a vu de la vie. Il y a pas de problème. En vrai, malin. Ok, les amis. Ben, Freddy, je suis dégoûté parce qu'à la base, je vais te recevoir dans un autre décor. Bah ouais, normalement, c'est le canapé, c'est les questions. Je t'en prie, installe-toi. Ok. Les gars, je vais vous dire. Ouais. Quand on arrive en GAV, normalement, on nous retire les lacets. Ouais, c'est vrai. Là, ce qu'on va faire, on va se pendre. Exactement. Non. On va retirer les lacets. Mais les gars, si on fait ça, chacun prend un truc. Et on se met là. Hop. Et là, c'est parti. Mais les gars, si on fait ça, on va mourir. Ah ouais. Oui, mais après, c'est terminé. Bah oui, vous. Non, mais la vie d'après, je sais pas vous, mais moi, j'ai tout misé sur la vie d'après. C'est impossible. Les gars, je peux vous parler deux secondes ? Quoi ? Ouais. Pourquoi tu faut chuchoter ? Parce que j'ai l'impression, à un moment donné, que vous avez pris ce truc un peu de garde à vue au sérieux. Ouais. Juste, je vous dis comme ça, c'est une émission. Une émission, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi les menottes, frère ? Ça, là, on m'a fait mal ? On m'a fait mal pour une émission ? Il s'est pris une bavure, tu parles d'émission. On m'a poussé frère. Là, on m'a poussé, on m'a mis des coups, on m'a fait mal, on m'a serré les menottes sujet, pour une émission. Non, c'est pas une émission, les gars. C'est pas une émission. Mais non, parce qu'une émission, on n'aurait pas été. Si c'est une mise en scène, t'es foutu, mec. Tu vas te faire éteindre partout, genre. Donc, toi, pour le buzz, pour l'audience. Tu fais des mises en scène horribles comme ça ? Tu nous fais croire qu'on est. Alors que moi, j'ai eu peur. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est une vraie.
On peut appeler notre famille. C'est vrai quoi? Émission? Non, okay, on est gars, responsable de ça. Écoutez bien. C'est quoi? C'est Squid Game? Je vais vous sortir d'ici. C'est Squid Game? C'est pas Squid Game. C'est Squid Game? Laisse-moi appeler mon avocat. T'as tout. T'es à l'intérieur. Et en fait, t'es responsable de ce qui se passe? Non. Mais comme dans Squid Game. Comme dans Squid Game? Mais c'est toi qui nous as amené en garde t'es à vue. T'es Squid Game? Je suis Squid Game. Mais tu es Squid Game. Je suis Squid Game. Oh, c'est une dingue. Très belle série, bravo. Merci. J'ai adoré ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Mais quand ça nous concerne, nous, c'est moins bien. Voilà, c'est ça. Mais faut se mettre à l'extérieur. Mets-toi à la place des gens. Ok, tu vas mourir, machin. Mais les gens vont kiffer, ok? Tu peux être un petit peu penser aux autres, s'il te plaît. On peut être un peu moins. Hein? On est dans une série ou pas? On est où là? J'aurais ma fiche à IMDb. Pour l'instant, il y a pas grand-chose dessus. J'aurais une avant-première. Par contre, faut pas compter là-dessus. Oh putain. Oh, j'appelle mon avocat. T'appelles ton avocat? Oula. Non, bah, arrêtez. C'est bon, plus de guilis, plus de guilis. J'appelle pas mon avocat. Vas-y, tiens, tenez. Mais pourquoi? Regardez. Non. Tu vas bien ou pas? Bah, prenez, il a un couteau dans la poche. Juste, monsieur, j'ai une question. Ah, oui. On vous aide dans votre droit de pas. Vous avez le droit de garder le silence. Ouais. Vous avez le droit de tout ce que je dis est contre vous. Contre vous. Ouais. Est-ce que j'ai le droit d'appeler mon avocat? Quand? Pour preuve de ma bonne foi, je le fais devant vous là maintenant. Ok. Après la déposition, pourquoi pas, oui. Attends, pose ça vite fait. Ouais. Regarde, vas-y, assis-toi. Ouais. Tu peux me recoiffer? Tu peux t'asseoir? Ouais. Tu peux t'asseoir aussi, s'il te plaît? Vous connaissez pas mon avocat, d'accord? Tu peux et moi non plus. C'est qui? Ah, ouais. Parce que j'ai un avocat commis d'office. Votre baveux... Oh, alors faites attention. Vous avez un baveux qui est né où? À Tel Aviv. Moi, je connais le rap, monsieur. Peut-être qu'on pourrait devenir potes. Et attendez, non mais là, attendez. Moi, de base, je voulais savoir si tout se passe bien. Bah, on a regardé ouais, quoi. Ouais, cool. Mais à part ça. À part ça. Voilà. Tranquille. Vous avez vu comment vous m'avez fait entrer dans la cellule? Non, c'était mon collègue, ça. C'est votre collègue? Il vous ressemble beaucoup. TME. Tu parles comme ça. Il vous ressemble beaucoup. Mais Marc-Étienne, qu'est-ce qu'il a fait encore? Dites-moi. Il va à l'infirmerie, je parle bizarre. Okay. Bon. Je fais un AVC. Ok. Là, je vois. Bon, ça marche pas. Je vois que vous en avez marre. Et ouais. Ça, je comprends. Ok, je me mets à votre place deux secondes. Mm. C'est pas cool en fait d'être en. Je viens de m'en rendre compte. C'est pas cool. Bah ouais, c'est cool, nul. De ouf quoi. L'alcool, c'est pas cool. Non mais c'est vrai. C'est pas cool l'alcool. Ça devrait s'appeler l'alcool. Non mais. Un gramme de riz pour faire du. Je fais d'accord. La promo. La promo, il a raison. Moi, en fait, ce que je me rends compte, c'est que d'être enfermé, vous devenez fou. Vous faites des vannes pas ouf. Vraiment pas ouf. Non mais c'est vrai. C'est la folie. Non mais c'est la folie de. Et ça. Je pense qu'on va essayer d'accélérer le processus. Je pensais pas que vous étiez un policier aussi des vannes, mais en fait, je le réalise aujourd'hui. Non, mais on va accélérer le processus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre en déposition. D'accord? Ok. Mm-hmm. Ça, on va essayer d'avancer. On va vous prendre en déposition? Oui. Je vais vous prendre en. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. D'accord. Attendez, je vais demander à mon supérieur. C'est la folie dont vous parliez tout à l'heure. Je vais vous prendre en dep, quoi. Ok. Je peux vous prendre en dep, vite? Oui. Ok. Donc, je vais te prendre en dep d'abord, si ça te dérange pas. Maintenant? Eh bien, je te prends en dep. Ok. Et je reviens et je. Du coup, prendre. Et je vous prends en dep. Ça va déshabiller, tu dis oui. Du coup, ça va plus vite, c'est long après sinon. Ah, ok, oui. Et du coup, il va prendre Maxime en dep. Je reviens, hein. Ok. Tout le monde va le faire et comme ça, vous pourrez aller en prison plus vite. Ah non, attends. Enfin, faire votre peine plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu que ça dure par exemple 5 ans, ça durera 4 ans et 10 mois par exemple. Monsieur, c'est long, pas beaucoup. C'est long pour être sur une terrasse. C'est un exemple. Ah. Monsieur. Ça pourrait être. Vous êtes très susceptible. Au lieu d'un jour, ça pourrait être une heure. Vas-y, installe-toi, mon grand. Je vais prendre ta déposition, mon garçon. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je fais ça tous les jours. Hein. Non, c'est moi qui dois faire ça. C'est moi qui dois faire ça. J'en étais sûr. Ah, j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est lui qui doit le faire. Mais oui, j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est lui qui doit le faire. Franchement, là, j'allais dire, ok, vas-y. Bon, dis-moi d'où tu viens, où t'habites. Non, je suis innocent, arrêtez. Mais c'est moi qui dois faire ça. C'est ça. Bah oui, on a inversé les rôles. Alors, donc le prénom, s'il te plaît. Maxou. Maxou 2B, 6-9 Latric. Maxou avec un X ou K-S-O, un grand O, un petit O. M-A-2-X. 2B. 2B. 6-9 Latric. Ok. Baisse des Condés. Juste, comment on fait les... Voir à la rue. Comment 974 représente. Tu m'as dit 9. Big up à tous les frelons. Attends, est-ce que ça te dérange si tu peux le redire sans les numéros et tout? Parce mais que je c'est sais mon vrai blaze. Ouais, mais je sais pas faire les numéros avec le clavier. Ah ok, Maxou. Ouais. Parce que quand j'appuie là, si je mets Vernum, ça fait les numéros? Ça fait les numéros, ouais. Bah vas-y, dis-moi les numéros, pardon. Maxou 2B. Ok. Gloire à la rue.
part. Nick les Condés 974. Nick les Condés 974. Les Condés, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, les Condés ? Le truc dans l'oreille, qu'il y a, y a les crottes d'oreille, ça s'appelle comme ça, en fait. Condé, c'est genre un anagramme pour crotte, oreille. Crotte, oreille, nuisible dans la cellule. Cellule, c'est un E à la fin de Condé, non ? Ouais. Crotte d'oreille, nuisible dans... extérieur. Écoute. Et dans écoute, ok, dans très écoute. Bien. Autant pour moi. C'est pour ça. À moi, j'ai cru qu'on dé, ça voulait dire policier. T'es ouf, mon ref. Il a dit, nique la police ou quoi ? Non. T'imagines, tu dis ça, le gars, il en garde à vue, il dit, nique la police. Eh, si t'avais dit ça, même pas de déposition perpète. Mais tu parlais des caca d'oreille, ok. Pourquoi tu parlais des caca d'oreille ? Bizarre, ça avait pas de rapport avec ce qu'on disait. C'est clair. C'est mon pseudo, c'est juste un blague. D'accord, ok. Ouais. Moi aussi, je fatigue, hein, tu sais, c'est pas facile. Hein. Bah ouais, c'est un métier difficile que non, vous faites. Non, mais ouais, monsieur. C'est un métier compliqué. Mais bon, j'ai pas eu de me plaindre. Il y a des gens, ils font des métiers plus durs. Par exemple, les gendarmes. La même chose. Pareil ? Ah, ouais, okay. C'est un... Bon, bref. Ouais. Alors. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Non, c'est moi, je voulais... Okay. En fait, là, vous... c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous étiez... Le feu ? Ouais, dans des... vous avez fait un truc illégal. Oui. Là, il y a plein de choses qui sont retenues contre vous. Du genre ? Pas le droit d'être ici, donc interdiction de mobilité par, de lieu. Okay. Deuxième accusation, incendie. Donc okay. Vous avez fait une vous êtes des pyromanes. J'ai écrit pyromane. Il y a vraiment des mots compliqués. Je suis. Non mais ça veut dire qu'en gros vous ne savez pas bien de faire du feu. Ah voilà. Mais ouais, je sais. En plus on m'a dit déjà. Et dernier truc, vous manquez de respect aux forces de l'ordre. Oh ah ça c'est moi j'étais pas d'accord. Ah non. Moi j'allais pas le mettre celui-là au début. Celui-là faut pas le mettre celui-là. Bah j'ai envie de l'enlever ouais. Mais enlève le. Moi je l'ai trouvé sympa en vrai. Enlève le s'il te plaît. C'est mon collègue en fait parce que j'ai des écouteurs ils. Le bâtard. Tout. Il a dit à un moment ils se sont foutus de ta gueule. J'ai dit quand. Ah. J'ai dit dis-moi quand. Oh. Dis-moi quand. Eh je dis dis-moi quand. Il savait pas se rappeler. C'est pour ça, on enlève celui-là. Qu'ils inventent. Voilà, on enlève celui-là. Merci, maître. On enlève celui-là. Merci, maître. Ok. Donc, du coup, ça fait que deux chefs d'accusation. Ça marche. Va. Ça va. Ça veut dire que. En calme. C'est entre 20 et 30 piges de prison, normalement. Entre 20 et 30, je crois. Ça peut être 21, ça peut être 22. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est 20. Quoi qu'il arrive, je sais pas. Après, on peut s'arranger. Ok. Non, j'ai pas dit ça. Okay. Non, je rigole, j'ai pas dit ça. Non, 20 piges. Okay. Bref, 20 piges de prison. Ça te va ? Je mets entrée ? Je peux appeler mon avocat ? Viteuf. Vas-y, tu peux l'appeler, mais attends. Je finis juste ma déposition, donc tu m'as dit, tac, toi, t'assumes les conneries. Bah, c'est bon. Je trouve que c'est un peu disproportionné, mais sinon, à part ça, tu reconnais d'avoir foutu la merde. J'ai fait un peu le feu. Voilà, t'as fait un peu le feu. Je mets entrée. Le mail est parti. Non, mais voilà. Non, mais... Peut-être qu'on peut s'arranger. Comment ? Je sais pas. Vous avez quoi des... Vous mangez quoi là-haut là ? Là-haut, on s'est fait de la purée. Ok, des ça pâtes m'en fout. Tu peux y aller, c'est bon, prison. Moi, y a rien qui veut. Moi j'aime que les noisettes, mais c'est pas grave. Si c'était dans un délire de purée. Non, vas-y, c'est bon, prison, mec. J'ai pas de noisettes. Quoi, t'as des. Mais non, j'ai pas. Bah désolé, mon gars. Moi j'essaie d'aller dans ton sens, c'est bon là. Je peux appeler mon avocat s'il vous plaît. Appelle-moi surtout Grim là. Ok. Grim, je t'a... Moi, je suis gentil avec eux. Wesh. Quoi ? J'appelle mon avocat vite avant qu'il arrive. Ok. Il a dit quoi, le policier ? Vous inquiétez pas, c'est un crack, l'avocat. Il va nous sortir de là, mais tranquille. Britukino, Sigriti, Kilinaki. Oh là là, il va pas pouvoir nous aider là. Est-ce qu'il parle français ? Je l'appelle. Oh là là, va falloir parler en italien. Italien ? Allô ? Italien ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il répond pas là, ton policier. Qu'est-ce qu'il dit ? Je sais pas, en régie on me dit des trucs. De quoi ? On me dit qu'il y a un problème. De quoi ? Allô ? En régie. Allô ? Allô ? Je t'ai déjà dit de plus jamais m'appeler de ta vie, à mon avis c'est pleinement mérité. J'espère que tu vas prendre perpète, espèce d'enfoiré. Allô ? Ouais, bah ça, super, je suis content de vous entendre. Il t'a dit quoi ? Ok, bah je leur dis. Et ah, c'est rassurant à entendre, chef. Pardon, maître, patron. Tu vas faire du hors forfait. Merci. Raccroche, je suis un étranger, il y a pas de. Alors, il est chaud de fou, le gars. C'est quoi, le gars est chaud de fou. Je lui ai dit exactement les chefs d'accusation. Il était en mode quoi ? Vous
comme ça, on aurait dit De Niro. Mais ouais. Il dit, vous faites ça à mon padrino. Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. C'est sûr que c'est C'est Marlon Brando, c'est pas De Niro. T'es sûr que c'était un avocat? Après, il a raccroché. Mais il vient. C'est étouffé. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, ah oui, putain. Attends. Oui, j'ai pas dit, toi, faut que t'ailles. Ah ouais, oh putain. Ouais. Moi, j'y vais. Attends, mais s'il s'est étouffé, il va venir nous sauver quand même? Non. Quand je dis étouffé, c'est l'expression étouffé. Ah, étouffé. Qui veut dire en français étouffé, qui signifie être serein. Bon, on commence. Attends. Deux secondes. Je suis à toi dans 10 secondes. 9. Attends, tu me stresses là. 7. Comment on fait arrobas, tu sais ou pas? Vous me donnez les clés, vous m'enlevez mes notes et je peux vous montrer. Ah bon, bah non. Attends, on fait la déposition, après on voit. Ok. Je sais jamais c'est où en fait. C'est à gauche, je crois. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Okay, alors, qu'est-ce que tu disais? Tu voulais mettre tes pieds? Vas-y, ça me dérange pas. Sérieux? Ouais, ça me dérange pas ça. Tant que c'est pas un manque de respect. Non, mais je ferais pas ça. Attends, c'est un manque de respect là? Non. Tu mets tes pieds. Mais non, mais j'avais des longues jambes, ça me faisait mal aux jambes. Oui, bah tu peux les mettre. Ah bah voilà. Ça me serait pas. Bon, ça va, ça se passe bien en prison? Bah on est en garde à vue, c'est pas ouf. Ouais, mais genre l'expérience. Ça, c'était marrant. L'animateur, il a ramené des bonnes colos et tout. Ouais. On a fait des pompes là. Il a dit après on allait faire un chat. Ok. Donc toi, t'as envie de rester? Ouais. Okay. Je suis content. J'espère que ça a duré 2 semaines et tout. D'accord. Bon, ça c'est bien. Parce que des fois, ça me stresse. Les gens, ils disent je suis innocent. Moi, j'ai envie de les laisser partir. Ouais, voilà. Je suis innocent. Ah, mais je croyais que t'avais envie de rester. Ah, non, mais je suis bien. Mais si je peux partir, c'est cool. Ok. Si t'es bien, mais si tu peux partir. Okay. Attends, je le note. Je suis innocent. Attends. J'ai compris ça. Je te le mets. Je mets un petit astérix. Il kiffe, mais s'il pouvait se barrer, ça serait cool. Bah, okay. Quand même. Donc. Ce que vous avez fait là-haut, c'est pas cool. Il y a plusieurs chefs d'accusation contre vous. C'est qui les chefs? Le président? Bonjour, je suis le chef d'accusation. Je suis chef et je vous accuse. C'est pas toi le chef, c'est moi le chef d'accusation. Il veut quoi le... On peut pas être deux chefs d'accusation. Pourquoi il y a plusieurs chefs? Il y a qu'un seul chef. C'est un chef, il accuse. Bah oui, c'est vrai. C'est bizarre que t'aies plusieurs chefs. Non, mais c'est super. Tu devrais avoir un chef. Bah oui. À la limite, t'as un chef d'accusation et un sous-chef d'accusation. Ou alors un chef qui a plusieurs accusations. Ou un chef et un lieutenant d'accusation. Ah. Là, on parle. Non, un lieutenant, non, un sergent d'accusation. Ils devraient devenir policiers en fait. Bah ouais, c'est pas mal ce que tu proposes. Bah ouais, attends, voilà. Tu sais quoi? T'as un chef d'accusation. On échange nos rôles? Non, mais déjà, t'avais deux chefs là, tu passes à un chef. Yes. Mais bon, je vais te mettre un lieutenant d'accusation si ça te dérange pas. Non, y a pas besoin. Une petite secrétaire d'accusation. Un agent d'intérim d'accusation. Un agent d'intérim d'accusation. Alors, t'as un chef d'accusation, alors lui, chef, pas content. Le chef et je vous accuse. Et t'as un petit agent d'intérim. T'as un stagiaire de troisième d'accusation, c'est pas mal. Ça va, c'est cool. Un stagiaire de troisième d'accusation. Donc, le chef d'accusation, enfin, le stagiaire de troisième d'accusation, commence par le moins grave. C'est que vous aviez fait un peu de feu, de ce que j'ai compris. Ça, c'est pas, faut pas faire ça. C'est pas du feu. On a mangé avec un ami, quoi. Tac, mais comme vous avez fait ça, c'est mort. Le chef d'accusation, c'est l'endroit où vous êtes. C'est un endroit privé. Mais c'était une forêt publique. Eh bah non, il y a des forêts privées. Désolé. C'est selon qui? C'est selon la personne qui appartient à cet endroit. C'est-à-dire? Qui s'appelle Monsieur Romuald. Vous venez d'inventer? Non, je sais pas. Vous du venez tout. D'inventer. J'ai son mail. Vous avez écrit votre prénom? Romuald. Regarde. C'est vous vous appelez Romuald. Ah ouais. Du coup, à cause de ce chef d'accusation, c'est entre 20 et 30 ans de prison. Ça fait beaucoup quand même pour un feu de forêt. Bon, moi, je trouve pas, moi. Non, mais venez, bon, je négocie. Ouais. Une heure. Une heure de quoi, c'est-à-dire de prison. Pendant une heure, on est en prison. Une heure de prison, après, je sors. Bon, un feu de forêt. Franchement, non. Parce que c'est quand même entre une heure et 20 ans, il y a quand même une grande différence. Mais 20 ans, vous trouvez pas ça beaucoup pour un feu de forêt? Moi, franchement, je suis deg pour vous. Je te dis la vérité, là, on est tous les deux. Franchement, j'arrête. C'est quoi? J'enlève mon couvre-chef. Je te le dis. Non. Vous êtes en état d'arrestation. Non, stop, ça marche. Je vous pas. Chef d'accuse. C'est pas le couvre-chef. Je vous chef d'accuse pour mauvais travail. C'est pas le chapeau qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait le chapeau. Vous encourez 30 ans de prison. Non, ça marche pas comme ça. Je suis désolé. De toute façon, je peux pas envoyer le mail parce que je sais pas faire @. Donc, de toute façon, pour l'instant, t'es innocent. Oh les mains. Non, ça marche pas non plus. Ça, je suis désolé. Moi, je dis ça pour toi. Reprends les infos. Là, tu vas aller en prison. Au maximum, tu prends 30 ans. Ça, c'est relou. Mais au minimum, tu prends 20 ans. C'est ce qui est pas mal. C'est toujours beaucoup. Ah ouais? Bah, un peu quand même. T'es difficile en affaire, toi. Hein. Est-ce que... Ouais. Vas-y, dis-moi. Je suis le chef d'accusation et j'annule la peine. Pas, je suis désolé. Je suis la secrétaire d'accusation et j'annule la peine. Le chapeau, il fait rien. Vous êtes viré.
C'est pas le chapeau qui J'ai fait... une arme dans ma... Je suis désolé, hein. Ça aurait pu marcher comme ça. Je pense qu'il y a une époque... Il suffisait... Je suis le chef d'accusation, lui. Non, non, parce que tout le monde l'a, ce chapeau. Tout le monde l'a. Il y a des mecs à Châtelet, ils ont ce chapeau. Ça sert à quoi avoir un chapeau s'il sert à rien? Bah, c'est ce que je me demande. C'est pour ça que je l'enlève, comme ça, hop, beau gosse, tu vois. Ça retourne, petit dégradé. Hein. Mais c'est pas le chapeau qui fait le truc. Donc ce que je te propose, c'est que tu retournes là-bas et que tu attendes pendant 20 ans et tu vois si c'est. Ah, monsieur, fini. J'attends 20 ans en fait? Ouais. Ah, monsieur, ça va. Mais... Voilà. Bah, après, si t'as. Est-ce que par hasard, parce qu'il y a un truc que j'aime bien, mais j'ai honte de te demander. Oh, mais non. Tu peux te demander ou pas? Bon, on est entre nous, vas-y. En fait, moi, je kiffe les noisettes, tu vois. Ah oui, toi, faut pas chercher des noix, toi. Voilà, exactement. Mais pour m'en donner aussi. Ouais, bah... T'en as pas? Ouais, t'en as pas. Moi, je suis en prison, quoi. Bon. Non, mais oui, je suis... Allez, vas-y. Vas-y, bon, on se capte aussi tout à l'heure? Ouais, peut-être à tout à l'heure. Vas-y. De toute façon, on va se voir longtemps pendant, ouais, pendant 20 ans. Hein. Ouais. Vas-y. À tout, hein. Après, 20 ans, ça passe vite, hein. Ouais, c'est relatif. Tu sais que Titanic, ça dure... Ah non, ça dure 3 heures. Non, pardon, c'est... j'ai confondu. Ouais, voilà. J'ai confondu, excuse. Connard. Ça va, les gars? Ça va. Ça va, mon gars. Ça va. Ok, Grim, Grim, ouais. Est-ce que tu... Dis, je vais te dire, moi, vraiment, t'es mon pote et tout. T'as lâché mon blast, t'as dit quelque chose sur... par rapport... J'ai oublié ton poucave, putain. Bah oui, attends, t'as oublié le poucave, ça veut dire que tu m'as poucave, moi? Non, non, je sais pas, vous avez pas pris votre poucave pour partir, les gars. Tu m'as poucave, moi? Non, j'ai oublié. Pourquoi t'as pas poucave? Pied. T'aurais dû dire son nom, je voulais te plaire. Tu m'as pas poucave, moi. Je voulais te plaire. Bah non, mon rêve, c'est d'aller en prison, c'est d'être enfermé. T'es en prison, mec. Écoute, c'est déjà là. En plus, il veut te parler, il a dit. C'est de rester un maximum de temps. En fait, je te jure, toi, je voulais te poucave, comme ça, moi, je sortais, toi, tu restes. J'ai une idée. Quoi? Il fait quoi? Oh non, il fait un striptease. Soulève. Soulève le t-shirt. J'ai déjà dit que j'aime pas faire ça avec toi, avec cette musique là. Soulève. Oh, mais attends, qu'est-ce. Un pote à moi m'a fait le plan. De Webedia. Oh, putain, les gars, on a... What the fuck? Ça, c'est une poignée. Il m'a dit qu'il avait tatoué. Attends, c'est quoi? C'est une poignée de porte? Attends, ah non, c'est un grain de beauté. Attends, je vais regarder. Regardez, là, c'est là, il y a le commissaire. Ok. Si c'est la salle de garde à vue. Ça veut dire. Oh, les gars, wow, attends, sorti. Les gars, regardez. Si tu donc, veux là, voir en même temps. Attends. Attends, tu touches. Attends, donc, beaucoup. Attends là, en fait, je tâte. Là, on va là. Y a pas d'autre terrain. T'es en train de tâter à fond. C'est quoi ce truc dégueulasse là? C'est quoi ça? Non, ça, c'est à moi. C'est à moi. Ça, c'est quoi ça? Attends. Donc, c'est à moi ça. Attends. Les gars, regardez là. Donc ça veut dire que on est là, d'accord? Non, 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 non. Attends, on est ici. Là, c'est le commissaire. On arrive ici. On va là. Et on va là. Et juste. Pardon. Quoi? Ok. Ok. Les gars, oubliez. Attends. Monte le plan. Je crois qu'en fait, les gars, si on se trompe pas. On est ici. Là, c'est nos bancs. Ah ouais. En fait, ouais. On a juste à aller. Ok. Ici. Arrête, tu veux le toucher encore? Mais non. T'es jaloux? C'est pas que je suis jaloux, mais c'est qu'il touche. T'es jaloux, mec. Il touche. Moi, j'ai mis ma main, il touche. Bon, c'est quoi le plan? Remonte le plan. Mais du coup, les gars aussi. Moi, il y a un truc qu'il m'a dit à la fin. Je sais pas si tu l'as dit. Il m'a dit, il cherche des noisettes. Des noises? Il cherche des noises. Cherche des noises. Non, il veut des noisettes. Mec, moi aussi. Attends, moi aussi, il m'a parlé de noisettes. Alors, regardez. Non, il va vraiment parler de noisettes. Je suis un écureuil, je veux des noisettes, tu vois. Mec, on sait qu'on peut trouver. Quoi, hein? Il a fait. Je suis un écureuil, je veux des noisettes. Oui, il a fait ça. Non, tu peux le refaire? Je suis un écureuil, je veux des noisettes. Il a fait ça. Mec, c'est impossible qu'on trouve des noisettes. J'ai peur de ce qu'il y a derrière. Moi, je l'ai pas vu, mais apparemment, ça a l'air bizarre. Ouais, c'est à toi d'y aller. Du coup, trouve des noisettes et donne. Mec, attends. Oh non. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On reçoit encore un appel de l'avocat. Non, c'est pas ça. Non. Oui, allô. Y a pas d'appel. Oui. Non. Quoi? Pas d'appel. Elles sont où? Non mais. Elles sont où? Y a la moulaga. Y a personne moulaga. Elle est où la moulaga? Elles sont où? Où qui? Qui? Quoi? Elles sont quoi? Quoi? Qui ça? Malgaré? Non. Mais t'es venu en 306? La plaque a fini par WV à la fin? Ah putain, Grim! Il va venir! Tu le fais! Il va venir, il va la déplacer! Grim, t'es mal garé, Grim! Putain, mais les gars, on va pas sortir! Il arrive! Ça va, tout le monde est pressé! Ça arrive à tout le monde de se mettre en double fil! Je peux pas venir, je suis en garde! C'est pas grave! Vous nous laissez tranquille! Merde, mec! Merci, vous arrêtez! Merci! Grim, dès qu'on finit, faut y aller. Faut finir. Dans 20 ans, les gens sont. Dans 20 ans, je pourrais venir. Tellement les gens pressé. Sont pressés, oh là là. C'est un truc de fou, quoi. 20 ans. J'ai trouvé des noisettes. Bah, c'est quand même dingue. Mais attends. Que le seul élément de la cellule, ce soit des noisettes. C'est quoi ça? Des noisettes, c'est écrit. Mais putain, mais y a un cadenas. Y a un code. Tu sais pas lire? Noisite. Noisite. C'est pas noisette. Comme ça. On dit noisette. Noisette, c'est ce que je recherche. Noisette. Noisite. C'est la base du Nutella, les gars. C'est ça. C'est l'une des meilleures choses et à la fois la pire chose qui existe. Attendez, les gars. Code promo? Pas pour ça, parce qu'ils m'ont mal rémunéré. Putain, les gars, il y a un cadenas sur cette boîte de noisettes. Putain, il y a un cadenas. Il y a quatre chiffres. Peut-être que nous. Oui. Oui.
380YZW. Ah, c'est sa plaque, c'est ta plaque, Grim. Putain, il est mal garé, on sait qu'il est mal garé. Mais il arrive, arrêtez, mais on pensait que c'était le code. Dis-lui que j'arrive dans du cadenas, il arrive. Dans 15-20 ans, c'est il bon. Arrive, c'est bon, ça va. Un peu de patience. Incroyable, vous êtes à 2 minutes près ou quoi? Pour une urgence? Oui, oh, ça va, c'est bon, vous êtes désagréable. Dis-lui quoi. On sait que c'était le code. Non, mec, mec. C'est chiant, je vais couper la ligne. Déstresse, tiens, sans les noix. Je vais couper. Allô? Quoi? Ok. 4227. Ah, c'est ouais. Personne. Mais... Ok, ça marche. C'est qui t'appelle là? Ça marche. Oui, c'est 4227. Bah voilà. Mais comment tu sais? Alors? Attends. 4200. 227. Ah wow. Merde, mais je suis trompé. C'est bon? Attends. Allô? Ah, bâtard. Okay. Ah, le bâtard. C'était Greg Guillotin. Ok, c'est bon. Oh, le bâtard. Ok, ça marche. Ça oh, marche. Le salaud. Ah, bâtard. Okay, ah, le salaud. Ah, le pire genre okay. Pour toi, frère. Le salaud. Non, c'est pas vrai. Putain. Il doit y avoir forcément des indices. Ok, il doit y avoir un truc. Ouais. Ouais. Remonte, déshabille-toi, mets-toi tout nu. On dirait vraiment juste tu mets-toi tout nu. Mets-toi tout nu, il y a forcément un code caché quelque part. Dans moi? Oui. Je crois pas. Tu te rappelles quand on a fait les répètes et que sans faire exprès on a cramé une photo de toi? C'était là, je l'ai vu quand c'était vous étiez là, mais dans le flot plafond. Oui, mais elle y est plus. Elle y est plus, je pensais qu'on avait au moins ça. Ah. J'avais cramé une fausse photo de lui. Ah merde. Attends, il y a pas 36 000 trucs, frère. Ensuite on mange. Ensuite on mange. Ensuite on mange, il y a écrit. Allô? Petit déjeuner? Déjeuner? Oui. J'ai tenté. Il y avait un code oh promo. Là. Oh, il y a un 9? Oh, le chat tape 1 si tu libères Maxime, 2 si tu libères moi, 3 si tu libères Freddy. C'est une télé-réalité. Mec ah. Quoi? C'est quoi? Oh, Made in China. Oh, j'ai l'impression mais qu'on est dans aide. Squid Game. Ça Made in China. Ça aide absolument pas. Ah ouais. C'est quoi? Est-ce que c'est un vrai œuf? Attendez. Un seule solution, c'est tape un croc dedans. Attendez les gars, vous êtes demandé pourquoi on a tout ça dans une cellule alors que normalement on est censé ne rien avoir à mec, part des c'est toilettes. C'est super facile parce et que faire c'est... caca les uns à côté des autres à tour de rôle et ne pas se regarder comme ça. Et renifler la merde de l'autre pour voir s'il est en bonne santé car vous c'est êtes le code de l'honneur. Juste moi, j'ai l'impression qu'on se fait manipuler par quelque chose. C'est le mais passons, mais on réfléchira à la fin. Mais je pense que tout ça, c'est une sorte de jeu de quelqu'un qui tente de nous manipuler. Pour qu'on puisse ouvrir les noisettes et les donner. Peut-être. Oui. C'est quoi? Il y a un code. Okay, nouveau jeu. Nouveau jeu, je l'appelais attrape l'œuf. Oh non. Ouf. Non, me le jette pas, me le jette surtout pas. Attrape-le. Me le jette surtout pas. Ah, ensuite on mange et l'œuf, il y a un lien, on m'a dit. Dans l'oreillette, mon avocat. Attrape. C'était très dur à attraper, hop là. Ouf. Hop là. Il est dur ou il est pas dur? Il est dur ou il est pas dur? C'est l'info que personne n'a. C'est l'info que personne une n'a. Une seule moyen de le savoir. Ou pas. C'est perdu. Il était beaucoup plus bas que prévu. Alors, je pensais vraiment qu'il était dur. Ouais, c'était un vrai œuf, du coup. Ah, dedans. Il y a un indice dans l'œuf? Il y a un indice dedans? Oui, il y a une sorte de mixture blanche et jaune. C'est le jaune d'œuf, connard. Ah. Ah. Non, alors il n'y a pas d'indice dedans. Il n'y a pas d'indice dedans? Il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Oh y a des lunettes. Un pot avec un pot dedans. C'est vraiment plein de... Ah, mais c'est quoi ça? Mais c'est... Mais c'est de la sueur. Mais c'est horrible. Ensuite on mange neuf. Mais oui, l'œuf. Ensuite on mange neuf. L'œuf, le numéro neuf. Ensuite on mange. Mais du ça nous avance pas. C'est pas ça. C'est pas ça, la chanson. Mais les gars, du ensuite coup... on mange. Non, c'est ensuite on mange. Oh oh. La fameuse photo qu'on avait trouvée. Elle est là en fait. Ah, elle est là. Il est beau. Il pointe Five Club. Five Club. Five Club. Cinq. Five comme quoi? Ça te fait penser à rien? Five. Le film avec François Civil. François Civil qui est né le 19 juin. 19. Essaye 1906. Tu penses c'est ça? C'est sûr que c'est ça. C'est sûr, c'est pas juste 5? C'est 5. C'est 5. C'est 5. C'est 5. C'est 5. Je viens de penser en fait. C'est 5. C'est. Oh, attendez. Bouge pas, on revient. Bouge pas. J'ai l'impression qu'il sait beaucoup de choses et qu'il est derrière tout ça. Bizarre, on dirait. C'est son émission et qu'il a écrit tout le script pour nous piéger. J'ai l'impression qu'il nous fout en embourrique. Elle fait beaucoup rire, je sais pas. Pour de l'argent. Les gars, c'est parce qu'en fait, c'est une émission sur ma chaîne. Mais tout à l'heure, t'as dit que c'était une vraie prison? Oui. Ah, c'est pas une vraie prison. Faut savoir. Une vraie prison sur Twitch. Donc là, c'est quoi le code? Bah, je sais pas, il y a 9 et 5. Il faut trouver les autres indices. 9, 5. Attends, mais je connais. Mais tu sais même pas l'ordre. 10, d'autres indices. Mais la chanson, Max, regarde. 9, 5, 1, 4. Regarde. Ça n'existe pas cette chanson. Mais si, regarde. Je suis en train de voir deux belles pêches.
Je suis en train de voir un truc. Mais c'est énorme. J'arrive pas à savoir ce que c'est magnifique. Tu regardes son cul. Ouais. J'ai jamais eu autant de compliments. C'est... Quoi ? J'ai jamais eu autant de compliments. Mec, sur mes fesses. Mec, je suis désolé. Vraiment, je cherchais des indices. Tout le monde me dit qu'elles sont plates en général. Et... Non. Ah ouais, parce que quand je m'assois, j'ai mal au dos. Mais vraiment, tellement j'ai pas de fait. De... Non, c'est beau. Dos. Ouais. Dos. J'ai mal au D'abord, dos. On boit. Comment tu sais que c'est sous le banc ? Ouais. Mais mec, y a pas 500 000 trucs à chercher. D'abord, on boit. Qu'est-ce qu'on boit ? Je sais pas, vas-y. De l'eau. Y a peut-être... Qu'est-ce qu'on boit ? De l'eau ? Oh, rond, zéro ? Mais j'ai pas d'eau, on a pas d'eau ici. Non mais c'est, on s'en fout, ça c'est pour le code. 85. J'ai pas, regarde sur l'autre banc. Qu'est-ce qu'il fait le policier pendant ce temps-là ? Je sais pas, il fait son boulot de policier. Il fait son travail de policier. Il fait quoi ? Il tape des gens ? Non. Mec, c'est archi chaud. Mais mec, il tape des gens. Sous le il, truc. Il leur dit, vous avez fait ça ? Ah ça y est, il s'est fait à la prison. Franchement, il a raison. Moi, je vais faire comme Grimm, je vais dormir. On a besoin d'une bonne nuit. Penses ? Ouais, et demain, on sera beaucoup plus frais. Bah ouais, voilà, d'accord. Pour réfléchir. On a 20 ans à tirer, hein, ça y est. Oh là là, je suis fatigué. Oh la vache! Et les gars, vous savez que pour dormir, il y a directement des bancs. Oh non! Attends, il y a un bout de scotch? On n'a rien trouvé là-dedans. Les gars, attends, Grimm, en vrai de vrai. Quoi? Ce jeu commence à me dépasser. On a trouvé Five? Qu'est-ce qui se passe? Attends, Five, on n'a pas trouvé le reste. T'as dit, il y a de l'eau, on boit de l'eau, non? Les gars, vous vous rappelez du début? Quand j'étais tranquille dans la forêt? Ouais. Et que vous êtes venu me déranger? Mec, c'est toi, t'as fait du feu, on t'avait dit que t'avais pas le droit de faire du feu. On n'a jamais dit ça. C'est nous qui avons lancé le feu. Attends, mais là, il y a pas un truc dans le... Je sais pas ce qui se passe. Là-dedans, là, il y a pas un indice. Je sais pas, vous connaissez ça ? Oh, il y a une tête de rat ! Non, ça c'est non tout à l'heure en fait, on a... T'es en train de faire quoi ? On fait ça. Des dips ? Écoutez, c'est des dips ? Tout le monde fait ça quand il est en cellule. Oh, allez. Un. Ah, je peux pas remonter. Mec, aidez-moi, je peux pas, comment je fais ? Je peux pas t'aider. Les gars, j'ai du muscle. Ah okay, ça... Oh putain. Ça y est, c'est bon. Okay. C'est l'appel de Ok, ouais, pense, c'est compliqué en fait quand on est ouais, quand très, on est ouais. Mais on a 20 ans pour se perfectionner, donc après au bout d'un moment ça devrait aller mais ah, il y a une prise. Maxime, débranche tout, peut-être que ça... Fais ça avec tes doigts. Maxime, tu penses que c'est ça ? Je pense que tu fais non, mais tu mets là-dedans. Je mets la prise dedans. Ouais. Avec ça, tu trouves le chemin direct. Ah, tu penses ? Ok, c'est pas ça apparemment. Faire ça. Bling. Oh, oh. Allô, les gars, j'ai un appel. Allô ? Oui. Les gars, quelqu'un qui connaît un Lenny Bar ? Tu viens de te faire piéger par quelqu'un qui s'amuse à appeler n'importe quoi. Putain. Waouh. Non, mais ça. Je crois que la... Tu sais qu'on ne gâche pas l'alcool. Oh, moi aussi, j'ai envie de tout oublier. Vas-y, envoie. C'est... Attends, mais... 8, 6, 6, 8, 6, 8, 6, 6, 9, 8, 8 6, 6, 9, 5, 8, 8, 6, 9, 5, 6. Ensuite, on boit. 9... Attends, ensuite on boit. Donc du coup c'est 9, 5, 8, 6. 9, 5, 8, 6, 9. Parce qu'ensuite on boit, donc 9, on boit quoi ? On boit la 8, 6. 5. C'est l'inverse. Mais non, ensuite on boit. 8. Attends, j'ai compris. En fait, pour comprendre, faut qu'on finisse ensuite tout. Ensuite on mange, c'est d'abord on boit. Non, faut qu'on finisse tout c'est la 8, bière, 6 faut en premier. Faut que les chiffres soient là, je pense. Hein. Les gars, vous voulez juste boire de la bière, vous faites semblant d'avoir... Y'a rien dedans. Elle était fermée de base. Oui, mais... Grimm, t'as juste envie... Faut boire plus non, pour comprendre, Grimm. Tu veux juste boire ce qu'il y a dedans. Encore un peu, peut-être. Encore un peu. Ouais. Un dernier coup. Il n'y a rien dedans. Tu sais ce qu'il y a au bout de cette chose ? 9, 5, 8, 6. Non, oui. C'est 8, 6 en premier. C'est 8, 6 en premier. Il n'y a que l'alcoolisme au bout de ces... C'est impossible. Waouh, c'est beau ce que tu dis. C'est impossible qu'il y ait ça. 6. Et du coup, après, c'est 9, 5, alors ce serait 9, 5. Bah 9, 5, parce qu'après l'eau, on boit. Vous sentez fort la tise. Non, mais t'es pas 8, 6 après ? C'est la pire boisson de la planète. Attends, d'abord, on mange, après, on boit. Non ? 9, 5. Il y a marqué 8, 6. Je pense qu'il faut que tu boives pour comprendre. 9, 5, 8. Oh ! Attention ! C'est 9, 8 ! Regarde, 6, 8 ! Oh ! Ils ont inversé ! Il y a des flèches qui inversent ! Ah, il y a des flèches ! Donc c'était bon à la fin, c'est 9, 5 ? 9, 5. Non, mais c'est pas là, regarde, c'est dans les trous qu'il faut les mettre. Ah ouais, je suis... Ah ouais. Mais oui ! Ah mais c'est pour ça, ça marchait vraiment, pas depuis tout à l'heure. T'aurais pu ah ouais, okay, depuis tout à l'heure, je faisais ça, et en fait, c'est les... Ouais, c'est oui, il faut vraiment le mettre dans le trou, quoi. C'est pas ici, parce que là, je me disais, c'était entre les deux. Non. Et en fait, c'est dans le trou. Dans le trou, quoi. Je serais jamais sorti de là sans vous. 9, 6. 5. Donc non, c'est 9, 5. 6, 8 du coup. 9, 5. 6, 8, ouais. 6.
faites quoi là? On fait des pompes. Pompes, ah, okay. Fais des pompes. Ok, non, bah, c'est bon. Un, la plupart des prisonniers, ils font deux, ça. Ouais, c'est vrai. Trois. À chaque fois, ils font on fait ça, du sport. Quatre. Du sport. Mais c'est pas grave. Non, c'est bon. C'est... Encore. Les gars. Ouais, ouais. Non, mais j'ai pas vu. Freddy, j'ai oublié de vous voir en déposition, monsieur. Je dois passer. S'il te plaît. Attendez que on lui cherche des noises et après, il passera. C'est-à-dire il... Bon, je comprends pas. Freddy, pas... le monsieur t'a dit un truc ou pas? Freddy, allez, il t'a dit quoi, le monsieur? Dis, venez, Freddy, monsieur Freddy, il t'a dit quoi? Vas-y, sale criminel. Il t'a dit quoi, le monsieur? Vas-y, le criminel, là. Comme ça, c'est fait, monsieur Freddy. Donne-lui des noisettes. Il donne des noisettes. Tu vas lui donner tout le pot. Tu lui dis, tu cherches des noisettes. Tu veux des noisettes? Tu veux des noisettes? Donne-nous les clés de la... Ok. Prends tout le pot. Comme ça, c'est fait. Hein? Déjà que c'est dur d'être en prison, si en plus, on a des trucs à faire. Je préfère que vous les fassiez maintenant. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur? Oui? On va sortir? Alors? Parce que j'ai un concert d'Hamza ce soir, et j'ai pris des places assez chères. Faut juste que je vous explique. Je vous le dis en vite fait. Ouais. C'est que là, avec vos chefs d'accusation, vous allez prendre pour au moins 20 ans. Non, 20 ans... Ouais. Hamza, il aura au moins 47 ans. Et je pense que ce sera la fin de sa carrière, à mon 47 avis. Ans, vous pensez? Si j'attends 20 ans, je fais comment pour le voir? Ouais, parce que là, il aura mais ouais. Bah oui, c'est ça que je me dis. Et à mon avis, il va faire que des trucs genre ses meilleurs sons de l'époque et tout. Et moi, j'aimerais bien m'arrêter à l'album. De maintenant. Bah ouais, c'est ça en fait. Vous voulez pas. En plus, vous les connaîtrez pas et tout. Bah franchement, je m'en rappellerai ça, plus. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais en fait, c'est pas moi qui suis allé faire des choses illégales là. Moi, ça me gêne pour vous, mais je vous explique juste comment ça marche. Mais avant toute chose, je vais prendre votre déposition. Comme ça, après, vous êtes tranquille. Si vous voulez aller réfléchir, vous promener dans la cellule. Manger des noisettes. Vous aimez les noisettes? Ouais, j'aime bien, ouais, pourquoi? Les noisettes? Ouais, je kiffe ça. Quand je dis trop. Noisettes. Bah là, je suis. Parce que vous avez un sourire quand je dis noisettes. Bah ouais, je kiffe les noisettes. Noisettes. Bon, bref, c'est j'aime bien, voilà. Vous, il y a bien des choses que vous aimez. Hamza. Voilà, bah chacun. J'aimerais bien aller à son concert. Bah moi, j'aimerais bien avoir des noisettes. On peut pas tout avoir. C'est là. Je vais vous donner mon nom. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. N. Attendez juste avant. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait CCD, mais en majuscule? Putain, je galère. Je crois que c'est. Il faut faire. Généralement, en fait, faut aller sur Word. Ah ouais? Ouais. C'est plus facile de le faire. Parce que là, je fais majuscule. Ouais. Je mets le C. Ah, c'est Alt 128. Ça fait un 9. Ça fait un 9. Alt F4. Alt F4. Vous avez fait Alt F4? Alt F4. Ah non! Quoi? Je crois qu'il faut aller sur. Vous allez sur Twitter. Ouais. Vous allez sur Twitter. Ouais, avec ouais. Le compte officiel de la police. Vous écrivez. Ouais. Et après, on va vous envoyer le code. J'écris quoi? Comment on fait? Ouais. Pour taper CCD. Ouais. Majuscule. Ouais, ouais. Point. À la ligne. Oui, j'ai déjà. Oui. Frappé des gens. J'ai déjà frappé. Sans motif. Des gens sans motif. Et alors? Et alors? À la ligne. Ouais. Merci pour la réponse. Merci pour la réponse. Entrez. Entrez. Envoyez. Et après, on va vous répondre. Les mentions. On va vous répondre, ouais. Mais pas tout de suite, à mon avis, il faut le laisser un peu, ouais. D'accord. Parce que là, j'étais connecté avec mon deuxième compte. Ah. Parce que je suis à côté, je suis CM, moi aussi. Ah, vous êtes CM aussi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et c'est. Vous là, faites... là vous écrivez c'est pour un coiffeur dans le Limousin. Ah. Il s'appelle. C'est un jeu de mots avec les cheveux, j'ai oublié. Il s'appelle genre. Ah. Non, c'est. Il s'appelle... Joker? Non. Bah, il doit être en feat avec Hamza, à mon avis, sur scène. Non, je vais pas le voir. Ça. Et c'est un truc avec les tifs. Les tifs? Ouais. J'ai oublié, bref. En tout cas, j'ai envoyé avec ce compte. Ok. Et vous êtes CM aussi du compte police Twitter? Vous avez beaucoup d'abonnés? Police Twitter, j'ai les codes. Il est trop bien tenu. J'ai les codes, en vrai. Bravo pour vous ça. Parce qu'on se connecte? Bravo pour ça, parce que pour ça, vous avez... Voilà. Bonjour. Franchement, bravo. C'est un très beau compte. Bah merci, c'est gentil. Et vous essayez de... Eh oh. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça se passe très bien, ouais. Ça se passe bien, il n'y a aucun problème. Ouais, aucun... non, ça va. Non. Aucune noisette qui s'est glissée dans le... Ah. Ça a prolongé la... Ah, vous voulez taper mon nom? N-O-I-S-E... Noisette. De T-E.
Ouais. J'essaie juste de vérifier noisette. Parce que je comprends pas trop ce truc de noisette. Mais attendez. J'essaie de vérifier si ça marche. Attendez. C'est quoi ça en fait là Ça Qu'est-ce qui se passe? Parce que là j'ai dans la main là. Ouais. Genre. Ouais. Ça? Ouais, ouais, ça je kiffe ça. Oh, ça c'est mon délire. Oh, c'est des vrais en plus. Je peux les. Allez-y, ouais, allez-y, vous pouvez les manger. Ça là. Ouais, ouais. Attendez, ça. Ouais, vas-y, envoie ma gueule. Ah, oh, vas-y, donne là. Mais vous avez eu ça où? Ça? Attends, 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 arrête de les jeter, s'il te plaît. Attends, regarde, j'ai un truc à te proposer. Tu me les donnes? Non, non, non! Tu me les donnes et je vois ce qu'on peut faire pour votre réduction de peine. On est chaud? C'est un deal? Tout ça? Ouais, s'il te plaît. Vous y tenez, hein? Ouais. Parce que je peux faire ça, moi, si non, vous ne non, 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 pas. Non, 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 mais non, on va faire une réduction, regarde. Regardez, regardez. Regarde, j'appuie sur moins. Moins, moins, moins. Entrée, entrée, okay. J'ai mis entrée. Vous allez taper. J'ai réduit, là. Ok, vous avez réduit de combien? J'ai réduit de un mois, là. De un mois? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais elle aura quel âge quand on va se faire? Ah, non, attends. Ah, regardez. Je réduis, c'est bon. Ok. De combien? Là, j'ai réduit de 3 mois. Mais c'est le logiciel qui est pas ouf. Attends, attends, il y a peut-être un autre moyen. Attends, je vais copier-coller tout. Je vais tout sélectionner. Attends, attends. Et je vais tout effacer. J'ai tout effacé, là. J'ai tout effacé. C'est bon, on peut s'en faire? Donc, normalement... Attends, je quitte le truc. Enregistrer. J'enregistre pas. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, c'est oublié. Normalement, hein. Normalement, c'est bon. Ouais. Donc là, normalement, c'est bon. Vous pouvez partir. Tenez, je vous donne même la clé. Tenez. Il y a ma clé, ça. C'est ma voiture, elle est garée devant. Ok, j'ai tout mis dedans. Ok, c'est parfait. Bah, moi, je pense que vous pouvez y aller. Hein. Voilà, vous êtes libérés. Allez, kiffez. Ah, ah non, si vous crachez dans mon bureau, là, c'est au moins 30 ans de prison, là. Vous gardez ça dans la bouche et vous profitez de la liberté pendant que moi je reste avec les noisettes. Voilà. Non, ah non, pas de. Je croyais que c'était une bise là. Ah non, non, ouais. Ça me va ça. Voilà. Et attention avec ma voiture, hein. Ok, les gars. Là, c'est la clé qu'il faut manger. Ouais. Ok. 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 Ensuite, quand je la mange. Ouais. Elle atterrit ici, je dis attention, viens la chercher Maxime. Pas du tout, c'était pour voir si t'aimais okay. Ces jeux. Oh j'aime là pas, là. J'aime pas. Tu t'es fait avoir. Depuis le début, je pensais que t'aimais ça. Tu t'es. Je me rends bien compte, t'es dégueulasse, t'es Maxime. T'es dégueulasse. Il t'a bien eu. Le porc, tu voulais juste mettre ta main près de mes fesses. Moi, tout à l'heure, t'as dit j'ai vu des belles pêches. Je parlais du. Tu parlais de ses fesses. Tu parlais de mes fesses, t'as attiré que par ça depuis le début. C'est pour ça que je suis invité. Et ben j'apprécie. Voilà, ça. Détache-moi, vite. J'ai cru qu'il allait m... Vas-y, je ferme moi-même. Ok. L'autre côté. Ok. Comment t'as fait, par contre? C'est vous qui m'avez dit de donner du des noisettes. Ah, c'est vrai, c'est nous. M'a fait dit 8 fois. C'est mon émission. Mon émission. J'ai inventé, en fait, je savais très bien. M'avait dit des noisettes. C'est fou, des mots. Ouais. Attends, enlève-moi la deuxième note, s'il te plaît, j'arrive pas. Let's go! Wow. Ah là là, ça fait mal. Fait très très mal. C'est bien que t'aies écrit exactement. Ouais, c'est au cas où les gens savaient pas. Ouais, c'est ça. Du coup, avant-bras gauche et avant-bras droit. Mais c'est l'avant-bras, c'est pas le bras. Ah oui, le bras. Ouais, non, c'est que le devant, ouais. Ok, d'accord, ça serait bien. Ah. Merci à tous! Les amis, nous sommes très très en retard, mais l'émission n'est pas tout à fait finie. Passons. Alors, il va falloir aller très vite. Hein. T'as roté? Passons tout de suite. À la tier list, c'est parti, jingle. Oh là là, on est sorti de prison. Oh, la prison est finie. Vous pouvez m'aider? Ah, dans les films, ça marche. J'ai pas assez de force. Attendez! Attends, mais faut lui arracher! Allez-y! Ah, je vais rester emprisonné, les gars, tant pis, allez-y sans moi. Ok. Allez-y sans moi, ok. On enchaîne! Ok.
Merde. La tier list. Oh. Il m'énerve avec ses jeux sexuels. Il veut à chaque fois qu'on lui touche les fesses et toucher les nôtres. T'arrêtes de vouloir nous toucher à chaque fois. C'est le droit, c'est le droit. C'est pas autorisé quand les gens ne veulent pas qu'on les touche. Non. Si, ça s'appelle si. La France. On est dans un pays libre, on est protégé. Nous, on est allé en prison pour de faux, mais toi, tu vas y aller pour de vrai. Non. Non, c'était un jeu. Toi, tu devrais faire 20 depuis ans. Depuis le début, vous êtes mes marionnettes. Depuis le début, c'est un jeu. Tout ça, c'était un jeu, c'est filmé. Ah, c'est faux. C'est bien ce qu'on pensait. C'est faux. Vous n'étiez pas vraiment en prison. C'est bien ce qu'on pensait. Eh oui. Alors voilà. Que moi, je pensais que j'allais rester 20 ans. Ah. Tu pensais. Connard. Non, ça va. J'avais pas eu peur. Il en perd le micro. Alors que j'ai déjà fait de la prison. Pourquoi? Quoi? Hein? Pour homicide involontaire. Non mais c'est pas bien. Hey, dis pas. Ok, tu peux envoyer. Tu rends tes basques. C'était involontaire et j'ai déjà été jugé. Aïe. D'accord. Arrête d'envoyer. Mais t'as combien de chaussures? J'ai payé pour ça. Aïe. Mais t'as combien de chaussures? J'en ai plein, d'accord. J'ai un stock de sneakers. J'adore ça. Hop là. Elles ne servent qu'à être jetées sur des gens. Aïe. Je les porte jamais. Faut pas que je les abîme. Ok, c'est bon. Hop, t'as plus de chaussures. Merci. Les amis, nous allons tout de suite passer à la tier list. La tier list. La tier list. J'amène tout ce qu'il faut. Vas-y. Regardez ce que j'ai dégoté. Mais non. Mais non. Oui. Dis-moi c'est pas. Oui. Mais non, pas c'est que quoi c'est pas vrai. Attendez, mais le policier, il est où? Il est où le policier? Il est où le policier? Bah, au commissariat, hein, je pense. Monsieur le policier, mais il veut pas venir avec nous. Policier. Hé, hey, hé. Hey. Il est au café du coin. Il est au KFC par rapport au poulet. Vous m'avez appelé? Non, vous voulez vous asseoir un petit peu avec ouais. Vous ouais, vous ça se passe. Vous jouez à quoi? Je peux jouer avec vous? Ouais, en fait, c'est un classement. Ouais. Vous aimez beaucoup les... Bon. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, ici, l'image? Non. On peut mettre aussi les images. Oh là là, il y a la remoire. Ah. C'est bizarre, hein, on dirait une émission, quoi, la prison. C'est un truc de ouf. C'est fait tout comme une prison, un, quoi. Tout un plateau, quoi, le truc. Quelle est la thématique, là? La thématique, les amis. J'ai un peu ici, vous avez plusieurs choses. Malheureusement, je crois que les gens ne le verront pas avec la caméra. Mais en haut, tout en haut, ouais. C'est Pandry de Zach Nani. Si vous ne connaissez pas Zach Nani, c'est connais. Un streamer je connais. Qui est vraiment... qui sa vie hyper bien. Parce que là, on va classer du textile. Voilà. Okay, je l'ai pas dit. On va classer du textile. Juste en dessous, c'est Louis Vuitton. Ouais. C'est très, très, très bien. C'est presque Louis Vuitton. C'est très, très bien. Okay. Au milieu, c'est à se taper le cul par terre. On est sur un entre-deux qui est quand même sympa. Attends, exemple de se taper le cul par terre. En termes de vêtements, là. En termes de vêtements, ça. Ok. C'est bien. Moi, je voulais que tu tapes le cul par terre. Non, c'est pas ça. Le... Non. Merci, c'est vrai que juste en dessous, c'est le cadeau de belle-mère. Oh, pas mal. Ok. Et tout en bas, c'est je préfère encore voter Macron. Waouh, celui qui a fait cette tier list est tellement politique. Politique. Waouh. L'émission politique zen. Waouh. 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 J'ai sorti mes chaînes. Waouh. 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 Ça, t'as pas dans d'émission pour le faire, ça. Waouh. Oh là là. Premier t-shirt, je les découvre. Hein. J'en avais vu un petit peu avec vous. Ah, celui-là, il est bien. Oh putain, c'est, il est beau. On peut essayer ceux qui veulent essayer. C'est celui-là, c'est le pinard et sauciflard avec le drapeau coq. Cocorico un peu. Okay. The French Touch. Voilà. Okay. Ça, c'est beau, ça. Ça, typiquement, pour, voilà, ça. Pour tester, vous le placez où ouais, je sache à peu près. C'est presque le Louis Vuitton. Ça, là. Ça, un petit ouais. Peu en dessous, moi, je dirais. Attends, remontre. Hein, ah, ça s'appelle le cul par terre, moi, pour moi. Ça. Pinard et sauciflard. En fait, The French Touch a une plus-value énorme. Tu veux voir? Ah, il y a une vraie coupe droite. Ça manque d'un petit obélix. C'est ouais, c'est vrai, un vrai truc droit. Tu sais, en France, c'est un débardeur. Destin et tout, c'est hors ça. Du pays. C'est... Après, j'avoue, c'est un débardeur. Hein. C'est un débardeur. C'est dur à porter. Très dur à porter. C'est dur à porter. Et en fait, ils font quand même quelque chose de très sobre parce qu'il n'y a pas les logos. Oui. Ils pourraient nous mettre un logo de pinard, un logo de sauciflard. Ils sont restés très sobres. C'est très sobre. À c'est plutôt même classe. Un peu classe. Ouais, c'est même un peu classe. Ça dépend qui le porte. C'est ça. Parce que si tu as des gros bras un peu roses. Tout plein de graisse. Ah ouais. Là, ouais. Là stylé. Stylé. Tu parles de moi? Tu parles de moi? Ah non, bah, non, que là, non. Si, quand t'es tout sec, comme le petit père à ma gauche. Parlez de lui. Ouais. Voilà, ah, il a dit, c'est vrai, c'est pour dire. Ouais. Il a dit ton nom. Il a dit mon nom. C'est... Après, avec Freddy, ce qui est cool, c'est que. Là, je parle de toi, là, pour info. Parce que j'ai dit ton prénom. Ah, ok, ouais. Non, je parlais pas de toi. Ah, okay. Tu parlais de qui alors? Je parlais d'un autre Freddy. Je parlais d'un autre Freddy. Bah, Freddy. Du coup, le Freddy. Gladius. Ouais, c'est ça, ouais. Freddy Gladius. On le place où celui-là alors? À se taper le cul par terre. À se taper le cul par terre. C'est fait. À se taper le cul c'est par fait, terre. C'est officiel, ouais. On le place là-bas. Je passe au suivant. On devait finir l'émission à 21h pour vous dire à peu près, je crois qu'il est 21h10. 21h, ok, il est okay. 16. Il est 16. Ah bah du coup, super. On est en retard. Non, on va plus arrêter l'émission.
Ah, maintenant, on va jusqu'à... On est là. C'est à la prochaine. Pendant le CDI. C'est le 27... Ah non, mais non, c'est pas la prochaine, puisque la prochaine, c'est dans 3 semaines. Du coup, on doit rester 3 semaines non-stop en live. C'est le 27 juin. Non, les gars, je vous jure, j'ai des trucs à faire, je vous jure. Non, franchement, j'ai pas envie de faire le gars pressé, le gars qui a plein de trucs, qui a plein de projets. Je te donne une planning, je te donne une heure. Moi, je suis chaud de rester avec vous. Anis, non, mais j'ai des trucs... Moi, j'ai des trucs... Enfin, on reste une semaine. Même toi, t'as des trucs à faire, frère. Une semaine. Les gars, mes enfants, vous avez pensé à mes enfants? Regarde, Freddy, ce que tu peux gagner. Si tu restes. Non. Pas mal. C'est pas la capitale. C'est Marseille, bébé. Pas mal. Alors là. Il est beau et c'est encore un débardeur. Ça, pardon. Montre ouais. pas. Anis, tu me dis si t'es pas d'accord avec moi. Tu me le dis. Ça, c'est tendance. Ouais. Il y a eu le concert de Jules au Vélodrome. Il y a le concert de Jules au Vélodrome. Ouais. Niveau couleur, on est sur un risque. Gris chiné. Fou. Gris chiné. Et non, bleu. L'alliance du doré et du bleu. Ouais. Il y a un vrai. Il y a un vrai contraste parce que ça aurait pu être un pas lisible de ouf. Et regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Il y a Marseille. La capitale. On a la capitale. De Marseille. De Marseille. Alors c'est un mensonge parce qu'on nous fait croire que la capitale c'est Marseille. Non, après, non, justement, c'est Paris. Le t-shirt, il répond à la question. Dire, c'est clairement, il dit c'est pas la capitale. Ah, c'est pas la capitale. Il dit la capitale de la France est Marseille. Du coup, c'est une vraie info en fait. Le t-shirt est stylé, culturel, t'apprends des choses. C'est vrai. Et en plus, si tu portes ça au Vélodrome, t'es tout en haut. C'est vrai. Je pense ça. Tout en haut. Ça c'est tout en haut. C'est from the top of the bottom. Pandrit Zaknani. Je pense que c'est Pandrit Zaknani. C'est parti. Ça c'est top. On passe. Ça effectivement, tu portes ça au Vélodrome, t'es bien, ouais. Celui-là, il a l'air incroyablement magnifique. Ça, fais voir. Déjà, c'est une belle couleur. Ça commence par franchement. Ok. Franchement. Il faut répondre franchement. Il y a beaucoup de trop d'immigrés. C'est celui-là. C'est pas ça. Il est pas mal celui-là. Tu l'as aussi. Ouais, je le mets pas souvent, mais. Ouais, tu le mets pas. Tu cautionnes pas, mais t'aimes juste le design. Non, j'aime la coupe. Ah voilà. Ouais. Franchement, ça sert à quoi la suite? Franchement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller travailler quand on peut rester chez soi à boire du pinard? C'est ça? C'est toi qui l'as fait? C'est vraiment ça? J'avoue, je pense que c'est le mien. Attention. Franchement, ça sert à quoi de boire de la flotte? Quand on peut boire une bonne bière. Mais t'étais pas loin, boire de la pisse. Franchement, t'étais pas loin de boire une bonne bière. Oh là et là. En plus, regardez le design, il y a eu un effort pour le coup sur le design, puisqu'il y a vraiment les trois pintes avec le logo un peu à la Jules César. Mais ça, je le ramène chez moi. Ça, c'est noble. Ça, je le ramène chez moi. Ça, fou, hein. Ça, vous savez quoi? Ça peut arrêter le harcèlement de rue, ça. Mais les gars, on peut. Quand on peut? On peut. Il y a une faute. Il y a une faute. Incroyable. Moi, je pense qu'ils se sont dit, attends, il y a trois bières, faut mettre. Il y a une faute. Je ne pas le mettre super haut, mais en fait, il va direct. La faute, tu fais gagner trois galons. Ben oui. Non, mais vous avez vu comment pour eux la bière, c'est précieux. Regardez ce qu'ils ont. Mais oui, il y a en fait, j'ai un message. Il y a une forme de trinité dans le t-shirt. Ça, c'est incroyable. On peut boire ENT. Et ça, je vous dis, ça arrête le harcèlement de rue, ça. Ça, ah oui. Tu te balades. Ah oui. T'as pas besoin d'accoster qui que ce soit. Ouais. On vient te voir et tu dis. D'accord. Bah, j'ai peut-être autre chose à faire comme boire de la bière. Exactement. Ça c'est tout en haut. Tout en haut. On est bien d'accord. Très fort. Ça c'est tout avant-garde, c'est comme t-shirt. Oh là là. Oh, attention, on passe à celui-là. C'est tout en haut, oui, tout en haut. Je suis un beau-père, un beau-frère. Fier d'une belle sœur, super géniale. Et oui, c'est elle qui m'a acheté ce t-shirt. Ah, c'est pas mal pour les cadeaux. Pour moi, c'est très mignon. Pour moi, il y a beaucoup d'infos et j'ai pas compris. Alors, parce que il y a un beau frère. Je suis un beau frère. Je suis un beau frère fier d'une belle sœur. Je sais plus où on est. Maxime, c'est bizarre cette couronne bleue. Mais ça rappelle Twitch famille. Prime, comme ceux qui pourraient se sub dès maintenant avec Twitch Prime. Bien. Mais c'est vrai ça. Jouer. Sur ma chaîne, notamment. Ah merde, ouais. Non, bah non. C'est vrai. Niqué. C'est vrai. En fait, ce genre de cadeau est trop précis. Ouais. C'est ça le problème. En fait, c'est un contexte. Je suis un beau frère. Peu commun. Fier d'une belle sœur. D'accord. Elle est super géniale. C'est... Ah, d'accord. En fait, c'est que la belle sœur qui parle. En fait. Et oui. Elle fait comme si c'était le beau frère qui parlait. C'est elle qui parle de A à Z. Imagine une belle sœur qui dit : je suis un beau frère et j'ai offert un cadeau mortel. Mais pourquoi elle parle comme ça ? Je sais pas. C'est Gargamel ? Ouais. Peut-être. C'est terrifiant quand même. Comme une belle sœur un peu. Ça c'est dans un Miyazaki, c'est un méchant. Non, mais vous savez pourquoi ? C'est à cause de la typo. Ah, je comprends. Ah, alors, j'aurais bien mis cadeau de la belle-mère, mais du coup, c'est le cadeau de la belle-sœur. Ah, moi, je le mets en dessous, forcément.
Quand tu le mets dans « je préfère voter Macron », ah, c'est ce que tu préfères faire, ça. Non, mais de toute façon, toi, de base, tu préfères voter Macron, ouais, voilà. En général. Il dit « sentir rapport à tous les autres candidats ». Sentir liste, il le fait, quoi. Ah, mais quoi par qu'il rapport arrive, à tous les autres candidats, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. C'est toujours ce cours qu'il a eu, il a dit « quoi qu'il en soit, moi, je préfère voter Macron », c'est un truc que tu tatoué, sors souvent. Je l'ai tatoué. Moi, je le mettrais dans le cadeau de la belle-mère, quand même. Moi, je suis d'accord. Parce qu'on a une belle-sœur, on est dans le champ lexical gentil, de la belle-famille. C'est d'accord. Ouais. Je suis d'accord, ouais. On peut le mettre là, je suis d'accord. Juste, Max, tu préfères manger un bon plat, sympa, et rire avec tes amis? Ou bien voter Macron. Voter Macron. D'accord, ok, voilà. Tu vois, c'est grave quand même ça. Ouais, je pensais mais vraiment. Le dilemme était vraiment. Un dilemme plus dur. Tu préfères avoir 34 viewers maintenant ou alors voter Macron? Ah putain, ouais, mais c'est pas assez. Enfin voilà, je préfère voter Macron, mais c'est fait. Oh là là, ok. Ça me fait chier de faire. Ok. Les amis. Tu préfères, pardon. Celui-là, il a l'air. Partir en vacances. Je le sens bien là. À Bora Bora. Ou bien voter Macron? Bora Bora. Vacances, tout frais payé, 5 étoiles. Si vraiment je suis obligé, hein. Ouais. Je vote Macron, mais vraiment si je suis obligé. Ok, de bon, vas-y, ouais, continue, ouais. Continue. Ouais. Attention, hop là. Celui-là, il est super ouais, classe. Alors, il écrit quoi? Et assez, pas assez besoin sabre. D'être beau gosse quand on a ma bite. Ça soulève beaucoup de questions. Ah, mais du coup, parce que comment tu peux pas savoir, ça se sait pas à l'avance. En fait, ouais, et puis, le t-shirt me rappelle des dissertations de lycée. Tu vois, c'est introduction, développement, conclusion choc. C'est très vrai. Et puis c'est dur. Pas jusqu'au lycée, mais à mon avis, ça doit être ça. Moi, je pense à toutes les personnes qui lisent ça et qui se disent ah, il me faut la bite de ce gars, du coup. Bah oui. Parce que le mec, il se dit putain, je suis beau gosse, mais j'ai pas besoin d'être beau gosse. Là, toi, tu le mets. Je comprends qu'il me faut ta bite à toi. Oui. Et en plus, c'est horrible parce que quand on a une bite, on peut pas la changer. Bah ouais. Non. Sauf si tu kidnappes le mec, tu vas chez le chirurgien et tu lui dis échange ma bite avec la sienne. Et je crois que c'est pas faisable. C'est pas faisable. Techniquement, médicalement. Non, enfin, t-shirt, non, non. C'est faux alors. Ah ouais, on peut pas avoir la bite du mec. Ce t-shirt, ah ouais. C'est une critique un peu des réseaux sociaux en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ça donne envie de jalouser les autres. Et du coup, c'est mais pas. Mais en fait, on peut pas. Pas besoin d'être beau gosse quand on a ma bite. C'est une info que tu donnes? C'est une autobiographie? Ouais, là pour le coup, c'est moi qui parlais. Okay, c'est pas t-shirt. C'est exactement ce qu'il avait écrit sur le truc. Je pense que c'est top ça. C'est top tout en haut. Ouais, c'est ça top. C'est top aussi, moi. Moi je mettrais un cran en dessous. Ouais, ah ouais, moi, je juste en dessous. Ah ouais, Nani, mais vu que il te donne un objectif que tu ne peux pas atteindre, c'est parce ça. Que c'est pas ta bite. Pour moi, c'est juste un passage du bouton. Moi maintenant, tant qu'il n'y a pas de faute de frappe et de français. Ah, c'est top. Maintenant, ça sert plus. Ah bah oui, je suis d'accord. Plus personne peut aller en haut là. Il en reste 2-3. Il reste 2-3, OK. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Ah. Celui-là, c'est un bon, je vais pas vous influencer. Quoi? De tes prefs. Ouais. Oula, c'est à quelle taille ça? Je suis routier. Depuis tout à l'heure, tous les t-shirts noirs, ils envoient. Hein. Oh, je suis routier quand je pète mon joint de culasse. Par rapport au joint de culasse. Donc là, il y a un jeu de mots. Oui. Là, surtout, il y a un taf du graphiste. Il y a un taf du graphiste. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort que ça veuille dire quelque chose. Juste, ça rime avec joint de culasse. Culasse. Il n'y a pas de joint de culasse. C'est vraiment juste. Je suis routier quand je pète mon joint. Parce qu'en fait, en réalité, un vrai routier, il pète pas son joint de culasse. Et puis, non. Même avec le jeu de mots, c'est-à-dire qu'un routier, il fait attention. Ouais, c'est un mensonge. À ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et puis, faire rire. Et puis mais même, après, en vrai, c'est quoi un joint de cul? Mais c'est ça. C'est pour ça qu'il veut juste est-ce faire que c'est un joint qu'on met dans un cul? Enfin, je suis désolé, j'essaie d'aller au bout du truc. C'est un jeu de mots, Annie, c'est un jeu de mots. Oui, j'ai compris que c'était un jeu de mots, mais si on veut aller vraiment dans ce qu'il veut dire, moi, je suis d'accord avec ça. Il a pas compris. Tu veux aller au bout. Oui, mais avec le joint de culasse, j'ai compris. Mais là, le gars dit. Mon joint de cul. Tu vois, déjà, ça veut pas trop dire quelque chose. En vrai, je pense qu'il a imaginé. Il a imaginé. Tu mets un joint. Ah, c'est le paix, en fait, c'est le caca. Que ce qui retient le paix ou le caca, c'est une sorte de joint. Il s'est dit, si le joint il est dans mon cul, c'est un joint de cul. Peut-être c'est un limiteur. Je le place et s'il lâche, tout lâche. En mode, tout lâche. En fait, il a un bouchon dans le cul. S'il pète, il va tout lâcher. C'est exactement ça. Mais par contre, là où on peut aussi. Parce que ça, à la base, ça va où? On est d'accord que ça va bien dans Louis Vuitton. Louis Vuitton, Mais il y a un truc qu'on calcule pas depuis le début. C'est fabriqué où et c'est quoi la matière? Ah, oui. Parce que ça aussi, ça joue jouer, ça. Ça peut jouer. Parce qu'on peut être beauf et quand même. Chacun va souligner l'effort technique dans la plume et l'effort alors, dans le déjà, ça se lave à 30. D'accord. Ah, très dangereux ça. Faut être en machine. Super nombreux. Ouais. Et vous savez où c'est fabriqué? Alors là, c'est impossible de savoir. En France. En France? Je dirais que c'est fabriqué en Chine. Ça doit être un produit en Thaïlande. Au Honduras. Oh! Donc, je pense que tout ce genre de t-shirt. Sont faits au Honduras. C'est fait au Honduras parce que je pense que là-bas ils adorent ça et c'est eux qui font des propas à la mode. C'est fou. Au Honduras. Honduras. Mais c'est incroyable. Et puis les Honduras ils font des vannes un peu comme ça. Ah, c'est même pas, pour le coup, c'est même pas, c'est pas une blague. Hein. Là, c'est du premier degré. C'est bizarre. C'est bizarre le Honduras. Voilà. Après, on ne savait pas. Ben oui.
Si vous voulez faire des t-shirts beaux, c'est là-bas que vous voulez, quoi. Les t-shirts, tu vois, souvent que tu importes de très loin, c'est Bangladesh, Chine et tout. Mais Honduras. Honduras, ouais. Pour le coup, ça, c'est très quali. Hein. Ça, c'est quali. Parce que je veux dire, le Honduras, c'est fait comme ça, avec des petites mains comme ça. C'est des pièces uniques. C'est des NFT, on m'a dit. Ça, c'est les NFT physiques. C'est ça. Et les gens, pour ça, sont très, 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 très bien payés. C'est des NFT physiques, c'est de l'art, en fait. Oui, c'est pour ça qu'il faut encourager ce genre d'achat. Il faut encourager ce genre d'achat. Et ce genre de t-shirt, c'est une pépite. Je sais même pas. T'es pas acheté des t-shirts beaux, en fait, pour toucher. Juste en dessous du tout en haut. Bah ça, non. Tu les mets où? Tu les mets où déjà? Bah dans un mariage, si t'es invité. Sous un costume, c'est parfait. Voilà. Mais là-dedans, je pense que ouais, faut que ça aille. Le Honduras, c'est à côté de quoi? C'est vers tu vois Strasbourg. L'Équateur, non? Strasbourg, juste en dessous. Moi, je le mettrais au milieu. Non, tu pas en milieu pas en Amérique latine. Par rapport à la ligne de l'Équateur. Ah, vous confondez. Vous confondez. C'est pas bête. Non, moi, je dirais c'est en Amérique latine, genre à gauche du Brésil. D'accord, faut le mettre là. Au milieu, à se taper le cul par terre. Ouais, je suis d'accord. Ça, on est d'accord, c'est à se taper le cul par terre. Ok, ouais. D'accord. Ouais. Bah, ça sent le logo, ça, là. Ouais, oh là là. Là, il n'y a pas de graphisme. Attends, c'est quelle taille? C'est quelle taille? Parce que je le veux, là. Tu vois ce t-shirt, il me rappelle Mad Max Fury Road. C'est du large. Ça montre que des visuels, ça parle plus que des paroles, en fait. Je suis désolé, hein. On met en pause l'émission vite fait. Juste, je le veux, en fait. Il est à toi. Franchement, garde-le à Nice. Mais moi, il y a un truc qui me choque. Est-ce que je peux me poser la question? Ah, Honduras. Est-ce que... Pardon, mais est-ce que c'est le même loup qui pose? Ah non. Genre, c'est un mannequin loup? Est-ce que ce serait le premier mannequin loup au monde? C'est le premier mannequin loup. C'est trois loups différents et regarde, une fois il est dans l'espace, une fois il est dans la forêt. Ah, c'est pas le même? Impossible. C'est pas un mannequin loup. En termes de coup de prod, ça c'est impossible parce qu'il faudrait qu'il soit dans l'espace. La lune est énorme sur le t-shirt. Parce que c'est très près, c'est très très près. Mais ouais, j'avoue que. Attendez, la lune c'est plus petit qu'un coup de loup? C'est la Terre? Non, c'est la perspective. Je pense qu'au niveau des échelles, ils se sont loupés. Non, mais ça, c'est je préfère voter Mac. Ils sont trompés sur les échelles. Mais ça, les gars, c'est pas la Lune. Hein. Ça, c'est un calot. Ça. J'en avais en primaire. C'est quoi un calot? C'est le bille. C'est une bille. Mais qui est balèze. Ah, les couilles de mammouth. Et pourquoi ils sont obligés de mettre. Ça, c'est une bille. Ça, c'est un calot. Parce que de base, une Lune. Oui. Ça faisait le taf. C'est vrai. Pas forcément. C'est vrai que là. Pas pourquoi ils en ont ajouté en bas, en haut, à droite. Le t-shirt devient très spatial, alors que de vrai, ça devrait être un truc forestier. Ouais, c'est ça, c'était à la forêt. Et là, vraiment, c'est. C'est peut-être la collection Space Fox, en fait. Je suis désolé. Space Fox, Espace Renard, Space Wolf. Attends. Ah, c'est pas mal. Créé chez Amixem. Mais j'allais te dire, c'est créé à la Redbox. Mais mec. C'est créé à la Redbox, les gars. Mais c'est ça, c'est. Mais vous n'aimez pas petit là, hein, bijou. On vient de dire que la prochaine collègue, Space Fox. C'est sûr. franchement, elle est incroyable. Franchement. Bah vous le mettez franchement, on applaudit. Le premier modèle, c'était pas convaincu, mais là, je précommande direct. Bravo. C'est beau. C'est et beau. Ça là. Non, mais je le voulais. Moi. Ok, c'est bon, tiens. Oh, après, on peut le mettre chacun notre tour. Garde-le. Vous voulez mettre où, du coup? Et ça, dans notre armoire. Avant, au début, j'étais perdu. Ça partait. Je préfère voter Macron, mais là, quand j'ai vu Space Fox. C'est du Louis Vuitton. Louis Vuitton. Je suis d'accord. Grim. Louis Vuitton, on peut monter un peu. Juste, on pose la question à Grim. Grim, Louis Vuitton ou on peut monter un peu? Prends 3 secondes. Le coup du loup est quand même lié à la planète Terre. En vrai, Grim. Ça peut partir en pandémie. Non. Grim. 3, 2, 1, c'est maintenant. Louis Vuitton, tant pis, Louis Vuitton. Ok, c'est bon. Grim, il nous faut des fautes, on a dit. Les gars. Ah, une faute. Je comprends pas. Je me suis jauni le sac à boules. Waouh, Johnny, c'est un vrai message avant. Essayons de capter. Alors, Johnny, la piste. Le sac à boules, on est tous d'accord, c'est les couilles. Les testicules. Oui, il y a pas de testicules. Ouais. Tu te les jaunis, c'est-à-dire que t'as fait pipi peut-être. Je pense que c'est quand ça, c'est quelqu'un qui porte un slip. Ouais. Blanc. Ah, ça veut dire que ça pisse, dégueulasse. Voilà, quand il pisse, à mon avis, ça laisse des petites gouttes et ça fait ça. Ou alors. Moi, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui se les rase, du coup, boule de bowling, tout propre. Et pourquoi jaune? Pourquoi jaune? Oui, pourquoi jaune? J'aime bien la couleur. Il faut lui casser la gueule, ce mec. Il faut lui mettre une balle dans mais c'est la moi tête. Qui fais le t-shirt. Théorise. Ou alors, c'est quelqu'un qui pense que le pipi est mais vraiment après, stocké dans les couilles. Peut-être que pipi, c'est une sale je info. Je me suis jauni. Enfin, peut-être c'est une mauvaise piste. Peut-être que c'est un de pastis. Jauni, ouais, tu vois. Il n'y a pas un bail de pastis. Peut-être quelqu'un là dans le chat. Putain, il y a un mec qui se jaunit en référence à Nietzsche. C'est quoi? Qui a écrit une thèse. Ah, qui parle à ça? Sur le jaune. Attends, c'est créé où ça? Le. Mais putain, les gars, t'as la Redbox aussi? Le pipi est stocké dans les couilles. C'est la Redbox, quelqu'un dit ça dans le chat. Oui, non, ça on le sait. Bah alors, et au-delà de ça. Bah, c'est peut-être que c'est ça la piste. Ah, ça viendrait de là. Bon, si ça vient du Honduras déjà, c'est que. Je crois que tout vient du Honduras. Port et compagnie. Bah ça vient d'un port, sûrement le Havre. Il y a écrit port et compagnie. Port et compagnie, oui. Mais c'est pas un lieu ça. C'est pas non, ça c'est. C'est approximatif quoi. Ça c'est. Importado en Europa por Deutschland.
Deutschland. C'est allemand, ça? C'est allemand. Made in Honduras. Non, ah, mais... voilà. Attends, mais pourquoi il y a autant de lignes? Les gars, si c'est le Honduras, c'est qu'ils savent mieux que nous. Oui. On n'est pas là pour les juger. Ils ont, ils ont toujours des super c'est jeux sûr. De mots. C'est quoi les enfants? C'est nous, on est trop bêtes. Ok, les gars, les matériaux. 100% coton. 100% coton. 100% algodon. C'est bon, 100% c'est... Ah, t'es sûr? C'est tout. Ah, vas-y, lis, hein. Mais... Ah, c'est très dur à classer un t-shirt comme ça, parce qu'en même temps... C'était le dernier. Oh. Oui. Ouais. Le dernier, on ne comprend pas, c'est triste. On peut peut-être passer à côté d'un truc. Attendez, c'est ouf. Le dernier, c'est une énigme, quoi. Il était une fois un t-shirt qui a été fabriqué au Honduras. Est-ce que déjà, vous, dans votre vie, vous êtes déjà jauni les couilles? Non, le sac à boules. Je vois pas, non. Le sac à boules. Dans quel contexte tu fais ça? Le sac à boules. Peut-être qu'il suffit de réfléchir par rapport à notre expérience. Attends, Max, une fois, je crois que tu l'as déjà fait en mode, tu te mets à Walp, tu trempes le sachet dans un pot de peinture jaune. Tu l'as déjà fait, non? Oui. Ok, pourquoi? Pour jaunir le sac de boules. Toi, pourquoi? Moi, je ne l'ai jamais fait, moi. Ah, tu l'as jamais fait, moi, je vais vous dire un truc, j'ai honte. Je crois que mes couilles, elles changent pas de couleur. Ah ouais? Ouais, c'est toujours la même couleur. Ah, ça y est, les gars. Mais non, mais ça y est. J'arrive pas à changer la couleur. C'est super triste. Jamais vu une autre couleur. Non, mais j'ai. Non, j'ai pas. J'ai pas. Anis, j'ai. Ouais. Ok, vous connaissez. Vous l'avez jamais fait, ce truc? Tu l'as appelé Anis? Ouais, pardon, monsieur le policier. Mais j'ai. Le truc qu'on a déjà tous fait. On se peint les couilles. Ouais. On les place comme ça, on va dans un supermarché, on les place comme ça entre des bananes et les personnes, elles prennent, bam, elles sont nouvelles. Mais oui. Mais non. C'est bien que ça fait référence à ça. Mais ouais. Ça fait référence à ça. Ça, tout à mon avis, ça va très très haut, ça. Mais ouais, mais ça, c'est trop bon. Et on dit, bah allez-y, pesez-les, à mon avis, ça pèse une tonne. Oh là là, mais c'est pour ça, c'est ça qu'à boule, en fait. C'était ça, en fait. C'est sûr, c'est ça. Pourquoi tu fais ça dans les bananes au lieu de faire ça dans les litchis, oui, par exemple? Parce que c'est pas jaune. C'est pas jaune. Oui, mais les bananes, ça ne. Non, mais les mecs, ils se disent, oh, c'est, nouveau, pommes, c'est un nouveau modèle de banane ou quoi? Jaune. Ah, mais bananes, souvent, c'est des grands trucs, c'est plus facile. Parce que les couilles, c'est des petits, des trucs et tout. Ouais, je comprends. T'as une vidéo de quand t'as fait ça? Ouais. Moi, on l'a montré après. Oui. Sur Dailymotion et tout. Je suis, hein. Ouais, juste pour vérifier. Ça marche, ça marche. On place où, on a dit, du coup? Allez, ils l'ont mis tout là-haut. Attends, on va faire un petit effet. On va le faire passer là-haut. Comme sur TikTok. Un petit effet, il va apparaître d'un coup là-haut. Il va disparaître et apparaître là-haut. Attends. Vas-y. Par rapport à... Comme je t'ai... En fait... On cut. Comme je t'ai dit tout à l'heure. On cut. Mec, c'est pas grave, on fera ça au montage. Comme frère, je t'ai dit tout à l'heure. Sur Premiere Pro, mec, c'est facile. On fait ça. On fait tout là-dessus. On cut, il va apparaître d'un coup. Il va apparaître là-dessus. Il va apparaître. Bim, il va apparaître là-dessus. Là, on mettra un truc effet. Il sera pas là. Et bam, il est apparu. Baba. T'as cuté en fait. Y a que des cuts. J'essaie de l'arrêter ça. Papa. Le raccourci cut. Il ne comprend pas. Le raccourci cut, moi je le mets sur c'est C sur le clavier. C'est qui fait le montage de cette vidéo? C'est moi. C'est Dr. John. Vous pourrez m'envoyer la V1 parce qu'il y a des trucs, je suis pas à l'aise. J'ai pas envie que ça passe. Ah, tu veux que ça cut? Ouais, il y a des trucs que j'ai dit, j'ai pas envie que les gens les voient. Moi, vous pouvez m'envoyer la VDF. Je sais plus, mais. Ouais. Si personne les voit, c'est mieux, j'espère. Ok, non, ok. T'inquiète, personne ne les verra. T'inquiète, mon gars. Bah, envoyez-moi la V1. Ok, ouhou, très, bien, très soucieux de mon image. Donc, bah, ok, ouais. Normal, mais. Ouais, c'est raciste et tout. Normal. Donc, merci les gars, envoyez-moi la V1. Et... Les amis. Ouais, fin de tournage? Non. Ah, quoi? Ah. Il reste une séquence. Oh, okay. Laquelle? Très rapide. Laquelle? Mais malheureusement, dangereuse. Ok. Attends, on est obligé de la faire? Oui. Ah, mais si c'est dangereux. On est obligé de la faire. Mais on a une famille, Max. Je suis désolé, mais est-ce qu'on va prendre des risques pour une émission? Les risques sont mesurés. Allez, let's go. Les risques sont mesurés, c'est on peut mourir. Ok. Mais pas okay. Donc, déjà. On, genre qui? Soyez, bah, toi surtout, je pense. Pourquoi? Une chance sur deux, on m'a dit. C'est bon. C'est pas écrit. Ici, il y a un LED. D'accord. Un panneau LED. D'accord. C'est une technologie en fait avec des micro-lumières. Ouais. Parce qu'ils peuvent connaître ça. Ouais, ok. En gros, là, il y a un LED. Ouais. Il y aura une image floutée. Ouais, elle est là. Et attention, regardez ce qu'il y a là. Ah, il y en a une autre image floutée. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière cette image floutée? Sur cette image floutée, il y a vraiment un chibre. D'accord. Flouté. Regardez, si on regarde de loin, on se rend compte. Ouais. Et ici. Ah, c'est dur quand même. Ouais. Ici, on a un dessin flouté. D'accord. Je vais demander au chat de faire point d'exclamation Discord pour avoir un lien qui vous amène dans mon Discord. Celui-ci vous permettra d'être en direct avec nous. Vous allez dans la salle d'attente et vous rejoignez. Celui qui arrive à savoir ce qui se cache derrière cette photo gagnera le droit de déflouter cette image qui, du coup, bannira la chaîne. Le apparaîtra et du coup, Maxime est banni. Ok. La validité est interdite sur Twitch. Okay. Mais ça sert à c'est quoi? C'est un ban def. Alors, c'est avec le feu. Sympa. C'est juste, alors, tu te attends. Fais ban, quoi. Oui. Mais celui qui ne trouvera pas, il ne trouve pas, il est ban de ma chaîne. De la chaîne. Ah, le temps de la prochaine émission. Le risque de semaine. Le risque mesuré. Et là, en plus, j'ai toujours eu du mal à doser. Non, mais là, c'est le risque le plus grand de l'histoire de l'Internet. En plus, ici, ça sera 3 semaines, vu que la prochaine est dans.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais si lui le fait, c'est... Et les gens sont fous, ils vont le tenter, là. Ouais. Ah, ils ont trouvé. En vrai, les gens, donc, je crois qu'ils ont trouvé pas. Déjà. Allez, sur Discord, point d'exclamation Discord, vous rejoignez. On respecte le maire du chat. Hein. Ah, ils ont qui trouvé vient, les gens, je crois. Il est élu. Vous êtes gentil avec lui. Et ça va être super simple. Je vous propose tout de suite d'accueillir quelqu'un dès qu'on l'a. C'est faux qu'on l'ait, en fait. Je propose d'accueillir, mais si on l'a pas, oui. Ça va venir. Ouais. Vous avez un indice en bas. Machin qui mange machin avec machin. Mais c'est une vraie photo ou c'est un montage? C'est un montage. Ok, bah, okay. Je l'ai aussi. Derrière, c'est un vrai zizi derrière. Ça serait dommage que tout le monde l'ait. C'est le zizi de qui? Je crois que c'est bien parti. Pour Max. De pour l'instant, sur toutes les émissions, personne n'a. C'est ouais. Ton zizi à toi? J'aurais aimé, mais le mien ne ressemble vraiment pas à ça, malheureusement. Ah. Il est beaucoup plus petit, quoi, donc ça rentre. Donc là, derrière nous, il y aura un sexe qui va apparaître. Ouais. Bah, si on dans fait, notre dos, quoi. Ça ferait une belle photo. C'est jamais arrivé. Moi, j'aime bien que derrière moi, il y a un pénis. Bah, il observe, quoi. Il est posé. Ouais. Je me sens en sécurité quand derrière rejoignez, moi. Rejoignez, hein. Rejoignez le Discord. Il faut que vous rejoigniez tout simplement le vocal. Est-ce qu'en régie, quelqu'un est prêt? Ils me font la. Bientôt, bientôt, on dit. Bientôt. Sinon, ça va, vous? Ouais, franchement, ouais. Hein. On l'a pas dit, et j'en profite pour le faire maintenant. Ouais. Merci beaucoup, Anis, d'être venu en secret. Anis Rally, qui est avec nous. Anis Rally, Anis Rally, Anis, Anis. Et pas Anus. Et pas Anus, Anus. Non, les deux, ça va, les deux, ça va. Les deux, ça va, les deux, ça va, les deux. Stop! Quelqu'un est avec nous en vocal. Allô? Yes. Salut, mec. Ouais. Salut. Pardon, t'as dit yes? On est en Angleterre? Je crois pas. Ouh. Excellent, excellent. Oui, excellent ou excellent? Non, mais t'as pas l'anglais, du coup. Allez. Comment tu t'appelles, mec? Je suis désolé. Brian, peut-être? Je m'appelle Verial. T'es beaucoup énervé. Pardon, ouais, je suis désolé. Excuse-moi, je suis à cran. Tu t'appelles comment? Ça se passe pas bien avec ma meuf en ce moment. Pardon, désolé, je te laisse continuer avec l'équipe. C'est pas grave. Tu dis vague. Bon. Tu t'appelles comment, frérot? Excuse-moi. Je m'appelle Verial sur ton chat. Ah oui, 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 ah, d'accord. Oui. Oh, ben, je vois qui c'est. T'énerve pas parce qu'on peut se déplacer à Londres. Hein. Mec, il est pas anglais. Ok, pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Tu te wow. Désolé. Tranquille. Ok, ok, c'est bon. Est-ce que tu as une propale à nous faire? Changer les euros en livres. Mec, sortir de l'UE. Moi, la propale que j'ai à faire, c'est Steph Curry qui mange un gâteau Minecraft avec Amino à tuer. Ah, c'est précis. Mais c'est précis très de ouf. Précis. Oh là là. Si c'est mais ça. Mais en vrai, mais mec, dans attends, le chat, comment... il avait tout. Oh là là. Attends, pardon, mais attends. Et c'est pas ça. Attends. Mais comment c'est. Attends. Comment c'est. Ah, d'accord, c'est pas ça. Je me suis dit, comment ça. C'est possible. Non, mais... ah, mais... non, on est d'accord. Mais chat, mais dans le chat, bon il avait tous. Je suis dégoûté. Soyez gentil avec lui, c'est le maire du chat. Il est banni, mais c'est le maire du chat. Merci, frérot, d'avoir été avec nous. Merci, frère. T'embrasse. Mec, c'est que j'avais trop peur. On était vannes là. Gros bisous. Oui. Oui, parce que vraiment dans le chat tout le monde avait. C'est joué à une, là, une personne. C'était toi. Ouais. Absolument tout le chat le mettait. Oui, bah j'ai cru voir. Ouais. C'était la première. J'ai raté, j'ai raté. Quelqu'un peut me dire dans l'oreille, mais attention, on va pas. Non, on va le montrer. On va le montrer. C'était Stephen Curry qui mange du curry. Freddie Mercury qui mange du curry avec Stephen Curry. Tout le monde l'avait. Et il y a ta tête. Ah, c'est ouf. Parce qu'à chaque fois, on fait des. Et tout le monde. Et tout le monde l'avait écrit. Tout le monde mettait Stephen Curry ou Freddie Mercury. Mais comment ils ont réussi à trouver ça? Ah, d'accord, ok. Et là, c'était Freddie, il y avait ta tête. Je me suis dit, c'est trop dur d'en trouver. Vas-y, dans la mezzanine qui fait la maïzena. Voilà. Et du coup, en fait, Freddie, tu trouvais le maillot de basket, machin, le curry. Hop. Curry, t'avais le micro, le bras. Si t'avais Stephen Curry, t'avais le curry et t'avais Freddie Mercury. Du coup, on verra pas le. Non, si, mais dès que ça cut, je te montre. Okay. Ouais, après le live, tu veux. Après live, on non, je n'ai pas spécialement envie de le voir. Mec, c'est trop tard. Non, c'était pour savoir. Tu veux si... vraiment voir, quand même. Le voir. Après, si vous l'avez déjà imprimé, je peux prendre tu la veux photo. Le voir, tu veux le mettre dans ta bouche, tu veux le mettre dans non, ta bouche. Non, c'est juste si l'ont imprimé, tu vois, c'est relou le papier. Ah, tu veux le mettre dans ta bouche? Non, juste je veux le plier, le mettre dans mon portefeuille. Tranquille, l'avoir. Le mettre dans ton portefeuille, le sortir et le mettre dans ta bouche. Non, non, juste qu'il est dans mon portefeuille. D'accord, les gars, il est scripted, je vous jure, c'est vraiment un viewer, il est venu. Ah non, non, mais par contre, pour ceux qui me suivent vraiment en live, ce gars-là vient tout le temps sur mes lives. C'est Erial, non? Erial ou Verial, je sais plus le nom, mais je sais très bien qui c'est. En tout cas, il est banni maintenant, c'est ça? Bah ouais, bah non, il est banni. Attendez, il dit scripted, est-ce qu'on peut le revoir en ligne? Et il dit que c'est pas scripted. Non, il est banni. Il est banni. Est-ce qu'on peut le faire ça? Ah, j'ai voulu les piéger! Les Machiavel! Ok, c'est vraiment, vraiment, je le jure, sur ma mère. C'est pas, ok. Ce n'est pas truqué. Sur ma daronne! On peut pas le revoir en ligne et il est banni. Il est banni. Il a plus de travail, le pauvre. Il est banni. Viré son taf, viré son école. Il est banni de la vie pendant 2 semaines. Ils lui ont gâché la vie. Eh oui. Mais c'est pour merci. Je suis obligé de cut parce que sinon ils vont allez, ouais, ah, on c'est pas vous qui recevez des insultes en. Ok. Eh. Vous arrêtez d'insulter Maxime, oui. Ils sont à gauche, ils t'entendent. Alors. Il est revenu, frérot, t'es là?
Ouais, ouais, je suis là, ouais. Dis-le que c'est pas scripté ou ils vont me croire. Alors, sur la vie de ma mère, c'était pas scripté. Tu sais quoi ? Juste parce que t'as fait ça, t'es même pas ban. Bisous, mec ! Non, toi, t'es un suceur, par contre. Non, c'est bon, il a été gentil, il aurait pu dire. C'est vrai, c'est vrai. T'as juré sur la vie de ta mère ? Bon, par contre, t'es ban de ma chaîne. Ah, oui, s'en fout. Oui, il a juré sur la vie. Il allait pas sur ta chaîne. C'est vrai. Alors, franchement, là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent ban def, ils disent ban def. Ok, une semaine. Une semaine. Une semaine, au droit. Ok, une semaine, c'est bien. Une semaine. Mais dis-nous, frérot. Merci. T'as vu. Merci à tous. N'hésite pas à s'abonner à ma chaîne, j'en profite pas. T'es pas en live. Grim Cujo, slash Grim Cujo, c'est ça? Merci, oui. Merci à Grim Cujo d'avoir été là. Merci à Anis. Merci à Freddy. Merci à, Anis. Merci à tous pour cette émission super. Merci, merci à toutes les équipes. Et Anus. C'est Anis avec un I. C'est pas un U. Pas cool, j'en ai c'est souffert. C'est pas la même voyelle. En quatrième, et on lui fait ça depuis qu'il est enfant. Tout le monde lui fait depuis qu'il est enfant, tout le monde lui fait depuis la primaire. Ouais. Je sais pas, mais je me suis dit, il y avait une fenêtre. Non. Depuis non. La primaire. Bah oui, la fenêtre qu'il y a, c'est mon trou de balle. Ah, je me taille tout seul. Oh là là. Merci à toutes les équipes qui ont fait l'émission, qui nous ont aidés. Merci à tous à la prod en régie. Merci à tout le monde. Merci à Ben de nous aider à faire cette émission. Merci à tous. Soutenez l'émission avec le lien. N'hésitez pas à suivre la chaîne sur YouTube, Twitter, Zen Émission. Gros bisous. On se voit à la prochaine. La dernière de la saison. Je fais la dernière tout court. C'est la dernière de la saison bientôt.